de bien faire. Hervesen, c'est plus un rouleur. Van de Velde aussi. Bon, Menchov sera là. Turpin sera là. Bon, c'est pas sûr qu'il arrive à suivre tout le monde dans le port de Balès. C'est un bon grimpeur, mais bon, il a fait des coups déjà. Bon, Zubeldia, vrai grimpeur. L'Andalouse et Pérez, vrai grimpeur. Bon, Benati, on n'en parle pas. Lui, c'est un sprinter. Pachivilla, bien sûr. Bernard Coll aussi. Patrice Algan. Bon grimpeur, Incapi a déjà gagné en montagne, donc a priori hein, on lui fait confiance, sera plus dur pour Laurent Lefebvre. Johan Chop, on l'attend, mais bon, on l'a pas encore beaucoup vu depuis le début du tour, donc on se pose des questions. Albazini, non. Vaugrenard, c'est le champion de France du contre-la-montre. Garaté, oui, l'ancien champion d'Espagne. Christian Knes, c'est un grand gabarit, c'est un rouleur. Vinokourov, ça défend des jambes. Ivanov protège, c'est le bras droit hein, c'est la protection, haute protection de Vinokourov. Navarro bah, restera aussi avec Vinokourov. Et puis Juan José Cobo Acebo, lui, est un vrai grimpeur. Ça fait, allez, on va dire, une douzaine de, un peu plus, une quinzaine de grimpeurs. Oui, il y a quand même pas mal de monde dans ce groupe qui peut passer les deux ou trois premiers cols. Quand il y aura la vraie bagarre, ça va quand même se circonscrire à quelques coureurs, surtout, évidemment. On pense à Vinokourov si jamais il est en forme. On pense à Menchov, pourquoi pas Kirchen et Zubeldia. Voilà, si jamais il y a une vraie bagarre, ce devrait être ces quatre-là qu'on devrait retrouver. C'est une petite interrogation sur Vinokourov. Les autres devraient, si ça roule comme ça, les autres évidemment peuvent suivre un bon moment. On voit Benati déjà en queue là, mais qui s'accroche. Les autres eh bien, peuvent éventuellement à une attaque de Lefebvre. Ah, c'est pour le grimpeur ça. Oui, parce que là on est dans un col de deuxième catégorie. On va attribuer 10 points et au niveau du classement général, il est 6e avec 55 points. Bon, c'est quand même très loin. La moitié de Rasmussen. Hein. Mais bon. On se replace, il y a des prix jusqu'au 5e. Là, il va passer, il va devenir 5e devant Cadel Evans. Quitte à être là, quitte à être devant, autant le faire intelligemment. Oui, très bien fait. Il y a des petites primes à prendre de toute façon, ouais, donc pourquoi les négliger? Il y a des classements, il y a de l'argent. Ça fait partie aussi, c'est ce qui anime une étape. Peloton sous la conduite toujours de l'équipe Rabobank. On va beaucoup travailler dans ce porté d'aspect. C'est court, donc c'est un travail qui demande peut-être pas trop d'entrain. On parlait tout à l'heure de 5 Français devant, il y a 7 Espagnols aussi. Et ça fait la moitié du groupe. Entre les Français et les Espagnols, il y a la moitié du groupe. Ils étaient déjà 50% hier, les Espagnols devant. Et nous sommes passés... Ils étaient 100% à un moment. C'est vrai, à un moment, oui, ils étaient 5. Quand ils ont lâché... Ah, ils étaient 5 à un moment. Ils étaient tous sur le coup, il y avait un coup à 6, ils se sont retrouvés 5 et c'était 5 Espagnols. Et c'est un Espagnol qui a gagné. Je disais, la tête de la course est passée dans une autre vallée maintenant. Nous étions dans la vallée du Salat, nous sommes dans celle du Gers, avec la tête de la course, hein, j'entends bien. Juan Antonio Flecha désormais pour mener... la Rabobank, le Toulousain. Et vous avez vu déjà Peter Winning disparaître. Alors là, il reste deux équipiers avant d'utiliser les grimpeurs. On va tenter, bien évidemment, de passer ce col du porté d'aspect avec ses rouleurs. Oh, il n'aura pas beaucoup de chance derrière parce que c'est une descente, une nouvelle montée. Mais comme on l'a dit, 8-29, c'est pas... Mais ça va même plus vite dans le peloton que devant. Donc c'est pas catastrophique. Il n'y a aucune raison de s'affoler. Tant qu'on peut rouler comme ça, avec des équipiers qui ne sont pas encore des grimpeurs, bien conserver ses grimpeurs au chaud, et bien c'est tout est gagnant pour Mans lâché avec Sébastien Chavanel. Et c'était un Rabobank qui était passé en tête la dernière fois au sommet du col du porté d'aspect, c'était Eric Decker en 2005. Directeur sportif adjoint de l'équipe Rabobank sur ce Tour de France avec Eric Breuking, Théo Van Roy dont on parle beaucoup, et lui le manager général désormais de l'équipe Rabobank. De Roy. C'est pas facile là pour Freddy Bichot, pour un Antonio de Flecha, quand je disais le Toulousain hein, d'adoption, hein, il a habité 2 ans à Toulouse. Je crois qu'il est retourné habiter en Espagne d'ailleurs. Vainqueur sur le tour à Toulouse. Nous sommes maintenant dans le département de Haute-Garonne. Oui, on fait des petits sauts comme ça, hein. On change de département de temps en temps, c'est pour voir si tout le monde suit. La grande surprise, en tout cas c'est une découverte, hein, c'est de voir cette équipe Rabobank aussi bien gérée
pour l'instant le Tour de France depuis que Mikael Rasmussen est en jaune. Sergueï Ivanov, Laurent Jalabert est parti, emmène le peloton après un petit peu d'avance. Un très bon descendeur, attention dans cette descente dangereuse. Vous voyez qu'il y a très peu de virages, ce sont des enchaînements. Et lorsqu'on arrive évidemment dans certains virages, on est un peu surpris. Voilà, c'est ces gros plots là qui ont été rajoutés, gros plots en béton qui ont été rajoutés avant malheureusement. Non, c'était pas celui-là. Avant 95, qui n'existait pas auparavant. Alors évidemment. Ah, quand... saut de chaîne là pour Arroyo. Il l'a remise. Il ne peut pas la remettre. Là, il va être obligé de s'arrêter, David Arroyo. Laurent Jalabert, vous êtes derrière David Arroyo. Oui, absolument. Nous sommes derrière David Arroyo, que Nicolas Portal veut attendre. Arroyo qui a tombé sa chaîne sur un soubresaut de la route. Alors que nous passons l'instant devant la stèle Casartelli, il va s'arrêter Arroyo pour essayer de la remettre. Ouais, la fin de nœud, ça va pas être simple, hein. Sa chaîne s'est enroulée. La fin de nœud, il descend en roue libre, là, il se laisse glisser, c'est le mieux qu'il a à faire peut-être. En attendant sa voiture, son mécanicien, pour l'aider. C'est vrai que c'est un exercice difficile, hein, la descente ici. Elle est très technique, il faut des trajectoires précises. Elle est très très rapide cette descente, il arrive maintenant sur le bas. Au pont de Loul, et David Arroyo a fort à faire à négocier ses trajectoires et essayer de remettre sa chaîne. Mais il est en train de se battre avec sa chaîne, il n'y arrive toujours pas, hein, il n'est toujours pas parvenu. Alors pendant... pour l'instant, ouais, obligé de s'arrêter quand même, ça me paraît plus simple. Obligé de s'arrêter. Ouais, ça me paraît plus simple pour David Arroyo. On va changer le vélo, le temps de remettre la chaîne, et puis voilà, pas perdre trop de temps. On change de vélo, on va réparer sa chaîne, on va la remettre en place, et puis après il reprendra son vélo d'origine. On va revoir le passage devant la stèle. Fabio Casartelli, une grosse pensée bien sûr, Jean-Paul Olivier, pour le coureur italien. C'était le 18 juillet 1995, Fabio Casartelli se tuait sur cette route. Une stèle, ça n'est pas exactement à l'endroit de la chute, mais à quelques mètres de là, il a fallu trouver un endroit bien précis. Elle a été élevée en octobre 1995 et construite par le sculpteur Bruno Luzzani en marbre blanc et en marbre gris venu d'Italie. Un épisode bien triste du cyclisme nous rappelle que le cyclisme est aussi et surtout un sport dangereux. Et on peut voir le vélo de Casartelli conservé dans la chapelle de la Madonna del Ghisallo en Italie, au sommet du col du même nom, passé par les coureurs du Tour de Lombardie. Il y en a un qui n'est pas bien aujourd'hui, c'est Fabian Wegmann, le petit par la taille champion d'Allemagne, coureur de l'équipe Gerold Steiner, le Tintin du peloton, on l'appelle ainsi parce qu'il a une ressemblance avec le héros de bande dessinée, c'est la petite houppette. C'est dur pour certains, hein, Laurent Delay. Oui Thierry, 13 coureurs exactement ont perdu contact avec le peloton. Parmi eux, William Bonnet qui s'est laissé décramponner, lui presque volontairement. Pourquoi? Tout simplement pour attendre Thor Hushovd, même s'il n'y a pas de raison d'être inquiet pour Hushovd pour le moment, parce que tout à l'heure il est passé assez loin du sommet du col de Port, et dans la descente, ça a été l'un des premiers à nous doubler pour revenir. Thor Hushovd, descendeur exceptionnel, et qui va sans doute faire toute la descente pour essayer de reprendre contact avec le peloton avant le troisième col de la journée. Donc un col du porté d'aspect qui n'est pas très long et qui finalement n'opère qu'une sélection relative. Les habitués des arrière-postes sont avec nous. Forster, le sprinter de la Gerold Steiner qui est dépassé, l'équipe Gerold Steiner qui a beaucoup de clients, hein, dans l'arrière-garde du peloton. Un peloton donc de 150 coureurs environ. Oui, la descente n'est pas très longue, hein, pour revenir, il ne faut pas quand même passer très loin. Et Sergueï Ivanov a très bien descendu, hein, et s'est aperçu que finalement personne ne le suivait, donc il a décidé, le Russe, de s'en aller tout seul. D'habitude, c'est lui qui est juste à côté d'Alexandre Vinokourov, et donc il a décidé de partir, de faire un petit bout de chemin tout seul. 7,51, c'est l'écart entre les hommes... Pardon ? Ça a beaucoup diminué. Ah oui, pardon, j'ai cru 9 minutes. J'ai cru que j'avais pas bien. Non. 7,51, c'est l'écart entre la tête de course et le peloton. On a vu un gros travail, hein, de Juan Antonio Fecha. Prudence, bien sûr, Laurent Belay et le peloton. Dans cette descente et retour de Nicolas Portal et de David Arroyo.
sur un autre vélo ou il a... Vous voyez, c'est un autre vélo. Il n'a toujours pas changé son vélo, toujours pas récupéré celui d'origine après son saut de chaîne. Et attaque de... En tout cas, ça accélère avec Incapi, petit groupe qui avait perdu Sergueï Ivanov. Mais le Russe, vainqueur d'étape, rappelons-le, sur le Tour de France. C'était la 9e du Tour 2001 à Aix-les-Bains. Attend tout son petit monde. Mais ça remonte tout de suite. Groupe de tête avec 25 coureurs et peloton qui est à 7 minutes et 51 secondes. On tourne une... Ah bah, il est original Ivanov quand même. Hein. Il est parti. Finalement, il était parti faire pipi tout simplement. Il a eu peut-être un moment une autre idée en tête et puis finalement, il s'est dit, je vais attendre Vinokourov, je vais reprendre mon boulot de coéquipier. Enfin bref, voilà, c'est comme cela sur la route du Tour de France. On est ensemble encore très très longtemps. C'est la 15e étape. C'est Foyloux d'Anviel le Louron. Et comme je vous le disais, on fait nous aussi, tiens, comme Ivanov, une petite pause. À la ménopause, j'étais prête à tout et n'importe quoi pour réduire mon petit ventre. J'ai trouvé une autre solution. Avec Ménophytea ventre plat, j'ai vu le résultat. Je trouve ça lourd, je trouve ça hyper lourd. C'est peut-être un peu collant. Non, collant, ça colle. Là, c'est lourd. T'as raison. C'est un terrain pour Kilo Killer, ça. On parie sur lui. T'es sûr? Non, parce que c'est quand même super lourd. Pour connaître l'état du terrain, allez plutôt sur PMU.fr. Vous trouverez aussi les cotes en direct, l'historique des performances et les vidéos des courses. PMU, on parie que vous allez gagner. PMU. À la chaleur et l'eau, Sader. Aux chocs et vibrations, Sader. Pour le bois, le plastique, Sader. Le métal et la brique, Sader. Ah, silence! Silence! Voici enfin Silence, la première formule muco-adhésive qui fait serrer ronflement durant toute la nuit. Avec Silence, quel silence! Silence garanti ou remboursé. Et pour les gros ronfleurs, nouveau Silence, gros ronfleur. À J2R, aux côtés de ses coureurs sur le tour, et toujours à vos côtés, à J2R, l'avenir, c'est mieux avec 2R. Gel Viveldop fixation béton. Testons son efficacité. Une formule qui repousse les limites de la fixation. Un style percutant qui dure, dure. Gel Viveldop fixation béton. Nouveau. Spray fixation béton, coiffez toutes vos envies. Top. Parce qu'elle est peu salée, la Salvetta, on peut en boire toute la journée. Hé hey, petit, tu pourrais pas nous en donner un peu? La Salvetta, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Et découvrez la Salvetta agrume. La route du Tour de France, la 15e étape, Foyloux d'Anviel le Louron, 196 km. Et nous sommes, je crois, dans la roue de Maxime Iglinski à l'arrière du peloton. Coureur kazakh, hein, de coéquipier d'Alexandre Vinokourov, victime d'un pointe de chaîne et d'une légère chute dans cette descente difficile. Ah, ça se passe ici. Il a eu un problème avec sa chaîne qui s'est bloquée et donc ça l'a envoyé par terre. En pleine ligne droite. Et la chaîne s'est bloquée. Il a changé de vélo confirmation avec Laurent Belec. Oui, Iglinski, hein, qui a chuté sans doute au freinage avant un virage assez serré sur la droite, mais une descente, vous aviez raison de le souligner tout à l'heure, rapide, et on a vu des passages à 17%. Donc la pente est sévère avec toujours ces petits blocs de béton qui avaient été fatales à Casartelli. On était sur cette étape en 95, il est évident que on a une grosse pensée pour la famille de ce garçon. Mais c'est vrai qu'Iglinski, il a fait une petite bascule. Il est reparti et ensuite il s'est arrêté à nouveau pour changer son vélo parce que son vélo, visiblement, n'a que modérément apprécié la cabriole sur cette descente du Portier d'Aspet que nous effectuons maintenant derrière Michael Delage, le jeune Français de la Française des Jeux qui tente de revenir sur le peloton. Il négocie actuellement un virage sur la gauche et je crois nouvelle chute parce que toutes les voitures sont arrêtées. Oui, c'est Graps là qui était arrêté. Non, il avait crevé, il n'est pas tombé, Graps. Donc une descente sinueuse, pentue et finalement assez dangereuse de ce Portier d'Aspet. Et Iglinski, ça a dû lui rappeler un mauvais souvenir parce que l'an dernier c'était entre Gap et l'Alpe d'Huez.
et il avait été victime d'une chute beaucoup plus sévère dans la descente de l'Isoard. En compagnie, vous savez de qui ? De Grapsch. Ah ben. Ils étaient tombés tous les deux. Et Gliski s'était bien abîmé, hein, beaucoup de multiples contusions. Et les deux avaient quand même réussi à terminer l'étape. Tiens, c'est marrant, d'une année sur l'autre. C'est le hasard. Alors, j'étais en train de regarder, je vais vous le retrouver. Et voici donc la tête du groupe, la tête de la course aujourd'hui, le groupe de 25, toujours ensemble. Alors que nous sommes au pied, attention là, les choses deviennent sérieuses. Le col de Monte, descriptif. Vous ne pouvez pas nous le faire. Ah, c'est, je croyais qu'on attendait une image. Ah non, mais j'attendais une image. Je croyais qu'il y avait quelque chose en 3D. Comme une parenthèse, anecdote. Hein. Il y a les deux frères Grapsch qui sont sur le tour. Et j'avais vu que dans le contre-la-montre, ils étaient partis l'un derrière l'autre. Ça a un petit peu changé hier. Il y a Bert, l'aîné, qui est devant. Il est 118e. Et Ralph est 123e. Alors bon, je vous messieurs, c'est bien Bert, l'aîné. Hein. Je demande à Jean-Christophe Roncaillolo et puis à Jean-Luc Sabatier. Ouais. Non, mais c'est bien quand même qu'ils vous ignorent totalement. Ah bah aujourd'hui, il y a dû se passer quelque chose. Ils vous regardent même pas quand vous leur parlez. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils racontent des trucs. Ils m'écrivent des choses sur l'ordinateur. Ils chambrent un peu, ils branchent. Alors là, il m'a écrit Macron montagne, Macron enregistré par touche de raccourci du clavier. Comment voulez-vous que j'y aille ? Comment voulez-vous qu'on avance ? Si vous annoncez ça, on va faire chuter l'audience. C'est possible. Alors, pour faire le descriptif du col de Mente. Ça monte 7 km. 7 km avec une pente assez régulière. 8,5% pour commencer, 8% dans le kilomètre qui suit, 2 km à 8,5%, 1 km à 7% et 2 km à 8%. Vous voyez, très régulier, donc il y a plus de 8% de moyenne. C'est un col difficile, mais malheureusement un peu court. 7 km, on va peut-être avoir quelques coureurs en difficulté dans ce groupe-là et dans le peloton, très certainement. Mais c'est quand même un col un petit peu plus court. Alors il est bien plus long de l'autre côté et bien plus dur. C'est dommage évidemment qu'on ne puisse pas le faire, mais le sens de la course est ainsi. On va donc faire la descente où Luis Ocaña était tombé, je crois que Jean-Paul nous en parlera, on va essayer de reconnaître le virage. C'est pas facile, parce qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent. Oui, mais enfin, il y a une plaque, d'ailleurs je ne sais pas si Jean-Maurice pourra nous la montrer, il y a une plaque qui rappelle cet événement dramatique d'ailleurs. Et vous savez que Jean-Maurice Hoeg, notre peintre réalisateur, il fait des miracles. Il nous fait un tableau tous les jours. Avec des petites touches de couleur comme celle-ci, là, magnifique, sublime, repère chaque centimètre de chaque étape. C'est peut-être même l'un des premiers à avoir le parcours du tour. Donc le plus vieux des grappes, c'est bien Bert. Le plus vieux, c'est Bert, il est en 75. Non, le plus vieux, c'est Ralph. Il est né en 73. Alors Ralph a 34 ans et Bert a 32 ans. Merci. Jean-Paul, la chute d'Ocaña, on y revient ? Ah bah on y sera tout à l'heure. Ouais, tiens. Et oui, on vient d'apercevoir Job Zoetmelk et là, il percute une personne. Ocaña est à terre et Agostinho et Zoetmelk percute Ocaña à terre. Oui, il a déjà percuté quelqu'un apparemment, non ? Non, pardon ? Non, il n'a pas percuté. Non, Ocaña est tombé tout seul. Ah, il est tombé tout seul. Et il a été percuté par Agostinho et par Zoetmelk. Il y avait un énorme orage. Hein, on n'avait plus de frein. C'était l'apocalypse. Le ciel charriait des noces sombres, dirons-nous. Et disons que Merckx avait déjà attaqué Ocaña à plusieurs reprises et Ocaña avait sans arrêt répondu. Et puis à un certain moment, hop, il a glissé dans un virage et il est parti. Denis Menchov, juste derrière Alexandre Vinokourov. Patrice Algan est là, on est dans l'ascension du col de Mente. Vous remarquerez, Thierry, que Vinokourov est remonté et aussitôt Menchov dans la roue est remonté. Ils n'ont pas quitté de la journée, sauf évidemment si Vinokourov n'est pas très bien. Menchov essaiera de l'oublier. Je pense qu'on va les voir souvent l'un à côté de l'autre quand ça va monter. Un Russe et un Kazakh ensemble. Qu'est-ce que ça donne ? Des vacances à Monaco, puisque Alexandre Vinokourov, comme quelques-uns de ses copains kazakhs, réside à Monaco. Beaucoup de coureurs aussi, Tom Bonnen par exemple. C'est pas le plus pratique pour s'entraîner non plus. Hein, là-bas.
Il fait beau, mais enfin les routes... C'est peut-être plus pratique pour autre chose. Ah, vous croyez, mais je vois vraiment pas quoi. Ah bah moi non plus, hein, je peux pas pour vous le, dire. Pour le Grand Prix. Et là, avec cette troisième ascension du jour, on rentre dans les choses sérieuses, le col de Manté, puis le port de Balès. Une grande nouveauté sur le Tour de France, découvert par la très belle épreuve qui est la Route du Sud au mois de juin. Ensuite, ce sera Père-Ressourde et la descente vers Loudenvielle-le-Louron. Et regardez, Niermann, Fletcha en protection pour l'instant de Michael Rasmussen. Le Danois va peut-être réaliser l'inimaginable au départ de ce Tour. Remporter le Tour 2007. On savait ce Tour de France ouvert. On n'imaginait pas Rasmussen capable de gagner le Tour de France. Thomas Dekker est là, Michael Bogert aussi. La garde rapprochée de Monsieur Rasmussen, s'il vous plaît. Et Laurent Jalabert, est-ce que l'on va finir en haut du col de Manté à 25? J'en doute, franchement j'en doute. Moi aussi j'en doute un petit peu parce qu'Aversen, le coureur de la CST, le coureur danois, secoue pas mal sa carcasse. Nicolas Portal n'a pas l'air très à l'aise non plus. C'est le cas également d'Albazini, voilà, ces trois-là traînent un petit peu en queue de groupe. Mais il faut dire que le rythme est régulier, hein, il n'y a pas d'attaque. Ce sont les coureurs de Scaltel, Ruben Pérez tout à l'heure, qui est monté assez rapidement, hein, on sentait ça avait accéléré un petit peu par rapport à tout à l'heure. Mais c'était toujours régulier, sans changement de rythme, alors que l'Andalouse maintenant, pour Scaltel, a pris le relais. Et ça va déjà à nouveau un petit peu plus vite, et Zubeldia laisse une petite cassure. Ils sont quatre, avec rien du tout, hein, 3 mètres d'avance, mais on a l'air de ne pas vouloir s'imposer des changements de rythme trop violents. C'est que la route jusqu'à l'arrivée à Loudenvielle est encore longue et tortueuse, et qu'elle est difficile cette route, donc il faut encore garder des forces. Bien sûr, pour le général, ce sera qu'en rapproché, hein, il n'y aura pas de grand chamboulement. Si chamboulement il y a, hein, mais je pense qu'ils vont pouvoir se disputer, pour certains, 4-5 d'entre eux, la victoire à l'étape. Je pense à Zubeldia, Vinokourov, Kirchen, Menchov sûrement, qui doit y penser également. Voilà pour cela, et puis pour les autres, on essaie de s'accrocher d'aller le plus loin possible et de passer la journée sans encombre. Oui, on a vu l'équipe Scatel-Scadi visser un tout petit peu là, hein, à l'image d'Inigo Landaluz. Les choses sont simples, hein. On est dans les Pyrénées et cette équipe a vraiment envie de l'emporter. Réponse avec Mikel Astarloza. Ouais, c'est vrai que l'équipe essaye toujours de gagner une étape. Pour gagner une étape, on sait qu'il faut partir de loin et c'est pour ça qu'il essaye dès le départ. Ouais. Et il reste de la force ou pas? Pas beaucoup, c'est vrai qu'on est vraiment fatigué déjà. Le passage de les Alpes, c'était très très dur. Les Pyrénées aussi, ça commence à être dur aussi. Et bon, il n'y a pas beaucoup de force, mais on va essayer de continuer comme ça et surtout d'essayer de gagner une étape. Et de voir tous les Espagnols sur le bord des routes qui hurlent. Ouais, c'est vrai que nous encourage beaucoup. C'est très motivant pour nous parce qu'on a tous les supporters là-bas qui nous attendent là. Mikel Astarloza, il est 8e du classement général à 8 minutes et 25 secondes. Et le début du col de Manté pour la tête du peloton, tout orange. Décidément, Niermann qui visse un peu. Ouh, attention, on a l'air de vouloir monter un cran au-dessus. D'ailleurs, il y en a qui ne s'y trompent pas. On est venu se rapprocher là du côté notamment de José Ivan Gutiérrez en protection de Valverde. Les nuages sont là, mais il ne pleut pas. Et alors, Laurent Belet, est-ce que le peuple espagnol hurle sur le bord de la route? Ah, pas encore Thierry, pas encore, ce sera peut-être pour le port de Balès ou pour le sommet du col de Manté, mais on est un petit peu surpris de savoir, on a vu le panneau 7 km sommet du col de Manté, parce que avant, juste au pied de la descente du Portet d'Aspet, il y avait vraiment un bon radar, comme on dit dans le milieu, et les coureurs se sont employés pour le monter derrière une petite descente, et ensuite on découvre qu'on n'a pas encore attaqué le col de Manté, donc même si les coureurs connaissent ces routes, c'est vrai que c'est pas bon pour le moral, et donc il y a des coureurs qui sont toujours pas rentrés. Il y avait Mathieu Spreek qu'on a dépassé, qui était un petit peu en difficulté, et puis là c'est Thomas Wegmann, les habitués des arrière-postes qui sont en difficulté dès les premières pentes de ce col de Manté, sans Espagnols pour l'instant qui hurle sur le bord de la route. Un peu d'humour, ça ne fait pas de mal, c'est aussi ça le bonheur du Tour de France. L'Andalouse, le vainqueur du Dauphiné 2005, en train de visser un petit peu, comme l'on dit dans le jargon. En tout cas, il imprime un rythme important là dans cette ascension. Et on a vu que David Arroyo avait récupéré son vélo
d'origine. Le mécano a fait le nécessaire. Coup de chapeau au mécano aussi, parce que c'est du boulot hein, d'être dans la voiture déjà. Moi, je sais pas comment ils font pour pas vomir derrière, franchement, parce que des fois, ça balance. Ouais, mais bon, ça balourde. Et il y a quand même du boulot pour que les vélos soient nickel, parce que quand nous, le soir, on s'arrête, eux, la journée commence. On voit une nette accélération, hein, Thierry, une nette accélération là du coureur. Non, vous dites ça, c'est une canadienne. Ben voilà, oui. Ah, vous commencez à comprendre tout du vélo. Non, tout non, je n'y arriverai jamais. Non, mais je. Mais si c'est bien. Je prends des cours particuliers, hein. Vous savez que le soir, je prends des cours particuliers. Le soir, je suis encore obligé de vous raconter tout, discuter. Oh, si je vous racontais un temps de lire. J'ai plus le temps de lire. Si je vous disais les paris qui sont faits des fois sur ce qui va se passer, on essaye de comprendre. Au secret professionnel, là. Ah oui, là, on est. Il y en a qui vont perdre cher. Très cher. Et quelquefois, on essaye de penser stratégie. Et ça n'est pas simple avec un peloton pour l'instant très groupé. On voit que tout le monde s'est mis sur la largeur de la route. On est prudent, hein. On n'est jamais assez prudent avec Rasmussen. Même si, bon, on peut imaginer que dans ce col de Monte, eh bien, ça bagarre en ce qui concerne le maillot jaune. Ça va peut-être bagarrer en revanche entre les 25 devant. Mais il faudra quand même qu'à un moment ou un autre, parce qu'il ne reste plus qu'une étape de montagne, hein, mercredi après la journée de repos, il faut quand même qu'à un moment ou un autre, ça bagarre. Alors voilà, et Juan Antonio Fletcher, on a fini avec le boulot de coéquipier. Oui. Va-t-on se découvrir, va-t-on tenter de tout perdre pour gagner quelques places illusoires peut-être? Voilà, telle est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Quand vous voyez un petit peu les écarts, un Contador à 2,23, un Cadel Evans à 3 minutes. Et évidemment, si ces coureurs-là, je parle de Leipheimer aussi à 4,29, Claudine 4,38 et Sastre à 5,50. Allez, allons jusqu'au 10e. Kacheskin 6,58, Astarloza 8,25, Valverde 9,45 et Popovic 10,55. Vous comprenez bien en entendant ces écarts que si on s'en attend uniquement la dernière montée, ben, on va pas pouvoir prendre des minutes et des minutes. On va pas pouvoir reprendre 3, 4, 5 minutes. Donc il faut tenter de loin. Mais tenter de loin, ça veut dire aussi s'exposer à la défaillance, s'exposer à la non-réussite, s'exposer à des contres et donc reperdre peut-être qu'on avait déjà acquis auparavant. Donc voilà, va-t-on tenter de tout perdre pour un gain peut-être illusoire? Ben voilà, c'est toujours la même question, prendre des risques ou ne pas en prendre. Certains sont prêts à les prendre, d'autres non. Et puis vous avez les intérêts évidemment des sponsors, des équipes qui vous empêchent parfois de faire ce que vous voulez. C'est toujours un petit peu difficile d'agrémenter tout ça, de faire l'amalgame et de réussir quelque chose. Donc très souvent, on voit donc que le dernier col qui est en jeu, et là, parce qu'on a moins de risques de perdre beaucoup de temps. Allez. Un petit peu dommage, mais bon. Il est 14h28, c'est dur pour l'homme qui a un petit miquet sur la cheville gauche, Nicolas Jalabert, mais c'est dur pour d'autres aussi. On s'accroche en queue de peloton, c'est bien, c'est que ça monte aussi à un rythme pas trop élevé. Question, avec une réponse rapide aux trois Laurent. Alors je commence par Laurent Fignon, la question est simple. Michael Rasmussen, l'homme en jaune, a-t-il déjà gagné le Tour de France 2007? Oh non, je ne pense pas. Enfin, j'espère que non. On peut encore espérer aujourd'hui. Et il reste trois. En fait, il reste, on va dire, deux étapes et demie où il peut se passer des choses. Aujourd'hui, pour moi, l'étape n'est pas très dangereuse pour un grand leader. Car comme je vous l'ai expliqué, les cols ne sont pas assez longs pour le mettre en danger. Par contre, après-demain, c'est beaucoup plus difficile à mon avis. Les cols étant un petit peu plus longs, un petit peu plus durs, ça peut être plus difficile avec une arrivée au sommet aussi. Donc je pense que demain, après-demain, il peut être plus en danger, même s'il y a cette étape de repos qui va lui permettre de récupérer. Il faut absolument que quelques adversaires proches lui reprennent du temps dans les deux étapes qui viennent, enfin la demi-étape qui reste maintenant et la prochaine étape de montagne, afin d'avoir un beau duel contre la montre. Mais il a pris une très belle option néanmoins sur la victoire générale. Quand même. Il n'a pas démontré de faiblesse pour l'instant. Paulinho, plein les bottes. Le grand Van Sommeren vous à l'aise sur le plat aussi. C'est pas facile pour Nico Jalabert aujourd'hui. Tiens, on va aller voir le grand frère. Laurent, la même question. Est-ce que Monsieur Rasmussen a déjà gagné le Tour de France? On a aperçu Antonio Colomme, le plus combatif d'hier. À vous, Laurent. Bon, on sait bien que c'est jamais gagné tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée à Paris. Hein. Mais dans l'état actuel des choses, Rasmussen a peut-être effectivement déjà le Tour dans la poche. En tout cas, c'est bien engagé. Il n'y a qu'une équipe peut-être qui peut vraiment le mettre en péril, c'est la Discovery Channel avec Contador. Et n'oubliez pas que Contador a quand même devancé hein, Rasmussen dans le contre-la-montre d'Albi de 37 secondes. Il est à 2 minutes et 23 secondes derrière Rasmussen pour l'instant au classement général. Donc Contador doit diminuer cet écart. S'il parvient à aborder le dernier chrono qui lui sera plus plat, hein, donc peut-être moins favorable pour Rasmussen.
et certainement un petit peu plus pour Contador qui a l'air d'être un peu meilleur rouleur. Et puis il y aura aussi la pression de l'enjeu à gérer, hein. Nous verrons tout cela. On sait que Rasmussen a du mal parfois, même si sur le Tour de France ça semble, tout lui semble facile. Et bien si Contador veut gagner le Tour, il faut absolument qu'il se rapproche à une minute. Dans le cas contraire, compte tenu de ce qu'il nous a montré Rasmussen dans le chrono d'Albi et de ce que nous avons vu hier, je ne vois pas comment on pourrait dire aujourd'hui qu'il a perdu le Tour. Il est bien parti pour le remporter. Et ce qui est bien dans ce Tour, c'est que tous les jours, il se passe quand même quelque chose. Moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'on se soit vraiment ennuyé, même dans l'étape très longue jusqu'à... Croyez pas que je vais vous dire, c'est la question du jour. Quelle est la ville d'arrivée de l'étape la plus longue? Croyez pas que je vais vous donner la réponse. Ah, je vous voyais venir, là, ça y est. Il y en avait déjà qui avaient sauté sur les stylos. On ne m'attrape pas comme ça. Et vous appelez au 32-45. Ça, c'est le groupe de tête, hein, toujours emmené par Inigo Landaluz. Eh bien, la même question à un homme qui voit la course autrement. Et c'est vraiment différent, hein, de voir derrière le peloton. C'est Laurent Belay. Est-ce que vous, vu de derrière, vous avez le sentiment que le maillot jaune restera sur les épaules d'un Danois? Mais si vous voulez, nous, on l'a vu passer 2-3 fois à Rasmussen. Et c'est vrai qu'il a l'air vraiment très facile, aérien. Maintenant, si l'on regarde, eh bien, avant le contre-la-montre, c'était sûr, Clauden allait remporter le contre-la-montre parce qu'il allait mettre tout le monde au garde-à-vous dans l'épreuve chronométrée. Après le contre-la-montre, on disait Vinault est de retour. Alors moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, ben, ce tour peut encore réserver des surprises. Donc à la question, moi, je répondrai, et je l'espère, non, Rasmussen n'a pas encore gagné le tour. Et juste pour revenir à la course, une petite précision pour vous, Iglinski, qui était tombé dans le porté d'aspect, est revenu sur l'arrière du peloton. Botcharov à la gauche de Michael Rasmussen. C'est marrant parce que j'ai pas le sentiment que finalement Michael Rasmussen, c'est quand même winning, hein, quand même dans la montée du col de Monte. C'est quand même un vrai rouleur, c'est que le rythme n'est pas très important. Est-ce que l'écart bouge? L'écart est à 8-16, bon, écart stabilisé. Il est remonté, non, ouais, il remonte sur l'accélération de l'Andalous. Il était descendu à 7,40 à peu près. On monte à ça, il remonte dans le peloton. J'ai pas Contador placé en 50e position, à côté de Gadré, à côté de Carpet. Pour l'instant, il n'y a pas d'affolement parmi les favoris. Je peux pas croire que les favoris vont rester comme ça dans le peloton très longtemps. Il y aura des tactiques en jeu. Nicolas Jalabert s'accroche. On a perdu Garcia Acosta. Ah, vous savez, le seul qui a intérêt peut-être à attendre le plus longtemps possible, c'est Contador, qui peut espérer lâcher Rasmussen dans le dernier col. Avec une belle descente, lui étant meilleur rouleur que Rasmussen. On a fait cette descente ce matin en voiture puisque c'était notre route. Il y avait beaucoup de vent défavorable. D'ailleurs, le Peyresourde était sous le vent, un vent terrible. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu tombé depuis tout à l'heure. Et Valverde, et, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il s'amuse, il s'arrête. Valverde. Il attend sa voiture. Là. Laurent Belay, vous êtes avec Alejandro Valverde? Il attend la voiture? Pour l'instant, moi j'ai Garcia Acosta devant moi. Ah, il est plus gros celui-là. Valverde. Oui, Valverde qui vient, voilà. Valverde, on le découvre maintenant à la sortie d'un virage. Valverde qui vient à sa voiture, mais c'est vrai que le rythme n'est pas très très élevé, puisqu'on a même vu des coureurs rentrer comme Vrolic tout à l'heure dans ce col de Manté. Et Valverde, eh bien, il a demandé du ravitaillement, des barres de céréales. Il prend maintenant une boisson auprès de Eusebio Unzué. Laisse bien prononcer Laurent Jalabert. Voilà, Valverde avec Garcia Acosta, on est venu au ravitaillement parce que dans le peloton, mais on sait sans doute que la bagarre va commencer dans le port de Balès. Le rendez-vous des cadors de ce tour est fixé sans doute dans le port de Balès, que l'on annonce assez effrayant ce col. Valverde qui remonte maintenant à l'arrière du peloton, un peloton à l'arrière duquel on trouve souvent Anthony Gélin, alors qu'on a plutôt l'habitude de le voir un petit peu plus haut, Anthony. Bon, ça surprend toujours de voir un leader, en tout cas un homme fort, venir derrière le peloton. Maintenant, on ne va pas non plus s'arrêter sur ce genre de détails. L'image s'est arrêtée, elle, en revanche. Je voudrais savoir ce que Benati fait devant, moi. Non, je plaisantais, hein, C'était pas Villa, hein. Non, c'était Benati, ça. C'était Benati. Ouais, il est un peu plus grand. Hein. Ah, on va commencer en perdre. L'Andalouse a fini le travail, un petit peu revenu derrière. Laurent Jalabert. Bon voilà, on monte assez vite, mais bon, c'est pas exceptionnel encore, hein, dans ce col de Monte pour votre groupe de 25. Non, pas du tout. Je crois que c'est un rythme régulier, un rythme qui permet à tout le monde d'accrocher les wagons. Et l'Andalouse, je pense qu'il est là simplement en queue de groupe maintenant, mais pas du tout dans le dur, hein, en ce qui concerne l'Andalouse, à mon avis.
C'est un coureur qui donne souvent l'impression d'être à bloc, mais qui, lorsqu'il décide, est capable d'accélérer. On a vu Colón hier, les Espagnols sont un petit peu experts en la matière, et Benati, qui mène ce groupe, eh bien, c'est l'illustration du rythme qui est imposé dans le groupe de tête. C'est un sprinter qui emmène dans le col de Mente. C'est pas souvent que nous avons un sprinter passer en tête pratiquement au sommet. Nous sommes dans le dernier kilomètre et ça permet donc à tout le monde de garder des forces. On ne s'affole pas trop ici. On n'a pas l'intention en tout cas d'essayer de creuser l'écart. On essaie simplement de le maintenir, de jouer groupé. Et puis peut-être dans le port de Balès, là, la bagarre, la vraie bagarre sera déclenchée. Oui, il y a des chances quand même, parce que c'est un invité de marque. Pour aller dans le sens de Laurent Fignon, c'est quand même le plus long d'école. Il y a de quoi faire, même en plus c'est un petit peu piégeux, hein, parce qu'au début c'est relativement roulant, c'est doux. Puis à un moment, il y a un carrefour là dans la forêt, et bing, là vous prenez ça pleine face, et je peux vous dire que ça fait mal aux jambes et que ça fait peur. C'est une nouveauté quand même, hein, à part ceux qui ont fait la route dessus, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent celui-là. Alors il y en a qui sont venus les repérer, hein. Il y a une équipe qui a fait, il y a un mois environ, il y a une équipe qui a fait les trois étapes des Pyrénées, c'est l'équipe Asama qui s'est installée à Mazamet. Et la tête du peloton, toujours emmenée par Peter Winning, 1, 2, 3, 4. Rabobank, devant Menchoff, à sa droite Bogert, à sa gauche Decker. C'est clair, c'est limpide, c'est comme ça depuis un petit moment maintenant, depuis que M. Mikael Rasmussen est en jaune. Il faut savoir qu'après ce col de Mente, il y a quand même une petite portion de vallée. Vous allez voir une descente du col de Mente extrêmement rapide dans son final. C'est une descente avec beaucoup de pourcentage. L'autre côté du col est encore plus difficile et ça descend extrêmement vite sur Saint-Béat. Ça va aller vraiment à des vitesses folles, plus de 100 km/h pratiquement. Vraiment très très vite. Et puis lorsqu'on sera au pied de ce col, il y aura une bonne vingtaine de kilomètres. Bon, à peine, allez, pour les premiers contreforts du col du port de Balès, il y aura quelques côtes du côté de Mouléon-Barousse. On sera de nouveau dans les Hautes-Pyrénées. Et après, on abordera le col de port de Balès. Donc une belle descente très rapide qui ne fera pas de différence, mais qui ne permettra pas de beaucoup récupérer, car on va aller vraiment très vite. Et puis une bonne quinzaine de kilomètres, on va dire, de plat, avant de réaborder des petites pentes, des petits casse-pattes, et qui finalement mettront dans le rythme pour le port de Balès. Donc pas beaucoup de temps de récupération, mais c'est tant mieux. Alors on pourrait imaginer qu'il y ait quelques attaques dans ce peloton. Ben vous voyez, non, on a décidé d'attendre peut-être le port de Balès. Espérons en tout cas qu'on commence quelque chose dans le port de Balès. Mais on aurait déjà pu essayer d'éliminer quelques équipiers. Si on a dans son équipe quelques bons grimpeurs. Devant, hein. Oui, si on a quelques bons grimpeurs dans son équipe, il n'est pas idiot finalement de mettre un grimpeur, un semi-grimpeur, on va dire, à rouler très vite. Regardez, on voit l'équipe Discovery qui a beaucoup de monde, elle aurait pu très bien prendre le relais et accélérer dans ce col de Mente pour mettre en difficulté déjà un certain nombre qui au col de Mente venu chercher comme des tout points. À l'heure. Non, là il a piqué à Laurent Lefebvre, ah, Laurent qui était passé devant lui tout à l'heure. Oui, donc l'équipe Discovery Channel. Ouais, la prenez pas par cœur, parce que de toute façon, l'année prochaine, elle change de nom. Voilà, l'équipe Discovery Channel aurait pu accélérer dans le col de Mente, qui fait très mal, pour éliminer quelques équipiers, de façon que dans la vallée, ils soient un petit peu plus isolés, les coureurs danois, et tenter quelque chose de plus fort, après, évidemment, dans le port de Balès. Ils ont beaucoup d'hommes, ils sont encore bien présents, alors ils auraient pu essayer de durcir déjà cette course. On est encore à 80, plus de 80 km de l'arrivée, ça n'aurait pas été inutile. On choisit évidemment une autre tactique, celle qui est de ne pas prendre de risques pour l'instant et finalement qui est un peu moins spectaculaire pour nous. Et derrière le groupe de 25, ah finalement, hein, vous avez fini à 25 quand même en haut du col de Mente, comme quoi on a été, c'est un peu surprenant, hein, Laurent Jalabert aujourd'hui. Oui, il y a une grosse appréhension, hein, on a peur quand même de cette étape, c'est clair, malgré la présence de nombreux coureurs dans l'échappée, la présence de certains même bons grimpeurs. Eh bien, pour l'instant, la course reste calme. On essaie de faire défiler les kilomètres en se préservant au maximum parce qu'on appréhende le final. On se dit que ce sera difficile. Donc, on pouvait s'attendre effectivement, parce que le Mente est un col difficile, à avoir déjà une accélération, des offensives, voire même ne serait-ce que quelques coureurs en difficulté, hein, parce que le rythme aurait été soutenu. Il n'en a rien été. Hein. Ce col a été escaboté par les hommes de tête qui sont montés en ordre serré et voilà, qui vont maintenant
à nouveau, alors qu'ils sont lancés dans la descente, une descente rapide ici, hein, très très belle descente, mais attention, elle est quand même très rapide. Ils vont donc se remettre à s'organiser dans la petite vallée avant d'aborder les contreforts et puis le vrai port de Balès, très difficile, qui je pense leur fait très très peur. Oui, et puis on remarquera pour compléter l'analyse que les 7 échappés continuent de prendre du temps, a repris du temps, donc il n'y avait pas de raison finalement d'attaquer. Si vous commencez à perdre beaucoup de temps, on peut se dire, quand on est échappé là, je vais arriver au port de Balès, j'aurais perdu encore 2 ou 3 minutes, je ne vais pas en avoir assez, donc j'accélère si j'en ai les moyens, pour ne pas perdre de temps. Là, ce n'est pas du tout le cas, puisque vous voyez, l'échappée a repris du temps, reprend du temps continuellement. Elle avait perdu, était redescendue à moins de 8 minutes à 7,40, elle est passée à 8,15. Donc pourquoi attaquer puisqu'on prend du temps? Autant rester tous groupés et retarder son attaque un peu plus tard. Ça permet évidemment de profiter un peu du travail de tout le monde et c'est quand même bien plus intelligent. Donc effectivement, c'est normal qu'on n'ait pas eu d'attaque dans ce col de Menté finalement. Peloton groupé dans les derniers mètres qui nous emmène vers le sommet. Pour le peloton du col de Menté, un écart de 8 minutes et 16 secondes. Et toujours Peter Winning qui se dit, il va se dire quand même, lui qui est habitué à rouler, avoir un leader et un maillot jaune dans son équipe, ça fait bosser quand même. Hein. Il a pas chômé Peter Winning hein, dans la vallée, dans les étapes de plat et maintenant dans la montagne. C'est pas son domaine de prédilection. On avait l'habitude de le voir dans le groupe Eto. Alexandre Botcharov, il est dans sa région. Hein. Il habite à Saint-Gaudens depuis une dizaine d'années. Eddie Duchaud s'accroche, l'homme de Château-Gontier, Bradley Wiggins aussi. C'est pas simple, hein. Mais enfin ça va, ça monte à sa main parce que le rythme imprégné là par les Rabobank, Botcharov est parti tout seul, là, s'en est allé. Alexandre Botcharov, encore un Russe devant, et le peloton monte à sa main. C'est bien finalement pour ceux qui sont pas dans un grand jour et qui commencent à être fatigués. Nous on est devant le peloton avec Botcharov, vous êtes derrière, Laurent Belet. Oui Thierry, mais l'effort solitaire, hein, qu'on soit devant, échappé ou derrière, lâché comme Gélin et puis Nicolas Jalabert, voilà, ça va faire plaisir à Laurent devant. Mais Nico Jalabert et Gélin, ils possèdent quoi? Allez, une petite cinquantaine de mètres de retard sur l'arrière du peloton. L'ascension était difficile, mais il n'y a que d'abnégation. On voit ces coureurs lutter vraiment pour garder le contact. Ils savent, hein, ils savent qu'ils vont rentrer dans la descente et ça se fait comme ça, on essaie de perdre le moins de temps, de moins de terrain possible dans les montées, revenir dans les descentes, sachant que de toutes les manières à l'arrivée on va rentrer avec l'autobus. Mais c'est ça la dimension du sport cycliste, on a pu le vérifier dans cette ascension avec Gélin là qui vient de distancer un peu Nicolas Jalabert, mais Nicolas Jalabert avec l'expérience, il sait que de toutes les manières, il a quasiment passé ce col de montée et il va revenir dans la descente parce qu'il a des qualités de descenteur assez exceptionnelles, Nicolas. Et Bobo Alexandre Botcharov voulait sans doute saluer la famille, mais je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment trouvé la petite famille, hein, puisque je l'ai dit, il habite près de Saint-Gaudens. Donc c'est ses routes d'entraînement et certainement que toute la famille est là. Il y a beaucoup de coureurs dans la région. Hein. On a vu tout à l'heure une très belle descente de Laurent Lefebvre. Il habite désormais le nordiste, juste dans la banlieue de Toulouse. Et je vous l'ai dit, Nicolas Portal habite désormais à Pau. Il y a beaucoup de coureurs à Pau, il y a Mathieu Lananius qui rentre chez lui, Stéphane Auger, et le peloton est donc à 1 km de la ligne qui matérialise le sommet du col de Menté. Peter Winning, il aura fait tout devant aujourd'hui. Hein. C'est dur pour Niermann, Petcha souffle, et on se retrouve de nouveau dans la descente avec Laurent Lefebvre, très bon descendeur, très bon coureur, qui mériterait de gagner une étape sur le Tour ou une très grosse course, parce que c'est vraiment Laurent Jalabert, un très bon coureur, ce Laurent Lefebvre. Oui, c'est vrai, c'est un coureur qui a énormément de talent et qui n'a pas toujours été à son meilleur niveau. Ses supporters nombreux l'ont souvent regretté, mais sur ce Tour de France, il nous fait plaisir. On l'a souvent vu à l'attaque et on le voit encore aujourd'hui dans ce groupe de tête. Avec une vraie chance de bien faire, il avait quand même terminé 5e de la première étape de montagne. Au Grand Bornand, auparavant il avait attaqué dans l'étape d'automne, donc c'est vrai qu'il a eu une omniprésence sur l'ensemble du Tour et c'est pas surprenant du tout de le retrouver à nouveau aujourd'hui à l'avant dans cette étape difficile. Bon, ils sont nombreux bien sûr à avoir le même objectif, mais Lefebvre a sa chance, de la même façon que Patrice Talgan pour les Français notamment, a sa chance de remporter l'étape. Ce sera compliqué pour tout le monde de toute façon, mais les Français sont bien présents aujourd'hui, hein, ils n'ont pas manqué l'occasion de se lisser en cette échappée.
Et pour aller dans le sens, dans votre sens, Laurent Lefebvre a pris tout à l'heure 13 points en haut du col de Monte. Il y avait 8 classés, 15 points au premier, c'est Garaté qui les a pris. 13 à Laurent Lefebvre, 11 à Patrice Algan, 9 à Daniele Benatti. Ça, c'est pas banal pour un sprinter. C'est pas simple hein, pour travailler aujourd'hui. Hein. Comme ça, sur la route, ça paraît clair, mais au-dessus, ça n'est pas simple. Et donc, 8 points à Kobo, Zubeldia 6 points et Kness 5 points. Ce qui fait qu'au classement général, hein, sur le classement spécifique du maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur, voilà Laurent Lefebvre bien installé en 5e place. Il a désormais 78 points. Peut rêver revenir sur Contador qu'on a 85. Rasmussen toujours en tête de ce classement, mais c'est Soler qui est porteur de ce maillot. Il y a 2 points d'écart hein, entre le Colombien et le Danois. Tiens, Christophe Moreau s'est rapproché. Thomas Dekker se balade. Obligé de pousser un peu Neerman qu'on peut plus. Hein. C'est Juan Antonio Flecha qui a repris le boulot. Il y a quand même de la fatigue autour de Rasmussen qui dans peu de temps n'aura plus que Dekker et Bogert. Mais enfin bon, il y a Menchoff qui fait. Qui sert d'appui devant. Thomas Vauclair est là. À gauche de la route, à droite de l'écran, Christophe Moreau. Kadel Ivan s'est rapproché. Leffheimer, Popovic aussi. Christophe Moreau dans la route de José Luis Arrieta. J'en profite pour faire un petit bonjour. On va saluer un ancien caméraman, Géry, comme l'on dit, du Tour de France, qui était sur la moto. Et qui aujourd'hui, malheureusement pour lui, se bat contre la maladie. Il est à l'hôpital à Caen et on a une grosse pensée pour lui. On sait qu'il nous regarde, il fait du cyclisme, il aime le vélo, il adore le vélo. C'est Fred Gatineau. Fred, toute l'équipe du direct te salue et te souhaite bon courage. Et on sait que tu vas encore gagner ce combat-là. Et 8,31 l'écart pour le peloton, ça continue d'augmenter un tout petit peu. Oui, preuve que ce peloton a vraiment temporisé dans la montée du col de Mente et que personne n'a tenté eh bien, d'isoler un petit peu le leader, d'essayer de durcir un tout petit peu la course. Alors fait-il peur ou n'ont pas envie de prendre quelques risques? Certainement un peu des deux. Allez, il y en a bien qui a une idée derrière la tête, je pense. Oui, mais là, les affaires de Rasmussen ne sont pas en danger hein, pour l'instant. Hein. Alors on va quand même mettre une petite nuance. Étape de repos demain mardi. Et encore une étape dans les Pyrénées, mercredi, avec l'arrivée à l'Aubisque. Et là, si un garçon comme Rasmussen, on ne sait jamais, eh bien, digère pas trop l'étape de repos, peut prendre un coup d'éclat, il peut prendre une grosse fessée. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Je ne dis rien. Moi, j'assure le spectacle. Je ne dis rien. Non, je pense que cette étape est la plus difficile hein, du Tour de France. Mais celle d'aujourd'hui ou la non, mercredi. Ah, oui, mercredi, c'est plus dur. Mercredi, c'est beaucoup plus dur. Pau Orthez, Gourette Col d'Aubisque, c'est 218 km. C'est l'Aubisque pour finir. C'est quand même très compliqué. Hein. Il y a le port de la Roue d'abord, il y a le col de la Pierre-Saint-Martin. Et je peux vous dire que là, il y en a quelques-uns qui vont être surpris, qui vont sûrement pas planer au-dessus des autres. Il y a le col de Marie-Blanc qui ont fini par l'Aubisque. C'est quand même 16,4 km de montée à 6,9%. Je peux vous dire que si vous n'êtes pas bien dès le départ, eh bien vous prenez un coup d'éclat, que vous êtes en jaune ou pas. C'est la même chose pour moi. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est dit. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va encore se passer des choses. C'est pas Contador ça, c'est pas un condor non plus, mais je verrais bien Alberto Contador s'envoler tout à l'heure. Parce que vous savez, il y a quand même un garçon. Parce que vous avez l'habitude de dire que les directeurs sportifs sont très importants. Et moi je suis d'accord avec vous, il y a les coureurs, ce sont les coureurs qui font la course, mais il y a quand même la tactique mise en place et il y a le rôle très important des directeurs sportifs dans le choix des tactiques, dans le choix des attaques, dans plein de choses. Et il y en a quand même un qui est un grand directeur sportif, qui a appris à gagner avec Lance Armstrong, c'est Johan Brunel, le directeur sportif de la Discovery Channel et donc d'Alberto Contador. Oui, il y a deux, trois directeurs sportifs, deux surtout, Johan Brunel et puis Miguel Echevarri, avec Miguel Indurain justement qui a gagné 5 Tours de France. Voilà, deux directeurs sportifs qui ont beaucoup d'expérience, l'expérience de la victoire, l'expérience de mener un champion jusqu'à Paris avec le maillot jaune. Et ça c'est extrêmement important, je vous l'ai dit en début de reportage, que l'expérience aujourd'hui allait jouer, que même dans cette fin de tour, de toute façon l'expérience est toujours bénéfique et sert toujours à quelque chose. Donc effectivement, eux ne feront pas d'erreur, mais encore faut-il avoir le coureur pour pouvoir tenter des coups. Et ça, c'est peut-être pas le cas en ce moment avec un Valverde qui est peut-être
top de sa forme et qui peut-être le Tour de France ne lui réussit pas bien, je sais pas. C'est la première fois qu'il fait 3 semaines dans un Tour de voilà, France. Voilà, c'est pour ça. Et le Tour d'Espagne, c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. Moins dur. Non, faut non, pas c'est, comparer c'est rien à voir. Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Tour de France. Non, non, non. Le Tour de France est de loin le plus difficile des trois grands tours. Et franchement, une petite musique sur ces images-là, je me tais tout de suite. Je me tais tout de suite. Est-ce que vous avez ça? Tellement c'est beau, ce serpent multicolore qui descend comme ça au milieu des arbres. Oh, je trouve ça magnifique. On n'a pas repéré le virage au Cagna, Jean-Paul, hein, mais c'était une de ces genres d'épingles. Ouais, on voit les voitures, on voit le camping-car. Là, c'est une épingle comme ça. Au bout d'une longue ligne droite, oui. Difficile de le retrouver. Ah, il y a un problème encore. Il y a un rocher. Il y a une plaque qui est apposée sur le rocher. Mais enfin, c'est très... Ouais, ça peut très bien être n'importe lequel. C'est difficile de le retrouver. Il y a voilà, un petit chemin. Ça descend tranquillement pour le peloton. Okay. Non, un peu large, là. Ouais, mais bon, pas de souci. Rasmussen voilà. En deuxième position, bien entouré par... deux coureurs de la Rabobank devant, deux derrière, et derrière les hommes de tête, derrière notre groupe de 25 qui va sans doute ne pas tarder à diminuer. La grande lessive approche. Bien derrière, on a Laurent Jalabert, dont j'aimerais bien que vous fassiez un petit peu mon avocat dans mes plans sur la comète, Laurent Jalabert, s'il vous plaît. Est-ce que vous seriez pas un peu mon avocat? Pas d'influence. C'est la pause de goûter ici, Thierry, devant. Allez, c'est le moment de se détendre. De remplir les poches alors que les hommes de tête passent au panneau. 1000 mètres hein, pour le deuxième sprint du jour. Ça c'est anecdotique, alors peut-être Benati va se faire ce petit plaisir. Mais ici derrière, on remplit les poches, on descend en voiture, on prend des bidons, on prend à manger, on prend ce qu'il faut. On se prépare à aborder le sommet le plus important du jour, hein, ce fameux port de Balès. Un port de Balès qui devrait de toute façon être décisif. Autant dans l'échappée ici que dans le peloton. Dans l'échappée, il y a la victoire d'étape. Dans le peloton, il y a encore des coureurs à l'image de Contador hein, qui peuvent mettre à profit leur qualité naturelle de grimpeur. C'est certainement le meilleur grimpeur du Tour de France. Et Contador a probablement intérêt à attaquer encore et encore pour essayer de distancer toujours plus loin Cadel Evans, qui est meilleur rouleur que lui. Il est second en général, Contador, mais c'est pas encore gagné. Et puis l'étape de Gourette, qui est bien difficile, offre quand même un final où Cadel Evans pourrait peut-être accrocher les meilleurs. C'est pas les plans, peut-être pas les pentes les plus dures jusqu'à la station de Gourette, c'est un petit peu plus compliqué par la suite. Mais pour, tout ça c'est pendant 3 jours. Hein. Pour l'instant on est bien concentré sur ce qui nous attend. Alors moi je vous écoute avec attention, et le cyclisme est un sport parfois difficile à comprendre, on peut avoir plusieurs analyses, chacun à la sienne. Il n'y a pas une science exacte, j'ai parfois la mienne qui n'est pas la même que la vôtre, mais bon. C'est intéressant d'écouter tout le monde parce que on sait et on comprend par la suite qu'il peut y avoir plusieurs hypothèses et plusieurs explications valables. Je sens bien que vous n'êtes pas trop d'accord avec moi sur cette affaire-là. Et il y a Benati qui est parti faire le sprint de bonification comme tout à l'heure. Carvezen. Oh, j'aime beaucoup ce sprint là, ça m'a beaucoup impressionné. Je pense qu'il avait le sourire en plus Benati. Petite discussion avec Kurt Halle. Arvesen, ancien coéquipier de Laurent Jalabert. Ouais, bah ils se disent que c'est plat, parce que juste le petit geste qu'il lui a fait, ils sont encore plats, mais ça va pas tarder à monter. Et tous les deux, on ne va plus être là. Surtout Daniele Benati, le sprinter attitré de cette équipe Lampre. Grand sprinter italien dans la roue d'un certain Alessandro Petacchi. Laurent Jalabert au sprint bonification. Et bien Arvesen, Benati, Arvesen. Et Arvesen, j'ai jamais fait équipe avec lui, hein, Thierry. C'est une petite faute de frappe, mais c'est pas grave. En fait, il n'y a aucun des coureurs présents dans cette chapelle avec qui j'ai été équipier par le passé. Et je crois que pour Laurent Fignon, c'est la même chose. Oh, c'est même pire. C'est même pire. C'est pire. Ouais. Je vous croyais plus jeune que ça, Laurent. Effectivement. Enfin, j'ai un peu vieilli Arvesen dans l'affaire. Je voulais faire une parenthèse pour. On a encore le temps, ça, c'est les derniers moments de calme. Je voulais vous dire que Patrick Sinkiewicz est sorti de l'hôpital. Fracture du nez, fracture de la mâchoire. Il a la mâchoire immobilisée. C'est pas facile pour qu'il s'explique. En tout cas, les choses sont très claires avec lui. Il a demandé
à ce qu'on analyse l'échantillon B. Vous savez que l'échantillon A est positif après un contrôle positif. Donc le 8 juin dernier, c'était dans les Pyrénées justement, en reconnaissance avec l'équipe de la T-Mobile. Et bien son avocat va lui demander des explications. Et l'équipe de la T-Mobile lui demande d'être clair. Soit c'est vrai, il s'est dopé et il le dit, il avoue. Soit effectivement, eh bien, ça n'est pas vrai et on essaiera d'en savoir un petit peu plus. Laurent Jalabert, juste avant qu'on passe une page de pub, vous avez perdu un coureur. Ah bon? Ouais, Nicolas Portal, il vient de crever. Ah, hein, vous êtes devant, vous. Vous êtes devant. Il m'a échappé. On est devant, ouais, on est devant. Ah mais Nicolas Portal était peut-être descendu au bidon et il a crevé entre temps alors. Et voilà, il vous a surpris. On l'a pas vu en tout cas ici. Hein. Ah c'est bon, j'ai surpris Jean-Paul Olivier. Ça, c'est pas sympa, ça. Ah j'ai surpris Jean-Paul Olivier une fois, j'ai surpris Laurent Jalabert une fois et je vais pas tarder à surprendre Laurent Fignon parce que je suis sûr qu'Alberto Contador va attaquer dans quelques instants. Et ça on va le vivre en direct sur France 2, mais ça, ce sera après une page de pub. Avec Cochonou, goûtez à la tradition de la Grande Boucle. Cochonou, fournisseur officiel du Tour de France. AG2R, aux côtés de ses coureurs sur le Tour. Et toujours à vos côtés. AG2R, l'avenir, c'est mieux avec 2R. Le Tour de France en direct sur France 2 jusqu'à l'arrivée tout à l'heure à Loudenvielle-le-Louron, 196 km aujourd'hui entre Foix et Loudenvielle-le-Louron. 25 hommes en tête plus Laurent Jalabert et nous passons dans un village qui me laisse béat. Eh oui, Saint-Béat, la clé de la France comme on l'a surnommé au Moyen-Âge, qui commandait le défilé du Val d'Aran et le passage de l'Espagne vers la Gascogne. Et ici, la localité est célèbre par ses marbres blancs et gris. Et ça a fait la renommée de la localité, effectivement, dès l'époque romaine, et en particulier au grand siècle, puisqu'ils furent utilisés pour les bassins et les statues du parc du château de Versailles. Vous apercevez aussi l'église de Saint-Béat, le château peut-être de Saint-Béat dans quelques instants. En tout cas, Edmond Rostand y a écrit « Cyrano de Bergerac » au château de Saint-Béat. Et il y a une personnalité aussi qui est liée à la localité, c'est le général Joseph Gallieni, ministre de la guerre en 1915-1916, qui est devenu maréchal qui a été élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume, c'était en 1921. Le château de Saint-Béat, construit au 11e, c'était une défense frontalière entre le Val d'Aran et la France. Et là coule la Garonne, fleuve espagnol et français qui draine l'Aquitaine, une longueur de 575 km et qui naît dans les Pyrénées, Pyrénées centrales espagnoles, au pic de la Maladetta, au glacier de la Maladetta, et très précisément au pic d'Anto. Et là nous sommes avec le peloton. Les hommes de tête, eux, sont au kilomètre 130. Ils approchent d'Estenos et nous allons bientôt quitter la Haute-Garonne, justement, pour entrer dans les Hautes-Pyrénées. Nous aurons un petit crochet de nouveau en Haute-Garonne avant de revenir sur les Hautes-Pyrénées. Les Euskaltel Euskadis sont sur leur domaine de prédilection, tout près de chez eux. Les nuages n'ont pas l'habitude d'en voir. En tout cas, pas des comme ça. 25 hommes en tête, je vous les rappelle. L'Espagnol David Arroyo pour la Caisse d'Épargne, accompagné de Nicolas Portal, le coureur français. Il y a 5 coureurs français dans cette échappée. Lui, c'est Cobo Acebo, le coureur espagnol de la Saunier Duval. Laurent Lefebvre, le nordiste désormais installé à Toulouse, le jeune papa pour l'équipe Bouygues Télécom. Voici M. Sergueï Ivanov, vainqueur sur le Tour de France en 2001. Benoît Vaugrenard, le champion de France du contre-la-montre. L'Autrichien Bernard Kohl, révélé sur les routes du Dauphiné libéré. 3 coureurs de l'équipe Astana, là c'est Navarro. Et 3 coureurs pour l'équipe Euskaltel-Euskadi. Vous avez reconnu Ruben Pérez, il y a Inigo Landaluz et il y a Emar Zubeldia.
Là, c'est le plus grand de cette échappée, Christian Kness, le coureur allemand de l'équipe Milram. Kim Kirchen pour la T-Mobile. Voici le champion des États-Unis, George Hincapie, avait un très bon papier hier dans l'équipe, signé Barbara Rumpu, sur les activités de George Hincapie, qui devrait rejoindre normalement l'équipe Slipstream la saison prochaine, dirigée par Jonathan Wauters, qui envisage d'être invité sur le Tour de France 2008. Et elle envisage d'embaucher des garçons comme David Zabriskie, comme George Hincapie, comme David Millar, avec une certaine philosophie par rapport au dopage. Et George Hincapie qui s'est lancé avec Mélanie, son épouse française, qu'il a d'ailleurs rencontrée sur un Tour de France, bien décidé à se lancer dans la confection notamment de vêtements sportifs. Ah, c'est quoi une nouvelle conception sur le dopage? C'est tout pour ou tout contre? Il y a une philosophie pour révéler pour un suivi médical très, très précis. Il y a tout un article très intéressant dans l'équipe d'aujourd'hui, que je vous conseille de lire d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est tout contre? Ah oui, bien sûr. Ah bon, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Nathan Wauters, qui est un coureur qui a fait des études d'ingénieur et qui était coureur américain, qui parle français couramment et qui a porté longtemps les couleurs du Crédit Agricole. La question du jour, dans quelle ville d'arrivée le Tour de France arrivait-il pour l'étape la plus longue? Plus de 230 km. C'était la première semaine. Alors la réponse, 1 Briançon, 2 Compiègne ou 3 Castelsarrasin? Vous répondez au 32-45. Alors je vous redonne les 25 dans l'ordre. David Arroyo, Nicolas Portal, le luxembourgeois Kim Kirchen, Kurtale Arvesen, le norvégien Christian Van de Velde, l'américain Denis Menchoff, le russe Ludovic Turpin pour la France, Aymar Zubeldia, Inigo Landaluz, Ruben Pérez pour les Espagnols, Descatel Escadi, Daniele Benatti, Pachi Villa pour la Lampre, Bernard Kohl pour la Gerolsteiner, l'Autrichien, Patrice Algan pour le Crédit Agricole, George Hincapie, le champion des États-Unis pour la Discovery Channel, Laurent Lefebvre et Johan Chop, le Français et le Suisse pour les Bouygues Télécom, Michael Albazini, le Suisse pour la Liquigas, Benoît Vaugrenard pour la Française des Jeux, Juan Manuel Garate, l'ancien champion d'Espagne pour la Quick-Step, Patrice Algan, je l'ai dit, pour le Crédit Agricole, Christian Kness pour le Milram, le coureur allemand Alexandre Vinokourov pour l'équipe Astana, Sergei Ivanov, le russe, pour les Astana, et Daniel Navarro pour l'équipe Astana, et enfin l'autre espagnol Juan José Cobo Acebo pour la Sonia Duval. On a dit qu'il y avait 7 coureurs espagnols dans cette échappée. Je pense même que c'est 8, tout augmente. 8 Espagnols, 5 Français. Pas mal, 2 Suisses, 2 Américains. Avec gros plan sur Laurent Lefebvre, 5e au Grand Bornand. 31 ans déjà. À mon nez. Dont les meilleures performances sont quand il était très jeune. Avant 2000, il a terminé notamment vice-champion du monde junior du contre-la-montre. Il dispute là son 8e Tour de France. Écart stabilisé, en tout cas qui ne diminue pas beaucoup. 8 minutes 11 maintenant. Et beaucoup de discussions dans l'équipe de la Rabobank. On s'est rapproché du côté des AG2R Prévoyance. Je vois pas beaucoup le maillot blanc d'Alberto Contador. Je peux pas dire que pour l'instant... Il n'avait pas lieu de se montrer pour l'instant. Non, ça sente la grande bagarre, mais enfin bon, c'est un peu plat peut-être. Ah oui, ça. Alors parmi tous ceux que je vous ai cités, en tout cas dans les 25 de tête, il y a plusieurs vainqueurs d'étape. Alexandre Vinokourov, bien sûr, vainqueur d'étape sur le Tour de France à Gap en 2003, à Briançon et sur les Champs-Élysées l'an passé, en 2005, pardon, et à Albi en 2007. L'an passé sur les Champs-Élysées, c'était Tour Uchoft. Sergei Ivanov a donc gagné en 2001 à Aix-les-Bains, George Hincapie en 2005 à Saint-Lary-Soulan, Patrice Algan en 2002 à Pau et Denis Menchoff en 2006. À Val d'Aran. C'est amusant de voir qu'il y a quand même des garçons qui sont spécialistes des victoires dans les Pyrénées.
et c'est le calme avant la tempête. Oui, c'est le dernier moment de récupération, bien s'alimenter, se cacher, préparer sa tactique, se remettre en mémoire un petit peu le parcours si on l'a fait, bien regarder si on ne l'a pas fait sa carte du parcours justement pour un petit peu savoir qui nous attend, bien se mettre tout ça en tête. On a encore un peu de temps, se rapprocher, demander à ses coéquipiers d'être plus près, plus haut dans le peloton, et puis se concentrer. Parce que la bagarre arrive. Le moment de vérité. Là où on ne peut plus cacher ses faiblesses, et là où on ne doit pas cacher sa force, évidemment. Et on aperçoit la Garonne. Donc je vous disais tout à l'heure qu'elle prenait sa source dans les Pyrénées centrales espagnoles. On apprend à l'école, le glacier de la Maladeta, le pic d'Anto. Elle disparaît ensuite au trou du Taureau pour réapparaître au Val d'Aran à 1875 mètres d'altitude. Et on approche maintenant des Hautes-Pyrénées et de la quatrième difficulté du jour, le col, le port de Balès. Classé hors catégorie, c'est une nouveauté sur le Tour de France. Voilà, alors la sortie de Mauléon-Barousse, ça commence à monter, il y a des petites bosses là, ce sont des bons faux plats, et puis on arrive directement dans le col qui monte à partir de Chalais-Saint-Mai, voilà, et on a Saint-Néré. Jean-Paul qui se marre à côté. Mais en même temps, lire le bouquin et en même temps regarder la télé, c'est pas facile. Ah, c'est dur. C'est un métier. C'est beau, et donc ce sont des pentes pas très difficiles au début, et du 5%, un replat même. Et puis au bout de 8 km, là ça commence avec du 6,5, 7,5, 8, 10. Et puis après on essilera tout le temps sur du 8, 9, 10, 7. Ça sera un petit peu moins dur sur le haut, avec après une très belle descente. Vous voyez, beaucoup de rouge et de orange dans ce col, très long. Donc, qui fera son œuvre, hein. Pourcentage plus longueur égale, Thierry. Pourcentage plus longueur égale grande bagarre. Grande bagarre et puis égale surtout difficulté maximum. D'où grande bagarre. Ah, ça, s'ils veulent bien se donner la peine, vous savez, on l'a dit tout à l'heure. Il y a deux solutions. La première, on prend des risques, on attaque de loin et on risque de tout perdre, mais on risque aussi de tout gagner, ce qui est quand même bien intéressant. Ou on se contente de sa place. En regardant derrière pour voir si l'autre ne va pas vous essayer de vous la prendre. Voilà, c'est de la défensive, et de la défensive, ça donne jamais un grand spectacle, malheureusement. Laurent Belay, un œil sur votre peloton, me semble-t-il, un peu plus allongé que ces derniers temps, non? Oui, en fait, le peloton, si vous voulez, là, on a traditionnellement, avant une difficulté, bien, on vient ravitailler, on vient en voiture, mais c'est vrai que le peloton, bien, c'est pas la grande allure, mais roule quand même, ça a un tout petit peu accéléré, mais on sent beaucoup, beaucoup de nervosité à l'arrière du peloton. Maintenant, le ravitaillement est terminé, il n'y a quasiment plus de coureurs. Il y a Garcia Acosta, là, auprès de la voiture de la caisse d'épargne, il n'y a quasiment plus de coureurs aux voitures, et donc le peloton va sans doute accélérer dans les kilomètres à venir. Et Laurent Jalabert, vous aussi, ça ne serait tardé à accélérer. On imagine que les Euskaltel, Euskadi vont lancer la bagarre. Un petit changement de rythme pour l'Andalouse. Navarro qui a suivi sans problème, ou Ivanov même. Et puis Chop qui est toujours là présent. Et derrière, pour l'instant, on semble pas trop branché. C'est Bernard Coll qui y va avec David Arroyo. Voilà, cinq coureurs qui vont se regrouper à l'avant. Kobo Asebo qui regarde derrière. On se regarde un petit peu, voir qui c'est qui va faire l'effort. Et personne pour l'instant ne bouge. Le reste du groupe occupe toute la chaussée. Mais devant, il n'y a pas trop de conviction non plus. Hein. Tout tourne autour de Vinokourov, encore une fois. Vous savez, quand il est dans un groupe comme ça, on s'en attend, on attaque, on se dit ça va venir, il va le faire, il fera. Donc on attend un petit peu, voilà, l'Andalouse accélère un petit peu. Derrière, ça semble réagir un tout petit peu aussi. Bon, il est long ce col, hein. Faut pas d'affolement. Le temps de se remettre dans le coup de pédale de la montagne, là, après qu'il y a une longue descente et un petit peu de vallée. Bon, il faut un petit peu de temps, on l'a dit, le début n'est pas trop dur, il y a quelques pentes. À 5% pendant 2 km, puis après un bon replat avec du faux plat, hein, ça continue de monter, mais c'est beaucoup moins difficile. Donc il y a le temps de se mettre dans le coup, c'est très long, et il faut pas s'affoler. Donc voilà, c'est pour ça, derrière, ça temporise un petit peu. Qui va prendre les choses en main derrière? C'est pas à moi, c'est à toi. Non, c'est pas à moi, c'est à l'autre là-bas.
Et voilà, et comme ça, ça part. Bon, en tout cas, l'équipe Scatel Scadir remplit parfaitement son rôle avec aujourd'hui Nigo Landaluz. Mais bon, moi je trouve qu'on a beaucoup vu cette équipe depuis le début du Tour de France. Oui, c'est dans un autre registre. On n'attendait pas que la montagne cette année. On sent un changement de mentalité. Laurent Jalabert, j'ai le sentiment que votre groupe là est en train de, de temporiser un petit peu, non ? Là, il n'y en a plus que 21 là, dans votre groupe, là, mais ça se regarde quand même sérieusement. Hein. Beaucoup, et beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu une petite accélération. C'est Patrice Salgan qui avait essayé de boucher le trou. Il n'y est pas parvenu. Mantchoff a réagi du tac au tac. Vinokourov a semblé un petit peu en peine à boucher lui à son tour. Le trou sur Mantchoff et puis accalmie totale, voilà, c'est Benati maintenant qui reprend le relais, mais sans trop de conviction. Ici c'est un petit tempo, alors que les autres devant, mais nous ne les apercevons plus maintenant. C'est vrai que ça tourne beaucoup, mais ils ont disparu. Vous avez vu le ciel bien gris, il ne pleut pas sur la route du Tour. Mais j'en connais un qui va finir chauve, voilà, parce que ça fige un peu sur parfois les images. C'est Jean Morisseau qui va finir chauve sur le Tour de France, à force de s'arracher les cheveux, pour que l'on puisse assister. C'est en intégralité hein, aujourd'hui l'étape, 196 km, c'est du boulot. C'est un travail énorme techniquement. Et on retrouve notre groupe de 5, il y a 4 vrais rouleurs dans cette affaire, vrais grimpeurs dans cette affaire, hein, Arroyo, Landaluz, Col et Chop. Bon, il y a Ivanov qui sait tout faire de toute façon. On rappellera quand même que ce garçon avait été interdit de prendre le départ du Tour de France 2000 pour un taux d'hématocrite trop élevé. Tout va bien pour Mikael Rasmussen. Ah, voilà le maillot blanc de Contador. Je ne l'avais pas encore vu de la journée, je m'inquiétais un petit peu. Leif Palmer est à ses côtés. Je vois se rapprocher Sastre. C'est tout en haut, a l'air de dire Peter Winning. C'est bien haut pour moi. Winning, c'est un rouleur, un spécialiste du contre-la-montre. On a fait un sacré boulot d'équipier. Le cyclisme n'est pas qu'un sport individuel. Le port de Balès, quand on sera en haut, on sera à 30 km de l'arrivée. On va descendre pendant une dizaine de kilomètres, un petit peu plus, hein, presque ouais, un petit peu, une dizaine de kilomètres. Et puis on attaquera le col de Peyresourde. Et quand on sera en haut du col, eh bien, il restera exactement 11 km de descente vers Lunanvier-le-Luron. C'est pas très difficile la descente. Ah, la descente de Balès par contre, oui, quelques difficultés. Elle est balèze. Elle est balèze. Ah, Jean-Paul Naquès quoi. Non, parce qu'ils ne partent pas du baluchon. Ils ne partent pas du baluchon, ils coupent sur la route du baluchon. Ils ne partent pas du baluchon, mais ils font la valise quand même. Jean-Paul, il va falloir arrêter le café. Et les étapes en intégralité. Mon petit Daniel qui s'occupe de nous. Je vous le dis, Daniel, il faut absolument arrêter le café à Jean-Paul Olivier. Jean-Paul, est-ce que vous êtes en liaison directe avec Kim Andersen? C'est le directeur sportif. Andersen qui a remporté plusieurs étapes sur le Tour de France. 83 à Roubaix, déjà. Il avait gagné aussi à Roquefort. 83 toujours. Non, il n'en avait gagné qu'une à Roquefort en 83. C'est en 83, oui. Il n'en a gagné qu'une seule. Non, à Roubaix, c'était pas ça. Roubaix, c'était le maillot jaune, pardon. Maillot jaune. Oui, tout à fait. Il n'en a gagné qu'une, Roquefort. Oui. Et oui, il était arrivé avec Rudy Matisse, d'ailleurs. Voilà. Kim Andersen, directeur sportif de l'équipe CSC, dont le coureur le mieux placé s'appelle Carlos Sastre. Il est sixième à 5 minutes 50 de Mikael Rasmussen. Il avait pris le maillot de leader à Jean-Louis Gauthier. Et il l'avait cédé ensuite à Sean Kelly. Pour les précisions. Situation de la course à 55 km de l'arrivée. Avant la difficulté du jour. Avec un LA majuscule, le port de Balès.
On est au pied, 19 km d'ascension. Ça comme en tête, deux Espagnols, David Arroyo et Inigo Landaluz. L'Autrichien Bernard Kohl, le Suisse Jan Chop et le Russe Sergei Ivanov. Chute à l'arrière du peloton. La G2R et de David Canadien, me semble-t-il, coéquipier d'Ivan Maillot. Ces deux hommes, visiblement, ont dû toucher un petit îlot au milieu de la chaussée. Les deux hommes sont repartis, un peloton qui a accéléré, qui perd à l'instant même Van Someren. Et beaucoup de nervosité à l'abeur du port de Balès. Il y a Hans qui fait l'effort avec Canada pour essayer de revenir sur l'arrière d'un peloton qui monte, qui aborde de manière assez rapide ce port de Balès. L'image forte hein, pour l'instant. Ce sont les maillots orange de la botte de paille. Ils ont pris la botte de paille, j'ai l'impression que c'est un petit peu déplacé. Voyez. C'est Paulinho qui repart. Il y a un pansement derrière le genou gauche, signe d'une petite tendinite. Le portugais de la Discovery Channel, vice-champion olympique à Athènes. Freddy Bichot est là, Bradley Wiggins aussi. Il me semble avoir apercevu le grand Grégory Rast, le Suisse de l'équipe Astana. Apercevu, j'ai dit. Oui, encore. Fait deux fois. Ah, je voulais. J'ai exprès là, non? Non, même pas. Ah bon. Je l'ai attrapé celui-là. J'ai cru apercevoir. Ça se transforme en j'ai apercevu. Je trouve que c'est très joli d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on le rentrerait pas dans la langue française. C'est presque plus logique. Mais rien n'est logique, surtout pas le cyclisme, la météo non plus d'ailleurs. On nous avait dit qu'il allait pleuvoir, il ne pleut pas, mais les nuages sont là, accrochés à la montagne. Le groupe de 5, emmené pour l'instant par Bernard Kohl avec Inigo Landaluz, juste derrière lui, eh bien c'est David Arroyo, l'Espagnol de la Caisse d'Épargne. Sergei Ivanov est en quatrième position. Et donc Johan Chop, le Suisse de l'équipe Bouygues Télécom, et derrière eux, Laurent Jalabert. Et nous contrôlons l'avant-garde du groupe de contre-attaque. C'est les hommes de tête. Les 5 hommes de tête possédaient 50 secondes à Moulay-en-Barousse, donc au panneau indiquant 19 km du sommet. C'est déjà un écart important. Et ici derrière, toujours Benati qui roule en tête, alors que Menchoff, ça y est, se décide quand même à prendre les choses en main. Et il attaque Denis Menchoff, mais personne ne réagit pour l'instant, alors que Alexandre Vinokourov lui reste en dernière position de ce groupe. Il ne doit pas être dans un très bon jour finalement, Vinokourov. Menchoff est parti tout seul à la poursuite des 5 hommes de tête. Peloton avec Bram de Groot, Peter Winning, Niermann, Bogert, Decker, Fletcha. Bref, c'est l'équipe Rabobank qui protège pour l'instant Michael Rasmussen. José Ivan Gutiérrez est là pour la caisse d'épargne. Jaroslav Popovic, Levi Leipheimer, on a vu les maillots de la Discovery Channel. Le maillot blanc d'Alberto Contador, le deuxième du général à 2,23 de Michael Rasmussen. Et Peter Winning de nouveau, visse un peu. C'est lui qui imprègne le rythme demandé par son leader, par le leader du Tour de France. On retourne pour voir si derrière on perd des éléments, pour l'instant c'est compact. Le ton encore d'ailleurs très compact, occupe la largeur de la route, c'est un signe. Oui, c'est plus l'excitation d'arriver dans un moment crucial de l'étape qui fait accélérer un petit peu les coureurs. C'est pas tellement l'objectif, je pense, là pour l'instant de la Rabobank, qui contrôle plutôt qu'autre chose, qui va attendre les attaques pour les contrôler. Et donc un peu plus d'excitation et voilà, un peu plus d'adrénaline pour chacun. Ça fait accélérer tout doucement le peloton. Alors que les premiers sont sur le replat là, ils ont remis le grand plateau. Là c'est ce qui va surprendre tout le monde. Là ça roule un peu, on a le sentiment qu'on est encore loin de l'ascension. Et puis d'un seul coup à un moment là, on va attraper un carrefour dans la forêt. Et bing, ça commence par monter et là ça fait mal aux jambes. Il y en a qui vont faire boum, ouais, boum. Bernard Kohl, ça lui arrive souvent, c'est un bon grimpeur. Chop, on l'attendait beaucoup mieux dans les Alpes. C'est un Suisse, connaît bien les Alpes, on ne l'a pas beaucoup vu. Un petit peu décevant, le coureur de l'équipe Bouygues Télécom. On ne va pas aller trop vite non plus, c'est un jeune coureur. Plein de talent, grand espoir du cyclisme suisse. On va peut-être découvrir la formule du Big Bang alors. Non ? Allez, tiens, avant qu'on s'affasse Big Bang, comme me dit Florent Ouzo, on va tourner une page de pub et puis on va revenir pour le Grand Bing.
et le Grand Bang. AG2R, aux côtés de ses coureurs sur le tour, et toujours à vos côtés. AG2R, l'avenir, c'est mieux avec 2R. Brustor, le spécialiste store coffre pour habitation et camping-car. Brustor, fait par Brustor. Il a monté très très tôt sur un vélo et ses capacités physiques ont fait après vraiment une différence énorme. Son premier club, c'était à 15 ans. Un club lui a apporté une rigueur, une tenue, il a appris à être en équipe, à vivre avec des gens qui l'ont dirigé vers le bois où il est actuellement. Faites comme moi, rejoignez un club de la Fédération Française de Cyclisme. France Télévisions, la chaîne du cyclisme, petit clin d'œil à la Fédération Française de Cyclisme, tout le cyclisme sur France Télévisions et sur France 2, notamment le Tour, bien sûr, les épreuves sur route aussi, la piste, le championnat de France, ce sera le 26 août, si je ne me trompe pas, et dès demain, eh bien, rendez-vous avec les championnats de France de VTT, c'était ce week-end à Montgenèvre, on retrouvera Christian Choupin et puis bien sûr Julien Absalon, enfin il y a plein de choses, il y a vraiment des très belles images et surtout de très bons coureurs français, ce sont les meilleurs du monde en VTT. C'est 13h50 demain sur France 2, nous on sera, vous aussi monsieur Inigo Landaluz, vous serez en repos du côté de Pau et il arrive bien ce deuxième repos, juste avant une dernière étape de montagne dans les Pyrénées, mais elle n'est pas finie celle-là, encore 51 km et les plus durs arrivent Laurent Jalabert. Oui, nous allons bientôt aborder les pentes les plus difficiles. Nous sommes encore sur la partie assez roulante du port de Balais. C'est encore l'approche, je dirais. Et derrière, Denis Menchov qui se retourne beaucoup pour voir où en sont les poursuivants, le groupe Vinokourov. Eh bien, c'est inutile. Ils sont loin derrière, hein, à 40 secondes déjà derrière Menchov. Menchov qui a repris 25 secondes sur le groupe de tête. Il est maintenant à moins de 30 secondes, à 27 secondes du groupe de 5 hommes de tête, 4 hommes de tête, ils seront 5 s'il parvient à revenir. Je pense que dès que la pente va devenir difficile, Menchov va pouvoir à ce moment-là revenir au contact parce qu'il a l'air très très bien hein, avec son dossard 51, le petit dossard qui va bien, le coup de pédale va bien aussi, Menchov les aperçoit maintenant, il sera bientôt de retour dans ce groupe de tête. Ah, il a été impatient Menchov, il n'a pas pu aller immédiatement et derrière il a été un peu impatient, le port de Balais c'est long. Alors il espère peut-être effectivement rattraper les autres très vite et les lâcher pour faire une petite chevauchée de 50 km en solitaire et gagner l'étape certainement et pourquoi pas se replacer un petit peu. Et nous sommes à Mauléon-Barousse, l'ancienne capitale de la Barousse, l'une des quatre vallées avec ici le château de Mauléon du 15e remanié avec son puissant donjon carré. Une tour pentagonale du 13e, 14e. C'est un village caractéristique, on peut dire, de la Barousse ici. Les belles maisons de pierre, au toit de tuiles. Cette église que vous voyez là aussi est une église du 18e. Et le centre de la baronnie, ici, acquise vers 1120 par Bernard de Mauléon-Soul, qui lui a donné son nom, car ça s'appelait auparavant Mauléon-Soul, à ne pas confondre avec Mauléon-Soul, qui se trouve également dans les Pyrénées, mais d'un autre côté. Et qui était la patrie de, et qui est toujours d'ailleurs la patrie de Marcel Quéhey, un Pyrénéen vainqueur d'étape en 59 au Tour de France, mais ça n'est pas ce Mauléon-ci. Celui-ci, c'est Mauléon-Barousse maintenant. Alors tout à côté, vous avez un village que les coureurs vont traverser aussi, qui s'appelle Ferrer, et là a été tourné un James Bond, intitulé « Demain ne meurt jamais ». C'est à Ferrer et également sur les pentes de Peyragudes
que nous ne franchirons pas, bien sûr, qui est une nouvelle station de ski depuis quelques années. Alors, le point sur la course, Arroyo, Landalus, Colt, Chop, Ivanov, c'est le groupe de 5, il est en tête. Juste derrière, voici cet homme, Denis Menchov, coéquipier de Mikael Rasmussen. Ne seriez pas un peu moqueur en vous sur les bords hein. Oh non, pas du tout. Et donc le groupe désormais de 19 coureurs pointé à 50 secondes des 5 hommes de tête. 5 Laurent Jalabert, 5 et 1, ça va faire 6, hein, je ne me trompe point. Oui, 50 mètres de retard maintenant pour Menchov qui va revenir, ça c'est certain, hein. il roule très très vite, il roule très très bien. Il roule parce qu'on est encore sur de longs faux plats montants et c'est pas encore la pente raide. Hein. Menchov a beaucoup de pédales vraiment. Il va revenir et il me fait une très très belle impression évidemment. C'est peut-être même le favori pour remporter cette étape finalement maintenant, même si elle est encore loin du but. Bien son coup de pédale et surtout il vient de boucher un trou de 50 secondes sur des hommes qui ne l'ont pas attendu. Et c'est vous dire s'il est bien en ce moment. Alors est-ce qu'on aurait un fusil à deux coups là du côté de la Rabobank, protégé bien sûr avec toute l'équipe ou presque le maillot jaune, et d'un autre côté une victoire d'étape avec Denis Menchov. Menchov en train de revenir tranquillement sur le groupe de 5. Voilà qui est fait, les 5 sont 6 en tête désormais avec 56 secondes d'avance sur le groupe de 19. Je refais donc ma question. Je vous écoute, mon cher Thierry. Est-ce qu'on joue d'abord la protection du maillot jaune de Rasmussen? Il y a quand même moins de coéquipiers que tout à l'heure. On a perdu un petit peu de monde, mine de rien, à la Rabobank. Et est-ce que d'un autre côté, on rêve d'une victoire d'étape avec Menchov? Écoutez, je pense qu'on peut jouer sur les deux tableaux, là, effectivement, du côté de la Rabobank. Avec 8 minutes et quelques d'avance pour l'échapper, je pense que Menchov peut aller au bout. Ce n'est pas dangereux pour Rasmussen qui a son coéquipier, il a combien? Il a 18 minutes 57. Donc vous voyez, il perd 8 minutes. Et évidemment, s'il y a de la bagarre, donc c'est pas très important. Ils peuvent jouer sur les deux tableaux. Menchov n'a pas participé à la réussite de cette échappée parce qu'il a son leader derrière. C'était la bonne excuse. Il en a profité et fait le jeu à chaque fois. Donc il peut aller chercher la victoire d'étape. Et derrière, il y a suffisamment de coureurs bons avec Decker et pour faire le travail. Alors, seront-ils suffisants? On l'espère. Et peut-être que tout à l'heure, ça nous démontrera que non. Mais Rasmussen, dans le maillot jaune, doit aussi lui prendre ses responsabilités. Il les prendra, on l'a vu hier. Donc je pense que sur les deux tableaux, là, l'équipe de Rabobank est pas mal placée. Thomas Vauclair, lâché par l'accélération du peloton. De même que Peter Winning qui en a fini avec son travail. Je dirais relevé moi, parce qu'il n'avait pas l'air véritablement dans le dur. Alors, disons qu'il a laissé partir le peloton, tout comme trois des coéquipiers de Mikael Rasmussen. Ils en ont fini avec leur travail. On a reconnu là, il y avait Bram de Grotte, il y avait Christian Irman, il y avait Peter Winning. On va retrouver Laurent Velay, il y a un groupe Eto qui va se faire autour du maillot vert de Tom Bonham. Vous avez vu, les écarts se creusent extrêmement vite. Ces hommes que vous aviez à l'image, là, ces hommes que vous aviez à l'image avec les trois équipiers de Rasmussen vont être pris par un groupe d'une quarantaine de couleurs dans lesquels figurent notamment Hazel, Rast, Sprick, Jégou, Gélin, Auger, Hino, Wiggins ou encore Tom Bonen. Voilà, la jonction maintenant est faite. Voilà, ce sont des hommes qui vont rentrer avec le groupe Eto. Il faut savoir, hein, Thierry, que Uchoft, Chavanel et Bonnet, Stegmans également, qui avaient été lâchés dans le club précédent, ne sont pas rentrés dans la vallée. Ils sont un petit peu plus loin derrière. Juan Antonio Flecha pour mener le peloton. Les écarts sont déjà importants avec les hommes lâchés. On retrouve là des coureurs comme Anthony Charteau. On a à côté de lui le jeune Alexander Efimkin. Attention, prudence, on a fait un petit signe de main, il nous a fait un petit signe de main, il connaît bien la région, Mathieu Ladagnous. Ce soir dans le journal du Tour de Philippe Lafond, vous aurez une séance tournée avec les parents de Mathieu Ladagnous par notre PHB international, Pierre-Henri Brandet. Voilà la localité de Ferrer dont je vous parlais tout à l'heure, où a été tourné un James Bond, Demain ne meurt jamais, en 1977.
Nous sommes dans la forêt de Barousse, la forêt domaniale de Barousse. Et ce film avait été également tourné sur la nouvelle station de Peyragudes. Et les paysages d'ici étaient censés figurer des paysages d'Afghanistan. On est venu chercher donc l'Afghanistan dans les Pyrénées. Le groupe de tête, ça monte, ça grimpe, ça devient difficile. C'est le hors catégorie du jour. Et les choses sérieuses commencent. Et comme souvent, on est en prêt dans les 50 derniers kilomètres de cette longue étape de 196. Entre Foix et Loudenvielle-le-Luron. Et maintenant, la bagarre va commencer pour la victoire d'étape, pour le maillot jaune. Pour la victoire d'étape, on retrouve Laurent Jalabert avec un groupe de 6, deux Espagnols, un Russe, deux Russes, deux Espagnols, un Suisse, un Autrichien, Laurent Jalabert. Oui, les 6 sont maintenant dans les pentes difficiles, hein. Ça a changé là de profil. Et directement, alors qu'une barrière qui habituellement, probablement, ferme ce col était ouverte, et un panneau indiquant la mention suivante, ça m'a interpellé quand même, danger, circulation, utilisation. Aux risques et périls des usagers. Vous voyez, ça veut tout dire, c'était quand même une montée difficile. Et les 6 hommes de tête maintenant sont en train de se marquer un petit peu. Menchov n'était pas passé. Depuis qu'il était rentré, il était resté gentiment en dernière position. Alors qu'Ivanov n'a pas apprécié le changement de pourcentage ici. Ivanov coince, coup de pédale est très lourd. Ivanov est distancé donc. Et c'est Menchov finalement qui commence à imposer son rythme, un rythme régulier mais très rapide. On l'avait dit, hein, c'est le seul qui n'est pas un grimpeur de nature et il a sauté tout de suite quand même. Hein. C'est clair, ouais, peut-être, c'est net, peut-être c'est attend-il dur, hein. Vinokourov. Ouais, je pense qu'il aurait pu aller plus haut, il y serait allé. Hein. Oui, peut-être qu'il est étonné de voir Menchov et pas Vino. On va peut-être essayer de donner un petit coup de main. Et 5 hommes en tête, on va aussi avoir un œil bien sûr sur le peloton maillot jaune, voir si Michael Rasmussen est attaqué dans cette ascension, dans cette difficulté nouvelle sur le Tour de France, le port de Balès. L'invité surprise, on va bientôt quitter, on finit hein, dans l'Ariège, dans les Hautes-Pyrénées avant de retourner en Haute-Garonne. Et donc le groupe de 5 emmené par David Arroyo. Denis Menchov est là. Bernard Kohl aussi. Inigo Landaluz. Et Johan Tchop, c'est vraiment, vraiment des grimpeurs. Hein. C'est bien de retrouver une équipe française devant avec. Parce que je vous rappelle que la Caisse d'Épargne, sponsor français, mais pour l'instant, eh bien. Par rapport à l'achat de la licence UCI Pro Tour, j'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous à suivre, eh bien, licence espagnole, comme l'a soigné Duval. Astana, par exemple, est licence suisse. Et Barlow World, licence anglaise. C'est vrai, notamment au niveau des directions de course, des bureaux et du siège social de l'équipe. Sachant, par exemple, que Barlow World est un sponsor sud-africain. Et que Sonier Duval est partagé entre son siège en Italie et son siège en Espagne. Et Astana, bien sûr, c'est le nom de l'actuelle capitale du Kazakhstan. Et vu que le temps rebaisse un tout petit peu, voilà Menchov qui accélère maintenant, qui a décidé évidemment maintenant que c'en était assez. Il fallait qu'il y aille. Il va certainement user ses camarades pour les lâcher. Voilà, là on se retrouve. C'est dur pour Patrice Algan ouais. Dans le groupe de 19. On est derrière le groupe de 19. C'est dur pour différents coureurs. Là on est avec Daniel Navarro qui était dans le groupe de 19 aussi. Un groupe de 19 qui diminue. On en perd un petit peu au fur et à mesure. Ce sera forcément difficile ici pour Daniele Benatti. Christian Van de Velde aussi. Tiens, Georgine Campi n'a pas. Et Alexandre Vinokourov accélère dans le groupe de 19. C'est fait avec Ivanov qui l'a attendu. Et donc Alexandre Vinokourov l'emmène. Oui, Laurent Fillon. Bah non, mais il y a deux solutions. Soit il est lâché parce qu'il ne peut plus, soit il attend Vinokourov qui est. Il me semblait qu'il se retournait beaucoup pour voir où étaient les autres. Moi, je pense que comme il était lâché, il a tout du Vinokourov. C'est peut-être ça aussi. Non, mais c'est peut-être ça aussi. Ah ben bon, on est là. Parfois, on fait croire qu'on attend, mais on est lâché. Tout simplement. Toujours est-il que ça peut permettre à Alexandre Vinokourov de revenir peut-être sur le groupe de 5, parce que l'écart entre les 5 et la tête du groupe est de 45 secondes. Enfin, vous savez, admettons qu'il ait eu un passage mauvais pour monter le début du col, mais quand vous voyez Menchov qui n'a pas participé à échapper, essayer de revenir comme ça,
Vous ne le laissez pas partir. Si vous le laissez partir, c'est que vous ne pouvez pas trop y aller. Bien qu'il ne soit pas très loin. Finalement, ils étaient revenus tout à l'heure à 27 secondes, alors qu'il y avait 20-50 auparavant. Jacobo Acebo qui est là. Là d'ici, je ne vois plus bien. Je ne peux pas vous dire. J'ai vu qu'il y avait Kobo Acebo. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a Kim Kirchen qui était là. Et je me demande si Nicolas Portal ne l'avait pas accompagné. Il y avait Zubeldia aussi qui était là. Bah voilà, si Laurent Jalabert est là, c'est beaucoup plus facile. Laurent, dites-moi tout, il y a Ivanov, il y a Vino, il y a Kobo Acebo, il y a Zubeldia et Kirchen, c'est ça je crois. Hein. C'est ça, alors il y a Ivanov qui emmène Vinokourov avec un écart de 12 secondes maintenant sur le groupe de tête. Kobo Acebo, Zubeldia, Kirchen qui vient d'être distancé légèrement, Van de Velde, lui est un petit peu plus loin. N'hésitez pas à appeler Thierry, hein, nous sommes sur place. Oui, c'est vrai. Prêt à réagir, si je croyais que vous étiez derrière celui, le groupe de 5, et je pensais pas qu'ils étaient déjà là en train de revenir. Ils sont revenus très vite. Et ça accélère du coup du côté de Inigo Landaluz. Et à un moment, on pensait que ça allait faire 5 et 4, 9. C'est pas fait encore. Hein. Oui, mais Menchov n'a pas profité finalement de l'avantage qui s'était donné sur Vinokourov. C'est un petit peu dommage pour lui. Il temporise beaucoup. Alors n'a-t-il pas les moyens finalement de partir? C'est bien possible. Et Vinokourov s'est peut-être repris finalement. Il n'était pas bien au pied. Ça arrive aussi. Hein, quand on est blessé comme ça, pas toujours un moral. Voilà, là, il a réellement fini. Vous voyez la différence là? Là, je crois qu'il n'attend plus personne. Ouais, là, ça, c'est une belle image. Ouais. Je trouve que c'est c'est vraiment une belle image parce que Ivanov, il a fait son travail de coéquipier, il est mort. Est mort. Il est lourd, hein, c'est un garçon qui est fort hein, physiquement, qui est lourd et qui est un vrai rouleur. Hein. Dans la plaine, je peux vous dire que quand vous êtes dans sa roue arrière, eh bien, vous êtes costaud, garçon qui fait 1m80 pour 71 kg. C'est important hein, pour un coureur cycliste. Vous voyez la différence avec les grimpeurs qui sont très fins et qui font quand même une dizaine de kilos de moins. Et là, bien, il a fini et la pente est très dure. Et c'est vrai, on n'a pas l'impression comme ça en regardant certains que c'est très dur. Et pourtant, je peux vous dire que là, la pente, elle est très dure. Et donc, Ivanov a ramené Vinokourov. Et maintenant, pour lui, bien, ça va être une petite galère. Comme on dit dans le métier, il s'est garé. Ah bah là, ça, pour s'être garé, il est garé. Hein. Il va mettre deux pièces dans le rodateur et puis il va récupérer le vélo demain. Allez, le peloton, lui, s'allonge. Laurent Jalabert, ça fait quand même une belle échappée, là. Hein. Alors, juste un regard. Là, je regarde le peloton et je reviens vers vous. Il y a toujours Fletcher qui emmène Becker, Bogert devant Mikael Rasmussen, donc le maillot jaune à trois coureurs. Donc, pas de souci pour lui. Ça fait une belle échappée alors que Chop vient d'accélérer, je pense, Laurent Jalabert. Ouais, d'abord c'était l'Andalouse et Chop a apporté un contre alors que Vinokourov a éprouvé de récupérer, hein, de souffler un petit peu alors qu'on a vu la remontée spectaculaire que lui a apporté Ivanov. Ivanov qui était vraiment à l'agonie hein, lorsqu'il s'est écarté. Vino donc a eu besoin de récupérer et il est au marquage maintenant avec constamment avec Denis Menchov. Et Chop a profité de ce petit marquage, de ce moment d'accalmie pour prendre les devants. Voilà, le voilà parti maintenant en solitaire avec une avance d'une centaine de mètres. Ça c'est la bagarre pour la victoire d'étape et maintenant eh bien, on voit, on sent quand même que c'est très difficile à cette partie, on l'a dit. Le port de Balès, c'est une nouveauté, c'est très difficile et on est content. Tiens pour Jean-René Bernaudot. L'autre fois, Pierrick Fédrigo, il aime pas que je dise ça. Hein. Quand je dis il a montré le maillot, c'est pas simplement un coup de pub, hein, je le rassure. Hein. Évidemment, Jean-René, on sait bien que dans son équipe, et comme dans toutes les équipes françaises, on se contente pas de montrer le maillot, mais c'est bon, une expression que j'aime bien. On était triste hein, parce qu'on aime beaucoup Pierrick Fédrigo, le cyclisme français aime beaucoup Pierrick Fédrigo. Dans le peloton, ça attaque. Attention, Kachechkine est parti. Allez, c'est parti, on a pris et on le pense, hein, il va y avoir une bagarre pour le maillot jaune. Kachechkine est à 6,58. Vous avez vu, ça émeut pas tellement le maillot jaune hein, pour l'instant. Alors je termine avec Chop. On est content de voir le coureur suisse, son grimpeur devant dans cette étape, dans cette deuxième étape pyrénéenne. Et l'autre jour, on était un peu triste pour Pierrick Fédrigo, rejoint avec Churuca à 2 km, même pas 1 km de l'arrivée à Castres. C'est un petit peu le problème. Hein, quand on est si loin, eh bien, le maillot jaune n'a pas besoin de s'affoler immédiatement. 7 minutes de retard pour Kachechkine sur le classement général. Il vaut mieux continuer à monter au train pour l'instant. Tant que c'est plus proche d'adversaires, je dirais, Contador Evans, Leipheimer, et déjà Leipheimer 4,30, c'est déjà loin. On peut même se contenter de suivre, quand on est le maillot jaune, uniquement Contador et Evans. Les autres, on peut les laisser partir comme ça dans des raids. Il y a une cassure en train de se faire dans le peloton. Oui, c'est la pente. Il y a une cassure dans le peloton.
On est en train de perdre des noms. D'ailleurs, on est en train de perdre, par exemple, bon, alors là, Julian Dean, c'est normal, on perd les sprinters. Un nom marquant peut-être déjà de lâcher dans le peloton, c'est le 31e. Ouais, c'est le 31e au classement général, Laurent Bollet. Oui, on a vu Linus Gerdemann, hein, on voyait déjà depuis un petit moment, mal placé, Gerdemann qui vient de perdre le contact, tout comme Anthony Chartaud, et c'est vrai que les coureurs sur la route forestière de la Saoupette, ici, petite route qui ne rend pas tellement avec des pourcentages affolants, et bien tout le monde s'emploie, c'est dur pour tout le monde, mais Gerdemann lâché du peloton maillot jaune. Oui, on a vu aussi Stefan Schumacher, le leader de la Gerolsteiner, lâché. Là, c'était Murilo Fischer, le Brésilien de l'équipe Liquigas. Ça descend vite. Là, il y a un petit moment où on redescend, puis après, ce sera la fin du port de Balès. Très, très difficile. Vous êtes derrière Chop, Laurent Jalabert. On est derrière Chop, on va derrière Chop, alors que le groupe Vinokourov s'est reconstitué. De 11 coureurs donc qui s'est constitué, ils se sont regroupés à 11 devant. Hein. Retour de Kirchen, retour de Garaté, retour de Van de Velde et retour de Ludovic Turpin et Chop qui caracole en tête avec 22 secondes d'avance sur ce groupe de 11 coureurs. Et là vous avez vu le leader de la Milram, c'est donc Eric Zabel. On est dans un groupe qui a été lâché évidemment par le peloton avec aussi un autre Allemand, Marcus Burgard. Voilà la tête du peloton. Oh, il n'y a plus qu'un coéquipier pour Mikkel Rasmussen. Ah oui, attention. Ah, c'est nouveau ça. Seul Mikkel Bogaert est capable d'emmener le maillot jaune pour une fois. Thomas Dekker n'est pas là. Juan Antonio Trecha a mis la flèche. Ils sont pas du tout dans le fond. On les voit passer là-bas. Il n'y a toujours pas de maillot orange de la Rabobank. On a vu maillot orange de Skaltel, mais pas du tout de Rabobank. Clodon est là. Attention, s'il subit toutes les attaques, on va voir comment il va se débrouiller. Mais si par exemple Bogaert arrive à imprimer un rythme assez élevé dans le peloton. Si Bogaert arrive à imprimer un rythme assez élevé, eh bien personne ne pourra attaquer, à tous bien évidemment. Un homme seul en tête, c'est Johan Chop, le coureur des Bouygues Télécom, le Suisse en tête dans cette ascension très difficile, ascension du port de Balès, hors catégorie. Mais l'arrivée est encore loin, hein. On est à exactement 43 km 800 de l'arrivée, il y a encore le col de Peyresourde à grimper et Mikkel Rasmussen, je le trouve un petit peu moins à l'aise qu'hier. Alors vous avez surtout envie de le voir moins à l'aise. Non. Si, parce que vous avez Contador dans la tête, moi je le sais. Moi je veux bien que les Fimer attaquent. Tous les soirs il nous parle de Contador, tous les soirs. Si Cadel Evans attaque, je suis content, moi je suis pour le spectacle. Le Tour de France est un spectacle et sans doute la course. Kashechkin toujours devant le peloton se retourne. Il a Alexandre Vinokourov devant. Il va repasser Ivanov, mais ça ne pourra pas l'aider. Ils sont trop loin devant pour lui servir de relais. À moins que ça coince devant ou que ça attende évidemment. Mais ça fait un peu loin. Je pense que cette attaque est plutôt destinée à éprouver la Rabobank pour une attaque future, peut-être de Clauden, ou isoler le maillot jaune, qui est toujours bien joué bien sûr. C'est un peu le cas d'ailleurs, le maillot jaune n'est plus qu'avec un seul équipier, vous voyez. Là, on voit cette vue d'hélicoptère, il y a plus quoi, une quinzaine de coureurs déjà devant. La pente est très raide et ça fait très mal. Donc là, il ne reste plus que les meilleurs. Et on voit, voilà, Bogaert, Rasmussen, on a Popovic vu les Palmer, Popovic. Oh, Pereiro lâché. Oscar Pereiro lâché. Christophe Moreau à son tour lâché. Laurent Bollet, vous êtes derrière le champion de France ou vous êtes en train de remonter cette queue de peloton? C'est lâché. On remonte, on va dire, les queues de peloton. Énormément de groupes sur cette petite route, on revient sur un groupe avec notamment Sandy Cazard, avec Florencio, avec un coureur, avec Sterlings qui est là, Jaglinski qui est un petit peu plus loin, on a dépassé, il est beaucoup plus bas, Dekker dans un groupe avec Vaugandi, avec Gousseff, nous remontons les groupes maintenant, Elminger qui amène un groupe, on passe devant Federigo avec Duenas, présence de Colomb aussi, nous remontons toujours les groupes, Bocharov lâché, tout comme Gutiérrez, on ne voit toujours pas Savoldelli maintenant qui est un petit peu plus haut, allez, le peloton a carrément explosé, Millard que l'on va dépasser maintenant, beaucoup de coureurs sur cette petite route, Pereiro maintenant devant nous, et nous remontons, et Christophe Moreau, voilà, est devant nous avec peut-être quelques 5 mètres de retard sur Sylvain Chavanel, et il y a Valiavec également ici dans ce groupe, Christophe Moreau qui va peut-être
Voilà, il vient récupérer la roue de Sylvain Chavanel. Voilà le groupe avec deux Français. Ils sont à environ allez, une petite centaine de mètres du groupe maillot jaune. Un homme seul en tête, Johan Schopp, le Suisse des Bouygues Télécom. Juste derrière lui, on a un groupe avec Vino Kurov qui est ici. C'est ce groupe avec Denis Menchoff, avec Aymar Zubeldia, avec Garaté, avec Landalouse, avec Cole, avec Kobo Acebo, avec Kim Kirchen. C'est ce groupe-là, c'est Kim Kirchen qui accélère. C'est donc ce groupe qui est pointé maintenant à 34 secondes de Johan Schopp. Et on pense toujours dans ce groupe à la victoire d'étape. Et puis il y a, on va demander à Jean-Maurice de nous le montrer, il y a en point numéro 3 le peloton maillot jaune. Enfin, il reste une vingtaine de coureurs, voilà, dans 15, le peloton maillot jaune. 15 coureurs seulement. Et on va faire le tri. Kadel Evans est là, Leifheimer est là, Contador est là, Iban Maillot est là aussi. Claudin est là, Popovic est là. Pour l'instant, ce sont les coureurs que je peux apercevoir. Ouais, ouais, y a Frank Schleck est là, Schleck, ouais. Carlos Sastre est là. J'ai vu un coureur de AG2R en queue. Kashechkin est devant hein, en ce qui concerne le classement général. Contador, le deuxième, est là. Kadel Evans, voilà, le troisième, est là. Gadret, là, en queue avec Leifheimer est là, Claudin est là. Vous avez Astar Lozza là qui est un petit peu lâché, qui est tenté de revenir. Il manque Valverde, le 9e. Hein. Il manque Pereiro. Ah non, Valverde là, je pense. Pardon, non, c'est Pereiro qui est pas là. Parce que Carpet est là. Non, c'est Carpet qui est là. Valverde, je l'ai pas vu. Valverde est là. C'est Horner, le 44. Ouais, Soler est là aussi. Et le 68, ouais, Valverde doit être là aussi, hein, je crois. C'est lui qui est là juste devant. Oui, c'est là. Ouais. Voilà, Valverde est là. Popovic est là. Il manque Pereiro. Soler est là. Zubeldia est devant. Kirchen devant. Carpet est là. Mayo est là. Christopher Horner, me semble-t-il, est là aussi. Astar Lozza qui était un tout petit peu décroché là. Bon, bah, les 20 premiers au général sont là. Quasiment. Quasiment, à peu près. Donc pour l'instant, pas d'affolement général. On va dire que, comme cela, à l'œil, c'est de visu. C'est que Rasmussen n'a plus que Bogert avec lui. C'est un peu différent. L'homme de tête, Johan Schopp, pour l'instant, l'équipe Bouygues Télécom en tête. Jean-René Bernaudot rêve d'une victoire d'étape sur le Tour de France. Kim Kirchen est parti en contre, on l'a vu, le coureur luxembourgeois, et ça accélère de l'autre côté avec Inigo Landalouse qui, me semble-t-il, est parti de nouveau. Le bondissant basque de l'équipe Euskaltel Euskadi, ça bagarre Laurent Jalabert en ce qui concerne la victoire d'étape. Ça bouge beaucoup derrière Johan Schopp, et Schopp qui fait une très très belle montée, hein, très régulière. C'est un beau grimpeur, hein, un beau gabarit, et il ne se désunit pas en l'effort, il possède toujours une avance importante, alors on s'est arrêté. On attend maintenant Kim Kirchen, hein, qui se rapproche quand même un petit peu de Schopp. Il va passer devant nous avec un retard de 22 secondes. Kirchen derrière, nous avons Inigo Landalouse encore un petit peu plus loin, et puis le reste du groupe des favoris. Alors Landalouse qui passe lui à 30 secondes. Garaté emmène le groupe des poursuivants à 32 secondes. Oui, Garaté et l'Andalouse sont pratiquement roue dans roue. Ouais, et ensuite Denis Menchoff, Alexandre Vinokourov, David Arroyo, Bernard Cole, José Kobo Acebo et Ludovic Turpin, un coureur français dans ce groupe, placé juste derrière donc Monsieur Prop, Johan Schopp, puisque Monsieur Prop, tout simplement parce que lui, eh bien, il sensibilise ses camarades par rapport au fait de ne pas jeter ni les papiers, ni les bidons, d'être vraiment écolo, comme l'on dit, et ça tombe bien, on est dans la verte montagne des Pyrénées. Et un mot sur Christophe Moreau. Ah, attention, il y a Garaté qui a eu un petit problème là. Voilà, Garaté qui remet sa chaîne, va se remettre, on voit qu'il a de l'expérience, se remettre tranquillement en route, pas simple, hein, alors que Schopp est à 5 km du sommet. Christophe Moreau, juste derrière le groupe maillot jaune. Laurent Belay. Ces zones-là possèdent, Christophe Moreau dans un groupe avec Sylvain Chavanel, avec Valli Avec, avec Beltrán. Ces hommes-là possèdent, allez, une petite vingtaine de secondes sur le groupe maillot jaune, un groupe maillot jaune dans lequel figure John Gadret, hein, qui avait fait vraiment une belle fin d'étape hier, dans lequel figure Goubert, et à la peine à l'arrière de ce groupe, il y a Churuca, il y a également Astar Lozza, tous les cadors, sinon, sont là, voilà, on les aperçoit, on est juste derrière le groupe maillot jaune pour l'instant. Et en se retournant, eh bien, nous voyons le groupe Christophe Moreau qui possède une petite centaine de mètres de retard, mais avec les pourcentages, eh bien, cela fait facilement une vingtaine de secondes. Et pour l'instant, personne n'ose attaquer Michael Rasmussen dans la roue de Michael Bogert.
on a Popovic, on a Leifheimer, on a Contador, les trois hommes de la Discovery Channel. Cadel Evans, là ensuite, juste derrière le maillot blanc. Et retour donc de Mikel Astarloza, le coureur basque, 8e du classement général dans ce groupe maillot jaune, où on retrouve notamment Stéphane Goubert et John Gadrel de Victor Pain est devant. Très belle course aujourd'hui de l'équipe AG2R Prévoyance. La tête du peloton, c'est le point numéro 3 de la course. Si on considère qu'on a Chop devant, et donc en compte Kirschen Landalouse, et un groupe de 8 coureurs, le groupe Vinokourov. C'est même le point numéro 4 si on regarde en linéaire avec Boger. Énorme travail de l'ancien champion des Pays-Bas. Alors peut-être que personne ne peut attaquer. Vous avez vu, ce groupe-là est très étiré aussi. Ça signifie que ça roule suffisamment vite pour que personne ne puisse attaquer. On voit très bien tous les coureurs de la Discovery Channel bien dans la roue, mais qui ne tentent rien pour l'instant. Ils sont trois. Donc là, on a Chop toujours en tête. Il montre, c'est vrai, un très bon rythme. Ah, c'est un sprinter, hein. Deuxième du grand Red Chris Alpes en 2006. C'est un sprinter, vous avez dit ? C'est un grimpeur, j'ai dit. Un sprinter, j'ai dit. C'est un sprinter, c'est une bêtise. C'est un vrai grand grimpeur, spécialiste du VTT, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, alors que l'on retrouve le peloton, ce qu'il en reste. Ah, c'est dur là pour John Gadré. Avec le peloton, et n'oublions pas que Kashechkin est juste devant. Carpet lâché aussi. Laurent Belet. Ça, c'est pas oui, Carpets avec John Gadré, Astarloza qui s'accroche. Ils ont perdu, allez, une trentaine de mètres sur le peloton maillot jaune. J'ai bien la sensation qu'ils ne reviendront pas maintenant, un peu plus bas. Il y a Churuka qui a amené un petit moment Astarloza. Et puis, il a son style caractéristique. Il y a Churuka là qui balance les épaules. Et bien, il est encore un petit peu plus loin. Le peloton maillot jaune a laissé peut-être 12-13 coureurs avec Rasmussen. Et derrière, le groupe avec Oscar Pereiro, avec Christophe Moreau, avec Sylvain Chavanel. Un peu plus bas que ce groupe là, toujours emmené par Mikael Bogert. Mais la pente est raide là, on voit bien, quand vous voyez au fond les coureurs, on voit bien la différence de niveau. Et toujours personne qui tente quelque chose ici, c'est un petit peu étonnant car vous savez qu'après le sommet du port de Balès, il n'y a pas de vallée du tout. Il y a une longue descente, une descente de 16 km, oui c'est pas si long que ça. Donc 16 km assez technique. Et immédiatement, on abordera les pentes du col de Pays Rousseau. Donc on peut quand même tenter quelque chose. On ne prend pas de risque de coincer dans la vallée ou de laisser trop de force dans la vallée. Il n'y en a pas. Donc on peut tenter quelque chose. Est-ce que tout ce beau monde ne peut pas parce que Bogart roule vite? C'est une possibilité, bien sûr. Et là, on va perdre notre hélico parce que vous avez vu, c'est un petit peu bouché au-dessus de chez nous. Donc, ne changez pas de chaîne, c'est pas un problème de télé. Difficile, c'est simplement... Difficile de vous donner des images par hélico. Kim Kirschen, il est en compte tout seul derrière Johann Chop. Là, c'est la victoire d'étape qui se joue. Et pour l'instant, eh bien, la déception est que personne n'attaque Michael Rasmussen. Un troisième abandon aujourd'hui sur le Tour de France, celui de Fred Rodriguez, après celui du Français Cyril Decelle et surtout bien celui de Christophe Lemével, qui était pourtant dans le bon coup encore aujourd'hui. Le coureur breton tombé dans une descente et victime sans doute d'une fracture de la clavicule. En tout cas, il a été transporté à l'hôpital de Saint-Girons. Regardez l'écart entre Chop et Kim Kirschen. Ah, c'est 40 secondes, c'est rien. Évidemment, on est dans une ascension difficile. Il semble coincé un tout petit peu, Johann Chop. Chop qui voudrait fêter victorieusement l'anniversaire de Ferdi Kubler, vainqueur du Tour de France en 50. Ferdi Kubler qui est né en 1919, ça lui fait déjà un bel âge. Hein. Voilà, Chop avec juste dans son rétroviseur, Kim Kirschen, on l'aperçoit là-bas avec son maillot rose, le coureur de la T-Mobile. Et accélération, alors Laurent Jalabert, je ne sais plus très bien où vous êtes, est-ce que vous êtes avec l'accélération d'Alexandre Vinokourov? Ah ben on navigue entre les groupes, Chop qui possède 12 secondes d'avance seulement, 12 secondes sur Kirschen, alors que derrière, ça se rapproche un petit peu, mais ça coince à nouveau, alors qu'il y a des accélérations à l'arrière, hein, mais ce sont des accélérations qui font mal au reste du groupe, mais qui ne sont pas suivies ensuite. On a du mal à maintenir ce rythme, Vinokourov temporise, et l'écart est de 40 secondes sur Chop. Ah, Vinokourov qui n'a pas l'air aérien, loin de là. Un Minchov qui temporise beaucoup, je trouve. Il prend le risque de laisser partir du monde. Allez, retour de Ludovic Turpin, l'ancien champion de France, le coureur de l'équipe AG2R Prévoyance. Ouais, ce qui prouve que ça roule pas si vite que ça. Garaté qui revient aussi. Après son petit ennui mécanique, peloton toujours à 7,37. Chop qui n'arrive pas réellement à faire le trou. Il plafonne maintenant à toujours à 30-40 secondes. Un petit
peu dommage, évidemment, Kirchhoff qui revient. C'est pas bon signe, Kirchhoff était lâché hein, tout à l'heure. Il revient finalement sur, Kim Kirchhoff, sur Chop. 14e du général à 13 minutes 16. Oui, c'est pour ça, c'est bizarre que Menchoff le laisse partir. Alors Menchoff qui doit peut-être pas être si bien que ça, on l'a pas vu de toute façon à son aise depuis le début du Tour de France. Donc c'est un peu normal aussi. Il focalise aussi peut-être de trop sur Vinokourov. Il a laissé partir Kirchhoff, c'est un petit peu étonnant. On a le temps, Jean-Maurice, d'aller faire un gros plan sur le peloton maillot jaune en train de perdre des coureurs. La confirmation en plus de l'image avec la voix de Laurent Belet. Ça perd un petit peu de monde encore. Hein. Ah non, Thierry, il y a même Carpet, Astarloza et John Cadré à la faveur d'un kilomètre où il n'y avait pas tellement de pourcentage et d'un gros effort de Carpet. Ces trois-là sont revenus, ils sont un groupe de 17 coureurs. Hein. Le groupe maillot jaune, c'est 17 coureurs. Et tout à l'heure, j'ai fait un pointage, le groupe Moreau, Chavanel, Beltrane et Valliavec étaient à 50 secondes du groupe maillot jaune. Voilà, 17 dans ce groupe maillot jaune sur la partie la plus difficile de cette ascension. Carpets souffle aujourd'hui, c'est difficile. Contador, juste dans la roue de Rasmussen. C'est peut-être maintenant où la Discovery Channel doit attaquer le coureur danois, emmené toujours par Michael Bogert, en train de se sacrifier dans cette ascension. Le sommet est à 35,5 km. Donc vous voyez, il reste encore 4 km là pour Chop, hein, et quasiment 2,5 de plus pour le peloton. Et retour de Kim Kirchhoff sur Johann Chop, un Suisse et un Luxembourgeois Chop, en tête. Coince, hein, Chop coince, là, ça se voit parfaitement à son allure. C'est moins souple et moins délié que tout à l'heure, il pioche un petit peu. Kirchhoff qui a fait finalement un démarrage qui ne semblait pas terrible et puis il est parti. Garçon qui sait tout faire, hein, parce qu'il sprinte bien, roule bien. Et grimpe très bien. C'est un luxembourgeois. Confirmation avec les chiffres. Hein. 4e à Autun, 8e à Briançon, 10e à Montpellier. Il a même fait mieux sprinté finalement que le reste. Et donc deux hommes en tête, pas pour longtemps. Kim Kirchhoff semble un peu plus facile. Ouais, il le lâche. Chop coincé, ça se voyait parfaitement à son style qui avait complètement modifié. Il piochait d'un seul coup. Il va être attrapé par le groupe emmené par Juan José Cobo, assez beau. Non, il est revenu quand même. Il s'est accroché. Il se reprend. S'accroche là dans la roue de Kim Kirchhoff. Essayer de l'accompagner jusqu'au bout. C'est un très bon descendeur. Hein. Même si c'est pas un spécialiste de VTT, c'est un spécialiste de VTT sur longue distance. Hein. Il fait du marathon. Non, il peut pas. Il peut pas suivre. Le rythme de Kirchhoff est trop élevé. C'est fini. Chop, la lâche. Il faudra bien s'accrocher. Il change, il pédale, comme on dit, avec les épaules. Et juste en bas, j'ai aperçu le groupe derrière, le groupe Vinokourov. Tout est très resserré, évidemment le peloton ne grignote pas grand chose, ça monte à peu près à la même vitesse. Je pense qu'on essaye au niveau de la Rabobank de jouer sur les deux tableaux, sur le tableau de la victoire d'étape avec Menchoff et évidemment le maillot jaune, ça c'est clair. Pour, c'est le haut du col, d'un côté des nuages, de l'autre il fait beau. Ah, ah. Tant mieux, est-ce qu'on va de l'autre côté? C'est bien, on va du bon côté. C'est le trait d'union aussi entre deux départements. Hein. Deux vallées, Barousse et Way sont reliés par une route qui a été inaugurée en juillet 2006 ici. Kim Kirchhoff et Chop fait l'effort pour revenir dans sa roue, que vous êtes laid messieurs, que c'est pas beau. Kim Kirchhoff, le luxembourgeois, il y a une belle école de cyclisme luxembourgeoise hein, avec Kim Kirchhoff, avec les frères Schleck, avec Benoît Joachim. Ça coince dans le groupe Vinokourov pour Garaté et Turpin. Vous parliez de Kirchhoff, son oncle terminé 5e du Tour de France en 1948, Jean Kirchhoff, ou Yann Kirchhoff selon. Avec un J ou un Y? Avec un J, mais sans, vous savez, sans le Yann. Le luxembourgeois est très francophile, alors on l'appelait Jean Kirchhoff. Kim Kirchhoff, ancien champion du Luxembourg. Une attaque là de Arroyo dans le groupe Vinokourov. Alors que le peloton maillot jaune toujours dans le même rythme. Beaucoup en danseuse pour Bogert, beaucoup en danseuse aussi pour Rasmussen. On n'a pas le sentiment que quelqu'un semble au-dessus du lot. Oh, Laurent Belet, c'est dur pour John Gadré. Hein. Non, ça c'est pas Gadré, c'est Turpin. Ah, mais il y a Turpin, il y a Gadré aussi. Même cas, là, c'est Stéphane 66. Goubert, pardon. Et puis c'est Goubert, de toute façon c'est Goubert tous les deux. On s'est Goubertés tous les deux. Laurent Belet. Goubert Gadré qui étaient les deux Français lâchés là en dépasse. John Gadré, c'est dur sur ses pentes.
Il va remonter devant lui, il y a une trentaine de mètres, il y a Starlozza un peu plus haut, il y a Goubert, peut-être les deux Français vont s'unir et je crois que Popovic est en difficulté me semble-t-il dans le groupe maillot jaune, tandis que j'aperçois également Soler qui balance beaucoup les épaules, même si on sait que c'est son style, mais Popovic en difficulté, voilà qui va affaiblir l'équipe de la Discovery Channel. Confirmation, ouais, un petit écart qui se fait, Soler aussi en feu de coton, mais enfin bon, on dit quelquefois il est là, puis d'un seul coup il s'envole. Donc Kashechkin rejoint par Popovic vient de sauter là, c'est clair, et Kashechkin repris par Michael Bogert et Michael Rasmussen. Des écarts, l'orange à la mer. Va-t-il y avoir d'autres attaques? Oui, des écarts effectivement à 2 km du sommet, le duo de tête, Chop qui s'accroche toujours à Kirchen. Devance David Arroyo de 26 secondes et le groupe Vinokourov de 42 secondes. Gros marquage dans le groupe Vinokourov. Semblerait qu'ils ne soient pas tous au mieux et qu'ils ne soient pas en mesure vraiment de revenir dans l'immédiat sur ce duo de tête. En revanche, David Arroyo, lui, fait une belle montée, il se rapproche. Hein. Il est encore 26 secondes derrière, mais il grimpe bien et il pourrait revenir, si ce n'est avant le sommet, peut-être dans les premiers kilomètres de la descente. Le groupe de contre avec Alexandre Vinokourov, avec Juan Cobo Acebo, avec Ludovic Turpin, s'accroche l'ancien champion de France. Formé au CC Équipe, originaire de Laval dans la Mayenne. On monte dans le brouillard. David Turpin qui avait été brillant sur le Dauphiné l'an dernier, vainqueur d'étape avant de tomber dans une chute qui l'avait malheureusement empêché de disputer le Tour de France 2006 et revenu cette année encore à son meilleur niveau. C'est un très bon coureur français. Et Kim Kirchen et Johan Chop, Laurent Jalabert, sont dans le brouillard. On voit 100 mètres et David Arroyo qui est passé devant nous. On continue de faire des écarts avec un retard de 15 secondes. On n'aperçoit pas encore les deux hommes qui le précèdent. Et l'écart se creuse avec le groupe Vinokourov. Il était de 40 secondes tout à l'heure. Ils ne sont toujours pas passés à notre hauteur. Ils arrivent maintenant, voilà, avec un retard de 52 secondes. David Arroyo, c'est le point numéro 2. Peut-être transformer notre duo en trio. Ça va pas être facile quand même. Hein. On se met en danseuse. C'est un très bon grimpeur, l'Espagnol. Et toujours juste derrière le groupe avec Alexandre Vinokourov, la tête de course, Kim Kirchen, Johan Chop à 1 km du sommet. La pente est à 7,5%. Hein. Il y a un panneau du Conseil Général des Hautes-Pyrénées qui, dans tous les cols des Hautes-Pyrénées, vous trouverez ces panneaux qui indiquent la pente moyenne du prochain kilomètre. Très intéressant pour les cyclos, tout ça. L'altitude et la pente moyenne. Kim Kirchen, 29 ans, né à Luxembourg, luxembourgeois évidemment. Passé par l'équipe italienne de Nardi, puis à la Fassa Bortolo pendant 4 ans. Avant de rejoindre l'an dernier l'équipe T-Mobile qui réalise une très belle saison. 3e de Milan Turin, 2e de Tirreno Adriatico, 13e de Milan San Remo, 3e de la Flèche Brabançonne, 14e à l'Amstel, 2e du Tour de Suisse. Et Navarro happé par le peloton maillot jaune sortant du brouillard. Personne ne vient attaquer Michael Rasmussen. Leifheimer juste derrière. Contador a peut-être des fourmis dans les jambes. C'est pas comme ça qu'on ira lui reprendre plusieurs minutes, hein, mais Rasmussen, ça c'est clair. Et regardez cette image. À moins d'une défaillance, bien sûr. Cette image toujours très originale. On voit Claudin, un Tour de France avec des voitures qui ont été obligées de mettre les codes, on est dans le brouillard. Claudin Kashechkin en queue maintenant. 195, 196, tous les deux en queue. Navarro qui les cherche, qui les attend. Ça doit rouler quand même assez vite derrière. Regardez, l'écart diminue.
peut-être pour ça, tout simplement, que personne ne peut attaquer. Si le tempo de Bogart est trop élevé, et bien sûr, personne ne pourra attaquer. Si vous êtes presque à fond, vous dites, ça sert à rien que j'attaque. Tout le monde à bloc, hein. Oui, c'est tout le monde à bloc. On essaye de suivre, on est déjà bien content parfois de suivre et on peut rien faire. C'est un peu aussi le rôle de Bogart, là, d'empêcher un peu toutes ces attaques. Il y a beaucoup de vent, regardez les drapeaux. Ils sont secoués, mais il y a quand même beaucoup de vent en haut du port de Balès qui n'aide pas. Énormément de monde, hein. Beaucoup attention à Tchop, là, qui a failli prendre un supporter de l'équipe Astana. Les photos, c'est bien, mais bon, faites attention. Kirchen est plus facile que Tchop, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, ça va parce qu'il reste presque plus rien, donc on arrive. On y est en haut. Heureusement pour Johan Tchop. Ouh là là, Kim Kirchen s'en va tout seul, ça y est, le Luxembourgeois seul en tête de cette 15e étape. Poilou d'Anviel-le-Lauron, 196 km, il en reste 36,800 encore. On est dans les derniers mètres qui nous emmènent vers le haut du port de Balès. Et pour l'instant, rien, absolument rien en ce qui concerne le maillot jaune. Pas de bagarre, pas de lutte, parce que peut-être que personne ne peut aller plus vite que Michael Bogert, tout simplement. Ah, c'est un petit peu ce qu'on voyait les autres années aussi avec Armstrong. On se disait, mais pourquoi n'attaque-t-il pas? Bah, tout simplement, ça roulait trop vite. Et seul, après, allez, Kim Armstrong Kirchen était capable d'attaquer. Donc, la Kirchen en tête tout seul. Chop, tout près, Chop, hein, pas Arroyo. Très loin. Arroyo qui a passé le Chop. Ah oui, il a passé le Chop, Arroyo. Il finit très fort. Hein. Laurent Jalabert. Oui, Arroyo qui est revenu à hauteur de Chop à 100 mètres du sommet lorsque celui-ci a été distancé par Kim Kirchen. Arroyo qui a remis le grand plateau aussitôt passé le sommet et qui s'est lancé à la descente et qui est pratiquement là dans la roue maintenant du coureur luxembourgeois. Et Johan Tchop, oula, qui a viré un peu large ici, qui manque de lucidité. Hein. Il est à l'agonie en haut du col et qui va devoir prendre quelques risques pour revenir au contact des deux hommes qui le précèdent. Alors, il n'y a qu'une centaine de mètres, hein, je pense qu'il va rentrer, d'autant que Kirchen ne semble pas faire la descente à bloc pour l'instant. C'est assez sinueux ici sur le haut, il y a du gravier parfois, il faut se méfier, puis surtout il y a du brouillard, on n'y voit pas grand chose. Allez, voilà, tu sors du brouillard maintenant. Et Arroyo en train de revenir sur Kim Kirchen dans la descente. Pas de parapet, attention de ne pas louper un virage, vous avez vu, il y a c'est du pré, hein, mais il y a quand même un beau précipice. Début de descente, la prudente, pour l'instant dans le groupe Vinokourov. C'est le troisième point sur la route, hein. On a les deux hommes de tête, Kirchen et Arroyo, Tchop qui est juste derrière, là, qui fait ce qu'il peut dans la descente. Et puis donc le groupe avec Menchov, Zubelga, Garaté, Vinokourov, Kobo Acebo. Et Ludovic Turpin, belle performance du coureur français. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a eu peur des gravions, il a un problème. Menchov, il attend quelque chose. Alors où il a crevé, ce qui est possible, ou il attend tout simplement... non, il va pas attendre Bogart. Non, s'il a pas crevé effectivement, parce que vu comment il a pris le virage, il a pas osé pencher, il doit avoir un pneu arrière à moitié dégonflé. Et là vous avez vu, hein, comment on passe du brouillard au soleil. Tant mieux, ouais, tant mieux. Laurent Belay, ah, il y a Alexandre Popovic qui revient. Yaroslav. Oui, Alexandre Popovic qui, non, va, Yaroslav, Alexandre c'est son cousin. Yaroslav Popovic qui va faire la jonction avec le groupe Maillot Jaune. C'est important parce que cela fera trois coureurs de la Discovery dans ce groupe Maillot Jaune. Bogart fait beaucoup de travail, on peut penser qu'il ne va peut-être pas travailler jusqu'à Paris comme ça. Et donc Popovic qui revient, c'est à noter aussi la bonne étape des AG2R puisque... Si Turpin est devant, eh bien Gadré et Goubert ne sont pas très loin derrière le groupe Maillot Jaune. Ah, Popovic, il y a une petite dizaine de mètres, mais ce sont peut-être les 10 mètres les plus difficiles à faire. Il voit là-bas la roue de Clauden, de Navarro, mais cette roue, elle est bien difficile à attraper. Il a toujours une petite dizaine de mètres de retard, mais s'il reste comme ça, il rentrera dans la descente sans aucun problème. Oui, c'est pas très grave. Là, il ne faut pas non plus se mettre trop dans le rouge quand on est lâché comme ça, parce qu'après, vous ne récupérez plus. Et vous n'êtes plus capable de suivre dans celui d'après. C'est pas une défaillance, il est un tout petit peu moins bien. Il faut qu'il reste là, perdre tout doucement du temps. Et puis voilà, après il reviendra dans la descente. Bogert s'était un peu écarté, a regardé d'abord qui était dans le groupe, puis s'est vraiment écarté, demandant d'ailleurs s'il n'allait pas commencer un peu à coincer. Et hop, Rasmussen, un petit coup de tête, lui a dit remets-toi devant, reprends ton rythme. Ils ne veulent pas Rasmussen. Ils sont à 1 km du sommet. Hein. Bon, il n'y aura pas d'attaque.
Voilà, donc on essaye plutôt de préserver sa place pour l'instant. Mais bon, attention, hein, peut-être que Bogert est monté très vite, on insiste un peu là-dessus, mais c'est bien possible. Vous avez vu ce groupe qui a pas réussi à se regrouper, qui est toujours presque en file indienne. Ça veut dire quand même que ça monte bien. Il y a peut-être du vent de face aussi. On n'en a pas parlé de ce vent, mais il y avait un fort vent toute la journée. Est-il de face? C'est bien possible. Alors la route est toute belle. Elle a été toute refaite par le Conseil Général, encore une fois. Et heureusement, parce qu'elle n'était pas très belle hein, avant le Tour de France. Elle avait été très abîmée. Et Tchop est revenu. Hein. Tchop, il a fait une grosse descente. Il est même repassé devant Kim Kirchhoff et devant David Arroyo. Alors deux questions. Vous êtes bien trois devant, Laurent Jalabert. Et la question du jour, c'est le vent. Alors le vent il soufflait je pense dans le dos un petit peu dans le port de Balès. Hein. La première partie était quand même très à l'abri dans les bois et la partie finale était très dégagée et c'était un vent qui a mené les nuages contre le col. Et directement après la montée, on a vu que le vent avait chassé tous les nuages et nous sommes à nouveau à découvert. Et Johan Tchop est revenu après 1,5 km de descente au contact de deux hommes qui le précédaient sur la ligne au sommet du Grand Prix de la Montagne. Et les écarts, 35 secondes de retard sur le groupe Zubeldia Vinokourov. Les trois hommes de tête donc font une descente prudente, rapide. C'est vrai qu'il y a du vent qui souffle en bourrasque, mais il devrait l'avoir dans le dos, dans la montée du Pays Ressourde. On va voir tout à l'heure parce qu'on tourne beaucoup là et ça me désoriente un petit peu quand même. Yaroslav Popovic, très lucide, d'abord revenu et en train de revenir sur le peloton maillot jaune. Et au passage, il n'a pas manqué d'attraper un journal pour le mettre sous le maillot. Il estime et pense qu'il fait un petit peu froid. Mais il ne sait pas que ce sera le soleil de l'autre côté de la montagne. Mais bon, on n'est jamais assez prudent. Lui qui est un excellent descendeur, même un très très bon descendeur. On a Claudine qui est là. Regardez, c'est saisissant. D'un côté, on a l'impression qu'on est dans un paysage apocalyptique et de l'autre, on a l'impression qu'on est au paradis. Alors, ça n'est ni l'enfer ni le paradis, c'est simplement le Tour de France. Des fois, Loudenvielle, le Louron et ces trois hommes qui sont pour l'instant partis, Arroyo, Kirchhoff et Tchop. Cela pense à la victoire d'étape. Le mieux placé au général, c'est Kim Kirchhoff. Il est 14e à 13 minutes et 16 secondes de ce maillot jaune, Mikael Rasmussen, pour l'instant tranquille ou presque. On vient de perdre le peloton Père Daniel Navarro, le coureur espagnol de l'équipe Astana, a rempli son rôle de coéquipier à côté de Kashechkin et de Clauden qui est là à droite de la route, prend une musette dans la roue de Rasmussen. Bogert qui fait un travail colossal, a quand même réduit l'écart, hein, 6,29 maintenant, 6,40 plus exactement, mais 6,29 à cet instant-là, mais on n'est pas encore tout à fait en haut du col. Contador va non pas bouger. Fedeli Van se replace avec Christopher Horner. Voilà, cette fois on est en haut du col. On va basculer 6,44 exactement de retard pour le peloton sur Kim Kirchhoff quand il était passé seul en tête. En haut donc de ce port de Balès qui n'aura donc pas fait la différence. Alors est-ce que maintenant Perosso va faire la différence? On ne sait plus trop quoi penser donc on va réfléchir et ça vous laisse le temps de regarder. Une page de pub, le temps que le Tour de France sorte du brouillard. À J2R, aux côtés de ses coureurs sur le Tour, et toujours à vos côtés, à J2R, l'avenir, c'est mieux avec 2R. Pour coller, réparer, ça adhère. Fixé et colmaté, ça adhère. Pour le bois, le plastique, ça adhère. Le métal et la brique, ça adhère. Trois hommes en tête dans cette deuxième étape des Pyrénées. Johan Tchop s'est refait la cerise, comme l'on dit, était un petit peu en difficulté lors de la fin d'ascension. C'est vrai que c'est lui le premier à avoir attaqué avant la fin de l'ascension du port de Balès. Il avait laissé Kim Kirchhoff et David Arroyo s'envoler, mais lui qui fait beaucoup de VTT en Suisse chez lui est revenu dans la descente, descente qui n'est pas facile, Laurent Jalabert. Non, c'est une descente assez étroite, alors elle a été asphaltée il n'y a pas très longtemps.
Et le goudron est parfait, hein, vraiment dans la première partie, mais c'est pas large, et donc il ne faut pas se tromper de trajectoire. D'un côté, vous avez le parapet et le talus, et de l'autre côté, vous avez le précipice, donc il faut être très précis dans les trajectoires, ça va vite en plus. Et puis sur le bas, nous arrivons sur une route un peu plus irrégulière, mais quand même très belle, et où il n'y a pas de gros dangers, donc il faut être prudent, surtout dans les 7 premiers kilomètres de descente. Par la suite, ça devient un petit peu meilleur. Pour les trois hommes de tête, la descente aura été rapide puisqu'ils ont même réussi à reprendre un petit peu d'avance. Ils ont 40 secondes d'avance sur le groupe Vinokourov. Donc ils font une belle descente, les trois hommes de tête. Même chose pour le peloton maillot jaune avec Michael Bogert qui fait tout en même temps. Il pilote l'avion de Rasmussen et mange aussi. C'est l'heure du ravitaillement, alors qu'il a raison, c'est 16h15, c'est l'heure du goûter. Et donc retour sur le trio de tête. Arroyo, Kirchen, Chop sont à 28 km de l'arrivée. Il reste à Valle-Peyrosourde, ce sera peut-être un peu difficile pour Johan Chop, mais bon, pas sûr. Bogert emmène Rasmussen, Contador dans la roue, Soler aussi, en quatrième position, Mauricio Soler, le Colombien, Levi Leipheimer, voilà les quatre dont je viens de vous parler. Pas simple hein, cette descente, très bon état heureusement. Il y a Popovic qui est rentré, Navarro aussi est rentré, il y a Horner, il y a Evans, il y a Mayo. Et donc le trio de tête emmené par David Arroyo, Johan Chop, Kim Kirchen. Je vous rappelle la question du jour. Dans quelle ville a lieu l'arrivée de l'étape la plus longue du Tour de France? Réponse 1, Briançon. Réponse 2, Compiègne. Réponse 3, Castel-Sarrazin. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de vallée entre les deux cols. Dès la descente terminée, on attaque le col de Peyrosourde. Direct, sans transition. Un petit peu quand même, là. Ça descend, là. Bon, ouais. Laurent Jalabert, vous descendez, là, un petit peu. Vous avez une toute petite liaison de descente, là. Oh oui, là, je le vois, ça descend. Bah oui, tout le long. Je vais vous mettre d'accord tous les deux. Il y a du plat et de la descente. Ce coup-ci, match nul. Qu'on se batte. Il n'y a pas de problème. Non, mais ça descend, c'est vrai que tout à l'heure ça descendait très franchement et maintenant c'est ça descend quand même encore un petit peu, mais par moment c'est quand même un petit peu plat. Moi je dis plus rien, vous débrouillez. Bon non, tu ris, ceux qui regardent la télé pour vous. Vous croyez que quoi, vous faites bof, il y en a peut-être bien deux ou trois. Votre père, votre mère, votre femme. Bonjour maman. Michael Bogert emmène le peloton maillot jaune et pour l'instant Michael Rasmussen semble un leader du Tour de France. Oh combien solide, tout en jaune, même le petit bouc presque. Les gants, les chaussettes, les souquettes pour être précis. Le casque. Tout jaune, chicken. Ça fait un poussin jaune. Contador freine parce que lui veut se mettre derrière. Michael Rasmussen va enlever le journal qu'il avait mis par précaution sous le maillot. Explication? C'est un coupe-vent en fait, hein, le journal. Ça absorbe aussi une partie de la sueur, donc voilà, ça vous empêche de prendre un coup de froid effectivement. Quand il ne fait pas très chaud là-haut, quand on ne fait pas une descente à fond, en pédalant à fond, eh bien, il vaut mieux se protéger un petit peu. Là, on se laisse descendre hein, pratiquement pour le peloton. Il n'y a pas lieu de s'affoler, toujours pas, puisque les hommes devant ne sont pas dangereux et l'équipe Rabobank avec Menchov qu'on a vu s'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il en est de Menchov? On n'a pas de nouvelles. Alors, il n'y a rien de nulle part sur lui. On est où là? 25 km de l'arrivée, c'est la tête de course. Hein. C'est Chop qui fait une sacrée descente, un grand descendeur, hein, le Suisse. On l'a pas souvent vu à l'œuvre ces derniers temps, mais là, il est brillant. En train de se refaire une petite santé, le Suisse. C'est bien pour l'équipe Bouygues Télécom. On a là tout simplement un David Arroyo, grand grimpeur, un Kim Kirchen qui sait tout faire. Bref, ces trois-là, bah, j'oserais dire Laurent Jalabert, qu'ils sont capables de jouer la victoire d'étape. Ouh, l'écart est pas grand quand même. Ouh, 31 secondes d'écart avec Turpin, Zubeldia, Garaté, Vinokourov et Kobo Asebo. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, voilà, c'est vrai que... Ah, je sais pas que je suis pas d'accord, mais c'est pas fait encore. Hein. Ils vont aborder... Au bas de la descente directement les pentes du Peyrosourde, nous avons vu que le groupe à l'arrière avait du mal quand même à revenir tout à l'heure. Alors est-ce que c'est parce qu'il se neutralisait, parce qu'il ne voulait pas se lancer dans l'offensive si tôt, sachant qu'il restait le Peyrosourde et beaucoup d'efforts encore à fournir, ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient déjà
un petit peu dans le rouge. S'ils sont dans le rouge, bien évidemment, les trois hommes de tête vont recreuser les écarts à nouveau, mais l'écart pour l'instant se stabilise. On a ici un vent de face dans la descente, c'est une descente moins franche que tout à l'heure, il faut quand même pédaler. La montée du col du Père-Sourde s'effectuera donc majoritairement avec un vent favorable, donc ça va monter plus facilement, plus vite en tout cas, et ils vont devoir résister avec un groupe derrière qui n'a pas, à mon avis, appliqué encore, hein, qui va vouloir revenir. Il essaie de le faire dans la descente, il essaiera de le faire probablement tout à l'heure dans la montée. Donc c'est pas encore gagné, hein, pour les trois hommes de tête. Hein. Et là on a un groupe donc, qui est en point numéro 3, hein. Il y a les trois hommes de tête, il y a le groupe Vinokourov, et là on a Laurent Lefebvre, ça doit être Albazini qui est là, Benoît Vaugrenard et le grand Kness, si cela était dans l'échappée tout à l'heure, hein, à 25. Et donc ils sont en contre derrière tout ça. Ils doivent être assez loin quand même, hein, du groupe Vinokourov. Kim Kershaw a un peu mal à suivre le train imposé par Johan Tschopp. Voilà, les poursuivants de ce qu'on voyait sont à 5,55. Mais donc très loin. C'est clair, parce que le peloton est à 6,42. Et donc voilà le groupe Vinokourov. Un groupe à 6. Qui n'est qu'à 30 secondes, lui par contre, de ceux des trois hommes. Il y a Garaté, Zubelia. Ouais, c'est ceux-là qui sont à 5,56. Ouais. Hein. Vaugrenard, Lefebvre, sans discuter Laurent Lefebvre pour savoir l'écart et prendre surtout une petite bouteille d'eau. Ouais. C'est la moto fraîcheur. Hein. On laisse filer là. Il n'y a pas de raison maintenant, lorsqu'on est lâché comme ça, de foncer. On sait qu'on n'a plus grand-chose à récupérer. Donc il faut arriver à bon port tranquillement, sans énergie dépensée inutilement. Star Leza est revenu dans le groupe maillot jaune. De toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Il fait l'élastique. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième. Les 10 premiers du classement général sont dans le groupe maillot jaune. Vous rajoutez le 12e, Solaire. Le 13e est devant. Zubelia. Le 14e est devant. Carpets doit être là maintenant. Maillot est là. Le 17e aussi, Horner. Menchoff est devant. Le 19e, il est devant, c'est Arroyo. Le 20e, je ne sais pas où il est. Et Valjavec a disparu aussi, Beltrán après ils ont disparu. Ouais. Bogart 24e et Schleck 25e qui sont devant. Schleck qui fait une bonne étape aujourd'hui. Le tour se résume aux 20 premiers du classement général, mais c'est logique, hein, normal, on est quand même dans la troisième semaine. Il y a une petite explication entre les deux, là, qu'est-ce que tu veux, je roule pas. Mais c'est au moins la deux ou troisième fois que les deux discutent. Hein. Enfin, discute bon, il a le sourire. Hein. Aussi. Non, il a le sourire des bonjours. Vous croyez que c'est un sourire ça? Oui. Bon, je pense qu'il va commencer à en avoir plein les bottes aussi, Bogart, parce qu'il a quand même fait toute l'ascension devant et à fond. Hein. Oui, et puis là, s'il se tape toute la descente vent de face, ça peut poser un problème après. Il a l'air tellement fort qu'on se demande même si ça va vraiment poser un problème. Ouais, mais bon. Si s'écarte un petit peu Bogart, il va laisser Rasmussen tout seul. Et là, ça va peut-être quand même donner des idées. Contador, il va pas passer la journée sur le porte-bagages. Sauf que Thierry, il reste un seul col. Il y a un moment quand même où le leader, il doit bien assumer quand même. Jusqu'à maintenant, il a été emmené par ses coéquipiers pendant près de 175 km. Il peut quand même se débrouiller tout seul pendant 10 km, Rasmussen, non? Il y a Tschopp qui s'en va, là, bien mine de rien. Tschopp, accélération, grand descendeur, hein, Tschopp. Et faut bagarrer, hein. En tout cas, faut faire l'effort, là. On est au pied du col de Père-Aux-Sourdes. Et c'est les contreforts, ça monte pas terrible pour l'instant, mais la pente va aller de plus en plus plus forte. Et si Tschopp, il est capable d'arriver... Haute tension du virage. Tchop est capable d'arriver. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Kobo Acebo? Il s'est raté. Ouais, il a raté le virage, il a freiné. Et attention, ils sont pas loin derrière. Hein. Ils sont à 22 secondes. Hein. Laurent Jalabert, vous allez peut-être voir revenir le groupe Vinokourov. Hein. Oula, il a failli toucher la botte de pas. Excusez-moi, attendez, on avait une image, pardon, Laurent Jalabert. Il y a Kobo Acebo qui a raté son virage, qui a failli prendre la botte de paille et qui a failli se retrouver par terre. Excusez-moi, Laurent, de vous avoir interrompu. Non, mais la transition entre la descente et la grimpette, la première rampe donc du col du Père-Aux-Sourdes était quand même assez fine. Hein. Il fallait une bonne trajectoire, c'était un gauche-droite. Il fallait vraiment être fin là, dans le coup et Acebo a manqué de se mettre par terre. Mais c'est vrai que ce groupe est pratiquement sur le porte-bagages, hein, des trois hommes de tête. Ils ont une vingtaine de secondes de retard. Ils les ont en point de mire et c'est Bernard Kohl qui assure le rythme derrière. Col, Vinokourov, Kobo Acebo, Zubeldia, ils sont donc à la poursuite Garaté. Maintenant. Il faut. Mais Garaté, il m'en manquait un, je le savais. C'était Garaté. Je suis là pour ça. Garaté, donc ouais,
Voilà les coureurs qui sont en mesure peut-être de revenir, mais ça temporise pas mal derrière. Hein. Ils ont fait une belle descente. Bah, ils les ont en point de mire, vous avez raison. Pour l'instant, ils ne reviennent pas. Hein. Il y a Turpin aussi ici. Hein. Oui, on en a, je vais vous les redonner. Hein. Turpin, Zubeldia, Garaté, Vinokourov, Kobo Acebo. Et Menchov n'est pas rentré. Hein. On ne sait plus où il est, Menchov. Il y a eu un petit problème dans la descente et on ne sait plus, il a disparu. C'est pas bien ça pour... Ouais, là, on fait attendre. Peut-être qu'on l'a fait attendre finalement. Tout simplement. Parce que Bogart est à bout de souffle. Peut-être. Alors, ça serait bizarre parce qu'on ferait la victoire d'étape, mais enfin évidemment, il vaut mieux conserver le maillot jaune. Il n'avait pas les moyens, tout simplement. Aussi, c'est possible. Donc il y avait une discussion. Accélération de Kim Kirchen. On est à 20 km de l'arrivée et Kim Kirchen en train de lâcher. Il le sentait, Johan Chop, dès que ça monte, c'est difficile pour le coureur suisse. Et Kim Kirchen doit se dire... Si je passe avec Chop en haute paire aux sourdes, Bogart s'est écarté, c'est important. Il est peut-être parti chercher des bidons, Thierry. Laurent Belève, vous êtes, je ne sais plus où vous êtes à force. Eh bien, on est derrière le groupe Maillot Jaune. Un groupe Maillot Jaune que vient de reprendre Goubert, qui était passé avec 28 secondes de retard au sommet du port de Balès. Eh bien, il a fait une descente prudente parce qu'il avait été lâché par Alistair Lozza avec qui il a fait l'ascension. Il a été lâché par Alistair Lozza dans la descente, mais il est revenu quand même. On l'a vu discuter avec les commissaires hein, parce qu'ils regrettaient qu'on ne laisse pas passer les voitures pour profiter un peu de l'aspiration. Il vient de revenir, Goubert, et je vous confirme, il m'a semblé apercevoir un maillot orange qui attendait le groupe maillot jaune. Donc je pense que Menchov, je vais vous confirmer ça, l'équipe pourra s'approcher. Il me semble que Menchov est revenu dans le groupe maillot jaune. Confirmation à venir dans quelques instants. Et Bogert est, semble-t-il, à hauteur de la voiture de son directeur sportif. Donc pas d'inquiétude, malheureusement, entre guillemets. Tant mieux pour lui, hein. C'est fort pour Rasmussen. Mais bon, nous, on attend que ça bagarre un petit peu. Et Chop lâché par Kim Kirchen et par David Arroyo. Kim Kirchen, le luxembourgeois, s'est certainement dit « Si je passe Perreux-Sourde avec le Suisse dans la descente, c'est lui qui nous bat, c'est lui qui remporte la victoire d'étape. » Et comme il l'avait vu un petit peu en difficulté tout à l'heure, eh bien, Kim Kirchen se retourne pour voir qu'il a lâché peut-être définitivement Johan Chop, mais pas encore David Arroyo. Ils ne sont plus que deux, Laurent Jalabert en tête de la course. Oui, toujours deux hommes en tête et le groupe des poursuivants qui n'aperçoit, alors que c'est un petit peu sinueux ici dans la traversée de ce bourg, il n'aperçoit que Johan Chop et Vinokourov en profitent pour accélérer sur une portion un petit peu plus plane. Hein. C'est moins pendu ici, Vinokourov relance l'allure, va revenir directement sur le coureur suisse Johan Chop. Ça s'est pratiquement fait, 20 mètres d'écart, et il va probablement poursuivre son effort à la poursuite des... Deux hommes de tête. Zubeldia lâché, Col lâché, Turpin lâché. Oui, une sacrée accélération. Zubeldia va revenir. Et l'écart reste à peu près identique entre les deux hommes de tête et le groupe Vinokourov. Il ne faut pas tergiverser ici. S'ils veulent rentrer, il faut s'y coller de suite. Et il monte grand plateau là, hein, Vinokourov pour l'instant. Alexandre Vinokourov, le panache, pense à la victoire d'étape. Accélération du Kazakh, le grand battu d'hier sur le plateau de Beille. Qui emmène dans sa roue Kobo Acebo, Garaté, regardez l'écart n'est pas énorme quand même, hein. Ils les ont en point de mire et il y a Zubeldia en train de revenir. On va aller voir du côté du maillot jaune, 7 minutes d'écart avec les hommes de tête. Jean-Maurice, avance un peu. Voyons voir où nous en sommes. Menchov est revenu dans ce groupe. Et la CSC avec... Ils ont fait attendre Menchov. Ouais, Menchov est là, exactement. Mais il y a Bogert et Menchov autour de Rasmussen, ça se corse. Ils ne sont pas très confiants, hein, ça, attention, ils ne sont pas hyper confiants. Hein. Ils ont besoin d'un deuxième homme avec eux. Ils auraient pu tergiverser un petit peu plus longtemps, hein, puisque dans la montée, ils auraient pu laisser Menchov encore devant un petit moment. Ça aurait empêché devant d'attaquer. Et si Bogert ne faiblissait pas, ils pouvaient viser la victoire d'étape. Ils ont préféré assurer immédiatement en faisant descendre Menchov. C'est aussi un signe pour les autres. Un double signe, soit on se dit maintenant allez-y, on a deux hommes, vous pouvez toujours nous attaquer, soit c'est aussi un petit signe de faiblesse de la part de l'équipe à prendre comme on veut. La bagarre. À tester maintenant. La bagarre pour la victoire d'étape peut-être entre Kim Kirchen et David Arroyo. Regardons l'écart avec le contre mené par Alexandre Vinokourov. Là il y a Kobo Acebo, il y a Garaté, il y a Vinokourov, il y a Zubeldia qui s'est accroché. Et l'écart se maintient, hein, Laurent Jalabert. Oui, 18 secondes d'écart hein, entre les deux groupes, il n'y a pas une grosse entente derrière. Hein. Vinokourov tout à l'heure a passé une bonne accélération, on a vu Zubeldia un petit peu en difficulté, Zubeldia qui ne roule pas, Garaté qui a l'air d'en avoir plein les chaussettes aussi, et Kobo Acebo pour l'instant, et qui se retourne beaucoup, qui a l'air de demander de l'aide, il a même fait un signe tout à l'heure à Garaté pour lui demander un relais, et Garaté n'est toujours pas passé. Et un écart, voilà,
Maintenant, Kobo Asebo accélère le rythme alors que la pente devient plus difficile et tout le monde arrive à suivre pour l'instant. Kobo Asebo, Garaté s'écarte. Il va reprendre la roue de Aymar Zubeldia. Non, c'est fini pour Garaté. Hop là, l'ancien champion d'Espagne est au bout, au maximum de ce qu'il peut faire. Zubeldia pas loin de la rupture non plus. Et une belle bagarre là entre deux hommes et deux hommes. Bagarre entre deux duos. Zubeldia, c'est dur pour le Basque. Rappelons que Zubeldia est 13e du classement général, hein, à 12 minutes et 15 secondes. On va avoir un regroupement là en tête de quatre hommes. Zubeldia qui va rentrer très certainement. Beaucoup d'attaques assez fortes, de belles accélérations, mais qui ont du mal à être suivies d'une... Derrière, ça bouge un petit peu. Énormément de monde sur le bord de route. Ça accélère dans le peloton. Allez, on va aller voir du côté. Il y a Vinokourov là sur la droite de la route qui va revenir sur le duo de tête. Vinokourov là qui s'en va sur la droite de la route, Laurent Jalabert. Oui, Vinokourov qui a bien suivi l'accélération de Kobo Asebo et qui maintenant vient de lui placer un contre. Il regarde beaucoup Alexandre Vinokourov, il revient à la hauteur. Mais de l'autre côté de la chaussée, de Arroyo et Kirchen qui vont essayer de prendre son sillage. Et Vinokourov se retourne beaucoup, c'est pas très bon quand on se retourne comme cela. C'est souvent qu'on a, on a un petit peu les jambes qui brûlent et qu'on se demande si pour le collègue c'est la même chose. Zubeldia lui est en difficulté, Kobo Asebo donc n'est pas revenu. Zubeldia est un petit peu plus loin en difficulté, il a pris son rythme, il veut essayer de limiter les écarts. Voilà, trois hommes en tête, Alexandre Vinokourov, le panache du Kazakh de l'équipe Astana, l'Espagnol de la Caisse d'Épargne, David Arroyo, et le Luxembourgeois des T-Mobile, Kim Kirchen, comme on dit, le 14e du classement général. Kobo Asebo juste derrière le coureur espagnol de la Sonier Duval, et juste en bas, un petit peu plus bas, c'est Aymar Zubeldia, le leader de l'équipe Euskaltel-Euskadi. Jean-Maurice, on va aller voir, il est en train de revenir Kobo Asebo, ils vont être quatre en tête. Jean-Maurice, on va aller voir du côté du maillot jaune parce que ça pourrait être intéressant. Ben voilà, vous avez les images claires et nettes. On endort le peloton au niveau de la Rabobank. Personne n'ose accélérer, personne n'ose rien faire pour l'instant. Un petit peu décevant, la pente n'est pas très raide là peut-être pour l'instant. Néanmoins, ben vous voyez, ça temporise énormément. Ça discute même entre Popovic et Contador. Bah oui, quoi faire? On attaque, on accélère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien pour l'instant apparemment. On a vraiment peur de cette équipe Rabobank et de Rasmussen entre autres. Alors, c'est un peu dommage évidemment qu'on ne tente rien, qui ne tente rien n'a rien, ne sait rien. Qui nous dit que Rasmussen n'aurait pas un petit coup de moins bien, pourquoi pas, allez savoir. Ah, le peloton et retour Laurent Velette, Christophe Moreau. Mais comme quoi, ça roule pas. Ah hein. Oh oui, incroyable. Christophe Moreau qui vient de rentrer avec Carpet dans sa roue un peu plus bas. Il y a Fofana et John Gadré qui rentrent également. Mais quelle descente il a dû faire, Christophe Moreau, pour revenir parce qu'il devait aller avoir au minimum une minute trente en haut du port de Balès. Et bien Christophe Moreau, sur cette première rampe là du Père Sourde, revient dans le groupe maillot jaune. Il fait briller son maillot, Christophe Moreau. Il est revenu avec John Gadré, donc présence de trois Français dans ce groupe maillot jaune alors que nous abordons les premières pentes de Père Sourde. Voilà, c'était vraiment surprenant de voir Christophe Moreau ici. Et hop, c'est parti, Popovic. Jaroslav Popovic vient d'attaquer. C'est la première attaque sur Mikael Rasmussen qui a demandé à Bogert d'accélérer sans s'affoler. Attaque franche là de Jaroslav Popovic. Oui, sauf que Popovic il est à 11 minutes, alors évidemment ce n'est pas les hommes dangereux. Ils peuvent se permettre, les hommes de la Rabobank, voilà, de faire un tempo derrière Popovic. Petite accélération pour ne pas trop le laisser partir. Ça annonce peut-être l'attaque de Contador. C'est ce qu'ils avaient fait hier. Popovic avait largement accéléré le rythme en roulant, hein, sans démarrer. Et puis derrière, on avait vu une attaque de Lepheimer suivie d'une attaque de Contador. Alors, on peut espérer que ce soit la même chose, mais là, on ne s'affole pas du tout du côté de la Rabobank. Menchov fait le travail. Et voilà, on en reste là Contador, pour l'instant. Contador en discussion avec Johan Brunel, son directeur sportif. Les oreillettes marchent à plein. Là, l'équipe Rabobank joue très bien le coup. Il ne faut pas du tout s'affoler. Il ne faut pas aller le chercher. Ça ne sert à rien, Popovic, 11 minutes. Il reste seulement un col bien entamé déjà. Donc ça ne sert à rien. Laissons faire, c'est pas très grave. Ce qu'il faut compter, c'est ce qu'il faut, c'est contenir Contador et Evans. Le reste, on peut s'en moquer complètement. C'est pas très grave. Popovic parti pour servir de point d'appui à cette équipe de la Discovery Channel qui a sans doute une tactique en place dans l'ascension de Perro Sourde. Je vous rappelle que pour la victoire d'étape, ils sont 4, on a aperçu tout à l'heure
grâce à notre moto 1, et bien le retour d'Aymar Zubeldia. Attaque justement devant d'Alexandre Vinokourov. C'est la victoire d'étape qui est en train de se jouer. C'est fatal à Kim Kirchen. Là-haut, le luxembourgeois est en train de coincer Vinokourov à emmener dans sa roue les trois Espagnols. Cobo Acebo, Arroyo et Zubeldia. Ouais, Kim Kirchen là en train de... Il est à bloc là, il ne peut pas aller plus vite. Il coince. Trois Espagnols et un Kazakh. Et Kirchen fait l'effort pour revenir maintenant dans la roue des quatre hommes. Et s'il y en a un qui place une accélération, ce que demande Vinokourov, qui a demandé avec son bras gauche à quelqu'un de prendre le relais, comme personne ne le fait, eh bien Kim Kirchen revient. Laurent Jalabert. Oui, Vinokourov qui a des fourmis dans les jambes et qui a profité à nouveau d'une pente un petit peu plus sévère pour placer une accélération, changer de rythme. Mais il est suivi assez facilement avec Cobo, Acebo et David Arroyo notamment. Zubeldia s'accroche. Kim Kirchen n'a pas changé de rythme. Il a tourné la tête de l'autre côté comme pour dire, pour nous faire comprendre qu'il n'en pouvait plus. Il doit gérer son effort maintenant. On sent bien que Vinokourov veut jouer la victoire d'étape, mais il a du mal ensuite, après avoir accéléré, à maintenir un rythme soutenu. Il doit avoir lui aussi, évidemment, des douleurs musculaires, il doit avoir mal aux jambes. Il ne peut pas poursuivre cet effort et se débarrasser de ses compagnons d'échappée. De nouveau, le groupe de 5 pour la victoire d'étape. Et c'est un col Peyresoude où il y a beaucoup de vent toujours. Hein. Alors ça joue son rôle aussi. Ça accentue la pente ou ça la facilite. Donc il faut bien en tenir compte et on voit bien, Laurent a raison, que de toute façon, depuis le début de cette montée, on attaque fort, mais on ne peut pas poursuivre son effort. Bien sûr, c'est l'œuvre des kilomètres et des cols qu'on a montés. Ça ne peut pas toujours être aussi facile qu'on le croit, bien sûr. On est capable de porter des attaques, mais pas de les poursuivre. Il y a Popovic qui va s'épuiser entre deux groupes. Il peut évidemment servir de relais, mais Benoît Vaugrenard rattrapé par le peloton maillot jaune. Maintenant de Zubeldia. Et le pauvre Kirchen, à chaque fois, il est dans le dur. Il n'aime pas, mais il revient. Mais bon, ah, si ça continue comme ça, ils vont finir par passer à 5, hein, bien sûr. Il y a une vraie accélération à un moment et une deuxième enchaînée restera là. Vous voyez à quoi ça sert, ça ne sert pas grand chose. Hein. L'attaque de Popovic, voilà. Ça fait à peine accélérer le groupe maillot jaune. C'est dur pour John Gadret, hein. C'est dur pour Christophe Moreau aussi. John Gadret, Christophe Moreau, Carpets, de nouveau lâché par le peloton, Laurent Bollet. Oui, derrière, eh bien Thierry, les premiers lâchés avec Pérez, avec... Navarro, Vaugrenard qui a été repris, Carpets lâché, également lâché. Cadré là-bas, c'est également un autre coureur de l'équipe de la caisse d'épargne que pour l'instant je n'arrive pas à identifier. C'est dur également pour Goubert, mais a priori Christophe Moreau toujours au contact du groupe maillot jaune. Christophe Moreau là sur la gauche de l'image, il laisse filer le groupe jaune maintenant. Et voilà, c'est la sélection par l'arrière, Fofonov. Les dernières entrées, eh bien, sont les premiers lâchés, c'est évident. Solaire également en difficulté là-bas, à l'arrière du groupe maillot jaune. Ben Maillot en difficulté, Solaire en difficulté. Ça monte quand même assez vite, hein, au niveau du maillot jaune, hein, mine de rien, parce que c'est la première fois qu'on voit Solaire en difficulté. C'est certainement pour ça, Thierry, qu'il n'y a pas d'attaque. Ça monte un peu trop vite. On voit Menchov qui emmène ce groupe, qui rattrape facilement, je dirais, Popovic. Une attaque qui n'a pas servi à grand chose, sinon éliminer les plus faibles qui étaient déjà éliminés tout à l'heure de toute façon. Alors va-t-on le poursuivre quelque chose? Voilà, les contres. Espérons, parce que sinon. Je ne sens pas y croire vraiment. Non, j'y crois pas trop. Bah non, non. Non. Si, moi aussi, il va peut-être essayer, mais. Je ne pense pas à la réussite. Valverde qui s'accroche aussi. Belgia, Sastre, virage crispé. Cadel Evans, c'est un petit peu en retrait. Schleck.
un orage, ne vous inquiétez pas. Et Zubeldia, accélération, Laurent Jalabert. Oui, Zubeldia qui amène un braquet imposant, qui a accéléré, changé de rythme et qui a distancé Kirchen nouvelle fois. Et Kobo Asebo qui est vraiment le plus frais hein, dans ce groupe. Hein. Kobo Asebo, depuis tout à l'heure, on le sent encore puissant dans son coup de pédale. Qui vient de contrer Zubeldia et puis qui s'arrête aussitôt. Difficile à comprendre alors que Vinokourov place un contre lui aussi. Oh, Kobo Asebo s'est peut-être fait exploser tout simplement en voulant impressionner Zubeldia. Il a essayé de le contrer et Vino est parti pour l'instant tout seul. Une vingtaine de mètres d'avance, il ne va plus se relever maintenant Vinokourov. Plus personne dans sa roue, les autres sont en ordre dispersé un par un. C'est parti pour Alexandre Vinokourov, 15 km de l'arrivée. Il faut maintenant creuser l'écart, résister, se concentrer sur son effort pour aller chercher cette victoire d'étape. Ça, on peut lui faire confiance pour ne pas se relever, ça c'est sûr. Maintenant qu'il sent que les autres sont un peu en faiblesse, il va aller jusqu'au bout de son effort. Là, ça semble difficile pour tous les autres. Arroyo, c'est fini. Oui. Kirchen, c'est pareil. En train de terminer. Asebo, oui. Asebo, c'est dur. Il y a que Zubeldia, a priori, qui est capable peut-être de revenir sur Vinokourov, mais ça m'étonnerait. Non, il s'en va regarder là-bas. Et vous voyez la nuance. Par mètre. La nuance qu'on a toujours apportée. Quand on disait Vinokourov, c'est le grand favori de 2007, il y avait toujours une petite nuance qui traînait par rapport à son passé. Il a toujours eu sur le Tour de France un jour complètement sans. Hier, il l'a eu. Bon, après. C'est vrai que cette année, il y a eu les chutes en plus, bon, il y a eu d'autres soucis, mais il a toujours eu un jour où il est passé à travers, et le lendemain, il était devant. Il y a la fois du panache, il y a la fois du sang. Voilà. Le jour sans, c'est ça, hein. C'est comme son nom l'indique, il est sans. Donc ce n'est pas un jour où on dépense beaucoup d'énergie, car on n'en a pas. Alors on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas comment ça se passe, ce phénomène, mais c'est un jour où rien ne va, les jambes, il n'y a rien dedans. Donc on ne peut pas se fatiguer finalement, on ne peut pas aller au-delà de la souffrance et on reste planté dans les pentes comme ça. Alors si ça tombe un jour tout plat, on a de la chance, mais c'est très rare. Ça tombe toujours dans les jours difficiles, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas drôle pour les autres. Et là, c'est vrai, Vinokourov a souvent ce mauvais jour qu'il condamne évidemment à chaque fois dans un grand tour. Alors ce qui est remarquant à remarquer, c'est que ces jours sans sont quand même plus souvent dans le Tour de France que dans le Tour d'Espagne ou le Tour d'Italie. Tout simplement parce que le Tour de France est beaucoup plus difficile, non seulement physiquement, mais moralement aussi, nerveusement en tout cas. Et ça, ça accentue évidemment les dépenses d'énergie et ça joue sur la récupération. Alors Alexandre Vinokourov, juste derrière lui Zubeldia, Kobo Asebo. Et pour l'instant, eh bien Laurent Belay, dans le maillot jaune, personne ne bouge le petit doigt parce que Menchoff et Bogert eh bien, ferment la porte. Oui, ils ont fermé la porte, mais Soler est avec Christophe Moreau à allez, 25 secondes derrière. Et un petit peu plus bas, il y a Iban Maillot qui a été lâché lui aussi du groupe Maillot Jaune à l'instant même. Laurent Lefebvre, l'un des audacieux du jour, décramponné un petit peu avant. Et bien c'était Algan. Popovic vient de sauter à nouveau là dans le col de Persourde. Voilà le groupe Maillot Jaune là qui dort maintenant. Il va rester allez, peut-être une dizaine de coureurs avec Rasmussen. Jaroslav Popovic qui paye ses efforts évidemment, ouais, déjà lâché dans le col d'avant. Il a voulu servir de rampe de lancement à Contador, on imagine, ça ne lui a pas beaucoup servi. Ouais, dans un bon jour. Et là c'est peut-être Arvezen qu'on rattrape, non ? Moi je pense. Ouais. Valverde en queue de peloton, maillot jaune, enfin si on peut appeler ça un peloton. Groupe maillot oui, jaune. Le petit groupe. Pas plus précis. Et l'homme de tête ! Son coup de pédale et ses gros mollets, Alexandre Vinokourov, seul en tête, vainqueur d'étape il y a 48 heures dans le contre-la-montre d'Albi, peut-être parti pour remporter sa deuxième victoire d'étape sur le Tour de France 2007. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de vent, regardez les arbres, il y a vraiment beaucoup de vent dans ce col. Et maintenant, ils l'ont trois quarts face. Hein. C'est pour ça que les attaques finalement n'étaient pas suivies, c'était difficile finalement de poursuivre. Et là, peut-être qu'à deux, ils ont un peu de chance. Ils contrôlent un petit peu le Vinokourov, ils se relayent. Donc ça, c'est un petit peu embêtant pour Vinokourov, évidemment. Laurent Jalabert, c'est un avantage hein, d'être comme ça à deux avec Kobo Asebo et Zubeldia ensemble. C'est clair que autant tout à l'heure, Vinokourov a bien démarré, il les a bien distancés, ils étaient tous un par un. Autant que maintenant, on a Zubeldia et Kobo Asebo regroupés à unir leur effort. Alors c'est clair que ça présente un avantage. Hein. Ils peuvent donc récupérer un petit moment dans la roue de leurs compagnons respectifs d'échapper. Donc, mais malgré tout, Vinokourov est en train de creuser l'écart. Hein. C'est pas spectaculaire. Il a 17 secondes d'avance pour l'instant
sur le duo de poursuivants, mais tout à l'heure dans la descente, ils ont à nouveau le vent de face, et là, Alexandre Vinokourov va devoir résister. Donc l'intérêt pour lui, c'est de batailler jusqu'au sommet, vraiment, et de creuser un écart d'au moins une trentaine de secondes. Bon, je pense qu'il est capable de le faire. Il ne se retourne jamais, Vinokourov. Il donne le maximum, maillot grand ouvert, il relance quand il faut. Il fait le maxi pour s'assurer le gain de l'étape en creusant l'écart ici, maintenant, tant que la pente lui est favorable. Derrière, il les a quand même distancés. Hein. Ce sont deux coureurs qui ont quand même les jambes en feu. Donc, c'est possible pour lui de creuser un écart assez important pour se mettre à l'abri dans la descente ensuite. Voilà, et on voit sur cette image au fond le col de Peyresourde qui monte là-bas en lacet. C'est un peu plus dur après, ça lui sera un peu plus favorable. Il y aura un coup de vent de face, un coup de vent dans le dos, un coup de vent de côté. Mais ce sera un peu plus favorable parce que tant que la pente n'est pas plus importante, les deux autres peuvent rivaliser, ils auront plus de mal par la suite. Oui, il creuse légèrement, il aura bien allé 40 ou 50 secondes là-haut, je pense. Ils vont faiblir un petit peu normalement. Et derrière, c'est toujours le statu quo. Et le panache de Vinokourov. Il nous manque hein, finalement, hein. C'est dommage, je vous dis qu'il ait sauté l'autre jour, hein, parce que là on aurait vu autre chose, une autre course, je pense. Mais bon, faut faire avec. Voilà les beaux lacets du col de Peyresourde, du sommet. On n'y est pas encore. C'est dur, hein. Ça fait peur quand vous levez la tête sur un vélo. Hein. Faut jamais lever la tête, hein. Il faut jamais regarder là-haut. Et du monde, beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs arrivés dès hier, hein, car le col est fermé depuis hier soir. Et après le sommet, on va entrer dans la vallée du Louron, puisque le col de Peyresourde met en communication les vallées de la Pique et du Louron. Et son sommet marque aussi la limite entre les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Et du grand Vino aujourd'hui, on a perdu Menchoff côté de Mikael Rasmussen en tête du peloton. Oui, voilà, aussi. Denis Menchoff lâché par le peloton. Ça n'est pas, il n'a pas duré longtemps. Hein. Ouais. Finalement, tout ce qu'il a fait, ça n'a pas servi à grand chose. Vous avez vu, il était dans l'échappée, il n'a pas roulé. Il a fait un petit saut de puce où il a dépensé de l'énergie. Il n'a toujours pas roulé. Il n'a jamais pu aller devant. Il revient derrière. Il roule quoi, les 2-3 km et hop, c'est fini. Et Zubeldia en train de lâcher. Kobo assez beau. Pense peut-être encore à la victoire d'étape. Et Imar Zubeldia. Oh oui, ben les écarts sont pas importants et il peut pourquoi pas coincer aussi Vinokourov dans la descente. Vent de face, ça va être très difficile. Alors c'est un coup vent de face, un coup de vent de dos. Hein. On l'a fait en voiture ce matin, donc ça tourne un petit peu et on ne l'aura pas toujours de face, sauf sur le final. Il y a toujours beaucoup de vent là sur la ligne d'arrivée. Laurent Jalabert, est-ce que Zubeldia peut rêver revenir sur la tête de course? Attendez, parce que là j'ai... Non, c'est Arvezen et Schleck qui ont été éliminés du groupe du peloton. Attendez, on arrive, Laurent Jalabert, voilà, on regarde, on avait vu deux CC sur la vue d'hélicoptère. C'est Schleck qui est déjà loin. Et Kurt Aller-Arvesen, on pensait qu'on regardait, si c'était pas ça, c'était. Est-ce que Zubeldia peut penser revenir sur Vinokourov? Ah, il peut toujours rêver, hein, c'est la question que vous me posiez. Est-ce qu'il peut rêver? Il peut toujours rêver, mais la tendance lui est pas favorable, il continue de perdre du temps. Il a distancé Kobo Acebo, c'est la preuve que Zubeldia ne faiblit pas. En revanche, Vinokourov, alors que la pente est un petit peu plus sévère maintenant, creuse l'écart, 30 secondes d'avance pour Vinokourov. Ça commence à sentir de plus en plus bon pour Vinokourov. Et puis surtout, derrière, maintenant, la lutte s'est égalée puisque ce sera un contre un. Kobo Acebo a perdu quelques longueurs et donc a marqué le pas et ne pourra pas collaborer avec Zubeldia dans la poursuite sur Vinokourov. Les écarts, 30 secondes entre Vinokourov et Zubeldia, 35 avec Kobo Acebo, 40 secondes avec Kim Kirchhoff hein, qui est toujours là. Il y a un point numéro 4 hein, avec David Arroyo qui est juste derrière lui. Ensuite on a encore un groupe avec, bon, je pense que tout le monde a été rattrapé hein, parmi les 25 qui formaient l'échappée du jour. Je pense que tout le monde a été rattrapé, reste plus que Vinokourov, Zubeldia, Kobo Acebo, Arroyo et Kim Kirchhoff. Sinon c'est le groupe maillot jaune derrière lequel est Laurent Belay. Oui, groupe maillot jaune hein, qui a perdu, vous l'avez vu, Menchoff, Arvesen et Schleck. Arvesen et Schleck, deux équipiers de Sastre avec Astarloza, qui fait de la résistance hein, dans les roues. On est dans la pente, là c'est difficile pour tous les coureurs. Il y a Valverde qui ne semble pas au mieux là en fin de groupe. L'Andalouse qui maintenant à l'instant même est décroché par le groupe maillot jaune, un groupe toujours emmené par Michael Boger qui fait un boulot absolument fabuleux là pour son leader et toujours en troisième position. Et bien les Pfeimer qui semble attendre son,
son heure. Et puis, une fois n'est pas coutume, il me semble qu'il y a encore un équipier avec Cadel Evans accompagné par Horner. Et regardez cette image merveilleuse, fantastique d'un Tour de France où le peuple est venu. Les Espagnols en tête, encouragés pour l'instant, l'homme de tête Alexandre Vinokourov. Voilà une superbe image, on va la voir et la revoir évidemment. Ce monde là, cet endroit précis, et Vinokourov, eh bien, parti sans doute pour une belle bagarre pour la victoire d'étape, mais bien parti pour la victoire d'étape. Quel panache que Vinokourov. On pensait qu'hier soir, après le coup de buis qu'il avait pris, le coup de bambou derrière la tête, eh bien, certains imaginaient qu'il pourrait abandonner. Le voilà devant, Zubeldia à son tour. Kobo Asebo rejoint par Kim Kirchen. Que de monde, Laurent Jalabert. Ouais, beaucoup de monde, mais Vinokourov, seul en tête, se ferait un chemin sans problème hein, au milieu de la foule. Il est dans le dernier kilomètre maintenant. Il sera bientôt au sommet et il va pouvoir se lancer dans la descente. Il ne faudra bien sûr pas commettre de faute par la suite, mais on sent encore beaucoup de concentration chez ce coureur. Le coup de pédale est encore bon, enfin, alors que ce n'est pas impressionnant. Hein, ce n'est pas le grand Vinokourov que l'on connaît et qui dynamite la course quand... Quand il est dans un état de forme exceptionnel, on sent bien que c'est un coureur qui a été chahuté, hein, qui n'est pas à son meilleur niveau. Il a pris cette échappée de loin et il a su se débarrasser en plusieurs temps de tous ses compagnons d'échappée. Dans la souffrance, mais avec toujours le même panache, Vinokourov va passer au sommet maintenant dans 300 mètres et se lancer dans une descente qui devrait lui ouvrir la voie de la victoire maintenant. Sauf accident, bien sûr, Vinokourov devrait pouvoir l'emporter. Et pas de méprise, hein, Alexandre Vinokourov, 30e du classement général à 34 minutes 12 de Mikael Rasmussen, n'est pas dangereux bien sûr pour le maillot jaune. C'est vrai, l'on nourrira des regrets, mais on ne peut pas vivre avec les regrets. Mais un Vinokourov à 100%, sûr que celui-là aurait fait très mal au Tour de France et à Mikael Rasmussen. En tout cas, on aurait sans doute eu un autre scénario. On est en Haute-Pérou-Sourde et donc c'est le dernier col du jour. 30 points attribués au premier, c'est Soler hein, qui va perdre beaucoup de points aujourd'hui. Pas mal de points en tout cas par rapport à Mikael Rasmussen qui a donc le jaune bien accroché sur ses épaules. Et aussi le maillot blanc à poids rouge qui était son premier objectif, mais en cours de route ça a changé. Alors pourquoi une telle attitude dans le peloton? C'est un petit peu étonnant, mais je pense que Bogart monte trop vite tout simplement. Les Rabobank sont trop forts pour l'instant. Et on n'a pas tellement envie de se lancer dans des attaques qui peuvent être suicidaires. C'est un petit peu dommage parce qu'il faut quand même essayer pour voir. Peut-être que ce n'est pas si impressionnant que ça. Peut-être que justement un petit kilomètre heure plus vite et tout le monde explose, allez savoir. Alors là, on ne le saura jamais, bien sûr. Alors on va tout miser sur la prochaine étape. C'est un peu de risque pour miser tout sur une seule étape. C'est un petit peu risqué quand on a tant de retard. Je vous rappelle, hop, Contador est quand même à 2,23. Il est parti chercher Contador qui a attaqué. Ah bah attaque voilà, quand même de Contador. Allez. Alberto Contador et Rasmussen tout de suite a giclé et va revenir. Belle attaque de Contador. Il y a Rasmussen qui peut suivre. Ouh, et derrière, forcément, tout le monde a volé en éclats. Ah, Pérou-Sourde là. Regardez Rasmussen en danseuse qui revient. Ça y est. Il ne va pas s'arrêter. Il est revenu dans la route Contador. Il ne va pas s'arrêter. Si. La bagarre entre le premier et le deuxième. S'il s'arrête. Allez, pour commencer, allez, on ne sait jamais. Il peut exploser maintenant qu'il a fait un gros effort. Et derrière, tout le monde a explosé, c'est la même image qu'hier sur le plateau de Veille, sauf qu'il y a du monde devant aujourd'hui, hein. C'est pas comme hier, la victoire de Contador qui se retourne. Laurent Belay, vous en avez partout vous du coup. Oui, ça a bien fait le ménage, cette accélération de Contador. Bogert évidemment a sauté à Sarlozza, et puis il y a Kashechkin qui a attendu, qui n'a pas franchement répondu, mais qui s'est laissé un peu décrocher pour attendre Claudel, parce que Claudel a fait l'effet de cette accélération et Claudel à l'énergie revient à l'instant même dans la roue de Kashechkin, un groupe avec Sastre dans la roue, Kashechkin, Evans, Claudel, Valverde, quelques mètres derrière il y a Bogert et ensuite un petit peu derrière encore à Sarlozza. Ces hommes-là arrivent dans un virage mais ils possèdent maintenant une centaine de mètres. Le redémarrage de Contador. Contador qui attaque, Contador qui attaque de nouveau, mais Rasmussen répond. Attaque oui, de nouveau. Il a raison, là il peut. Oh là là, attention, c'est dur pour Rasmussen, il revient pas dans la roue, c'est très dur. Alors là, c'est un Lintox, hein, bien sûr. Ils ont tous les deux très très mal aux jambes, ça c'est sûr et certain. Et Contador qui continue son effort. Faut pas qu'il se relève, faut qu'il continue. Aussi mal qu'il est, l'autre, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Faut qu'il lui mette des mines comme ça, qu'il continue. Il va peut-être réussir à le faire sauter, ou peut-être lui, c'est qu'il se sautera. Mais au moins, là, il prend quelques risques. C'est peut-être un petit peu trop proche, je dirais, du sommet. C'est dommage qu'il n'ait pas tenté avant.
Mais en tout cas, il essaye quelque chose assez bien. On est au sommet. Ça va très vite, il reste 1 km. Ça ne sert plus à grand-chose. Les deux premiers du classement général, les deux meilleurs grimpeurs du tour. Hein, on le voit bien. Rasmussen, bien sûr, qui ne prend pas de risque, qui ne prend pas de relais et qui, évidemment, laisse faire Contador. Hop, qui repart, c'est reparti. Hop, troisième de Contador, Rasmussen. Il y a un peu de mal, on sent que c'est pas facile pour lui. On a les garçons là, Rasmussen, si ça insiste, il est peut-être en train de sauter, là, faut qu'il insiste, allez. C'est pas facile, mais il est peut-être en train de le faire sauter, regardez, il perd mètre par mètre, centimètre par centimètre. Peut-être que Contador est en train de le faire sauter là. Regardez, il a le coup de gauche là, il a une façon bizarre oui, hein, avec il ce coup de gauche. Il est en train de sauter, ça y est, c'est fini. Ah, c'est fini, il s'est rassis sur la selle, il y a un petit écart, Alberto Contador en train de venir attaquer. Rasmussen qui s'accroche, petite bagarre qui va revenir parce que Contador il est en train de sécher un peu quand même. Pareil, les attaques sont puissantes, sont longues, mais il ne peut pas enchaîner. Ah, s'il peut en remettre une là, il le laisse là. Hein. Il peut aller, hop, il a essayé, il se remet en danseuse. C'est reparti. Allez, Contador qui essaye de faire. Il n'en a plus dans les jambes non plus. Hein. Ouais. Et Rasmussen le sent qu'il n'en a plus dans les jambes. Il l'a vu démarrer, mais il a senti que ça ne pouvait pas aller plus vite. Là, il s'accroche. Évidemment, s'il bascule avec, il perdra pas de temps dans la descente. Il faut absolument que le lâcher, peut-être même que 15, 20, 30 mètres, ça peut suffire. Ça peut suffire pour faire 15, 20 secondes à l'arrivée. Et là, non, on reprend des coureurs. Regardez, il n'y a plus beaucoup de passage devant en plus. Allez, il faut quand même réessayer une nouvelle fois. Là, Rasmussen fait un peu d'intox, essaye de passer devant pour dire, tu vois, je suis toujours là. Essayez encore une fois, tant pis, on n'est plus très loin du haut. 2,23 d'écart hein, au classement général entre les deux. Je vous rappelle qu'il y a quand même des hommes devant. Hein. Vinokourov parti dans la descente. Là on peut plus passer pour attaquer, c'est un petit peu dommage. J'ose plus appeler Laurent Jalabert tant qu'on est là dans le dernier kilomètre, les derniers 500 mètres. On va rester avec ces deux-là. Attaque de Contador, c'est reparti. Dès qu'il a pu repasser. Et la réponse de Rasmussen, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Dans la moto, dans le sillage de la moto. Allez, c'est dur Rasmussen. Oui c'est dur mais il résiste. Il sait que s'il bascule et que c'est tout près là, hein, eh bien l'autre ne pourra rien faire. Ah mais il y a les voitures là, la moto. C'est pas bien ça. Je sais bien qu'il y a beaucoup de monde. Et du coup il est revenu Rasmussen. Ah oui, on n'a pas pris ses précautions là. Il va retrouver une capi, mais ça va pas servir à grand chose qui était encore là. Non parce que malheureusement. Enfin ils vont éliminer Cadel Evans, hein, c'est déjà ça. Alors, c'est dommage qu'il soit pris si tard, parce que je pense qu'il y avait une possibilité aujourd'hui de faire exploser Rasmussen. C'est pas facile, vous l'avez vu, hein, il faut faire beaucoup de démarrages, mais je pense que s'il avait commencé 2 km plus bas, il aurait peut-être eu une chance. Il a commencé un peu tard. C'est Ivanov qui est là avec Georgi Kapik. Belle défense de Rasmussen quand même. Hein. Ouais, c'est bagarré, mais bon. Belle défense. Sentiment qu'il n'était pas aussi souple qu'hier. Aussi serein qu'hier, hein ouais. Tout à fait. Et voilà Cadel Evans, le grand battu du jour, Laurent Bollet. Oui, Cadel Evans dans un groupe avec Valverde, mais on connaît les qualités de descendeur de Cadel Evans. Donc pour ce groupe-là, on n'est pas très très loin derrière. Hein, voilà, ils vont passer au sommet, il y a la banderole là du sommet, ça y est, top. Ils passent au sommet là avec Starlozza qui va être juste derrière. Voilà, ça peut revenir dans la descente. Ce groupe, ça n'est pas l'énergie. Ils n'ont pas les qualités de giclette de grimpeurs tels que Contador ou Rasmussen, donc ils l'ont fait comme ils l'ont pu. Mais dans la descente, ce sera une autre course. Bon, allez, ça ne reviendra certainement pas parce que devant, on a avec Contador, eh bien, on a le grand Incapi hein, qui a dû se préserver en fonction de cela, évidemment. On avait bien joué le coup au niveau du relais. Le relais, c'était Incapi qui a juste été pris en haut, donc c'est parfait pour la descente. Une descente où il y a du vent de face, du vent de dos. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus beaucoup de vent d'ailleurs même. Un homme enfin, en tête. Ça va lui faire un beau relais. Un homme en tête, Alexandre Vinokourov dans sa roue. On va retrouver Laurent Jalabert. Voilà, moins de 4 km de l'arrivée à Vinokourov qui aura fait une descente vertigineuse à plus de 80 km/h. Belle trajectoire, il était frais encore Vino hein, sur le sommet. Il a été capable d'avaler cette descente sans prendre de risques mais sans perdre de temps. Il avait 30 secondes d'avance au sommet sur Zubeldia. Je pense qu'il y aura au moins la même chose à l'arrivée parce que Vinokourov a vraiment été parfait dans cette descente. De belles trajectoires. Il a pédalé quand il le fallait avec un coup de pédale puissant, celui qu'on lui connaît. Il est à 3 km de l'arrivée. Ouais, sauf accident maintenant, plus rien ne peut lui arriver. Et donc Alexandre Vinokourov parti pour remporter une nouvelle victoire sur le Tour de France comme il l'avait fait à Gap en 2003, à Briançon et sur les Champs-Élysées en 2005. Et donc dans le contre-la-montre d'Albi, c'était samedi après-midi.
Malheureusement pour lui hier, le plateau de Bay lui a été fatal. Et que de regrets pour le Kazakh. Malgré sa chute, il était bien revenu dans le jeu. Et franchement aujourd'hui avec ce qu'il a fait, bon... Non, c'est pas la même chose, hein. Ouais, une longue échappée comme ça, on l'aurait pas laissé partir. C'est un peu ça, plus facile, effectivement. Effectivement, c'est un peu plus facile de pouvoir s'échapper quand on est à 30 minutes que quand on est dans le jeu. Et il aura le dossard rouge de... Alors demain, non. Demain, il se repose, il l'aura quand même. Il mettra sur sa table de nuit. Alexandre Vinokourov, mercredi, dans la dernière étape de montagne, aura le dossard rouge du plus combatif du jour. Et Zubeldia en deuxième position. Et il va voir revenir dans le rétroviseur et sur la roue arrière. Kim Kirchen, le luxembourgeois, et Zubeldia qui lâche tout le monde, hein, plutôt dans la descente. Et Juan Rosé, Kobo Asebov. Et le panneau, la banderole, 2 km pour Alexandre Vinokourov, ça remonte un petit peu là. C'est ça l'orange à la verte, on a la descente, puis là on a un faux plat. Hein. Ouais, c'était un petit peu technique ici, et puis une montée, hein, on peut dire vraiment c'est une montée, grand plateau quand même, mais 500 mètres à grimper, ça casse les jambes, après une descente rapide. Eh bien, il faut se remettre en danseuse. Les jambes brûlent, mais Vinokourov la balle avec une bonne aisance. Bien sûr, la victoire est au bout, donc il est porté par la foule, porté par ce qu'il est en train de réaliser, même s'il souffre certainement. Il avale cette montée comme s'il avait à faire une portion de plat. Là, je suis admiratif devant Alexandre Vinokourov. Ce garçon a quand même quelque chose, c'est vrai, de brillant. C'est un garçon qui sait attaquer, qui ose, qui a du caractère. Il y en a d'autres, hein, quand on est favori, il y a Zubeldia qui s'en va, là, mine de rien. Quand on est favori du Tour de France, qu'on tombe, qu'on perd, qu'on revient, qu'on repère, à un moment on jette tout, à un moment on jette tout, mais bon, lui il est là, et hop, hier il a pris 25 minutes. Ouh, regardez Contador de nouveau avec Incapi. Ils font une descente à fond, hein, vraiment, ouais. Vraiment à fond, à fond. Et Contador, il a peut-être manqué d'expérience tout de même, hein, c'est un jeune coureur, 24 ans. Jeune, moi, je pense qu'ils auraient dû au pied du col, alors c'est facile à dire après évidemment, hein, mais imposer un tempo plus rapide avec pourquoi pas Leipheimer et au début évidemment, comment s'appelle-t-il, Popovic, et puis il aurait dû attaquer plus tôt, la pente était peut-être pas très raide, mais attaquer plus tôt plusieurs fois comme il l'a fait, je pense qu'il aurait eu une petite chance, hein, peut-être pas importante, mais une petite chance de faire exploser Rasmussen. L'expérience de Rasmussen a sans doute préservé, ça a aussi préservé son maillot jaune. Allez, le dernier kilomètre pour Alexandre Vinokourov, parti pour réussir encore un exploit dans sa carrière, une victoire d'étape, grande performance, sa cinquième victoire, hein, sur le Tour de France, et le coup de pédale un jour sur deux, mais c'est pas très étonnant. Bon, mercredi, il peut mettre le feu. Il y en a d'autres qui peuvent mettre le feu. Bon, c'est joué. C'est un coup de poker, hein, qui va se jouer. Allez, oh, Alexandre Vinokourov. Il l'avait dit, je ne veux pas abandonner. Je suis le capitaine de route. Je vise encore quelque chose sur ce Tour de France. Eh bien, Laurent Jalabert, je vous aperçois. J'ai envie de dire coup de chapeau, monsieur Vino. La victoire d'étape ici, à Loudenvieux-le-Louret, et l'accueil du public qui va réserver, bien évidemment, un public énorme, bien sûr, et grande joie, hein, pour Alexandre Vinokourov. Grand moment pour lui, et belle victoire pour l'équipe Astana. Très belle victoire d'Alexandre Vinokourov ici à Loudenvieux-le-Louron. Ici, avant lui, s'était imposé Laurent Brochard en 97 et Gilberto Simoni en 2003. Grande victoire pour Alexandre Vinokourov. Kirchen qui a repris Zubeldia. Qui va faire une belle remontée là, Zubeldia. Il va prendre 4-5 minutes. Et Kirchen aussi. Et Kirchen aussi, bien sûr. Ils vont se remettre à 9 minutes, ils vont rentrer dans les 10 premiers. Ils vont revenir à hauteur de Valverde, ouais. Sans doute, et un petit peu derrière Astarloza. Ouais. Allez, la bataille entre guillemets, le sprint pour la deuxième place. A priori, Kirchen beaucoup plus rapide normalement que Zubeldia. Mais bon, après 196 km d'une étape aussi difficile, rien n'est simple. Mais quand même, normalement, le luxembourgeois devrait prendre la deuxième place. Il devrait la prendre assez facilement. Rien n'est facile. Mais bon, c'est des choses quand même qui sont un peu plus faciles que d'autres. Deuxième, Zubeldia au sprint. Kirchen, troisième, Aymar Zubeldia. Quatrième, Juan Rosé Cobo Acebo, l'espagnol de la Saunier Duval.
L'homme du jour, on va regarder quand même là la descente d'Incapi avec Contador dans sa roue, avec Rasmussen à la bagarre hein, pour ne rien perdre face à son dauphin. Je peux vous dire que j'ai regardé sur un autre écran la descente, ils l'ont pas ménagé les deux là, hein, les deux Discovery, ils l'ont pas ménagé du tout dans la descente, elle s'est faite à fond. Et combien de fois Rasmussen a été un petit peu décroché, il a dû faire des sprints terribles pour rentrer. La Contador a l'air un petit peu moins bien dans la fin de la descente. Allez, on va voir le une héros. Une descente au sprint pour tout le monde là. On va voir le héros. Le héros s'appelle Vino, il est avec Jean-René Godard. Oui, effectivement, avec Alexandre Vinokourov, trempé de sueur, qui est en train de s'essuyer, mais qui est content. C'était l'orgueil d'Alexandre Vinokourov qui a parlé aujourd'hui. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai été démotivé hier et bon, parce que j'ai pas de force hier, que bon, j'ai lâché, j'ai fini le tour, mais bon, après, toute l'équipe m'a encouragé, elle dit, bon, maintenant tu peux gagner les étapes encore, et bien, j'ai dit ce matin que je vais essayer, bon, on est bien parti, même si c'était pas facile, et le final, j'ai tout donné pour arriver seul à Périssurte, que je connaissais bien cette bosse-là, et je donne tout, moi, c'est une magnifique victoire. Alors c'est une magnifique victoire d'étape, Alexandre Vinokourov, incontestablement. Mais au fond de vous-même, vous devez quand même avoir de sacrés regrets. Vous étiez éblouissant l'autre jour dans le premier contre-la-montre du Tour. Vous êtes éblouissant aujourd'hui et vous êtes loin au classement général. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre pour le grand public. Oh, c'est pas difficile, mais bon, je crois que c'est... Hier, c'était les jambes, peut-être. Ça va, mais c'est la tête qui lâchait et... J'ai pas plus. Parce que je pense avec les chutes et tout ça, j'ai donné beaucoup de force pour récupération et c'est ça qui m'a fait un peu sortir de la route et bien, c'est dommage pour les... Beaucoup de regrets. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça. Je regrette rien, mais c'est la vie elle continue. Attention, un grand bravo à Alexandre Vinokourov. On va revenir sur Alberto Contador qui a une nouvelle fois... Merci beaucoup Alexandre. Merci Jean-René, qui a une nouvelle fois attaqué le maillot jaune Rasmussen. Ouais, Alberto Contador là sur le plus gros plat qui continue d'attaquer Rasmussen. Bien emmené par Incapi qui a ouvert la porte. Il essaye de grappiller des secondes Alberto Contador. Il n'a pas dit son dernier mot encore, le coureur espagnol. Et Rasmussen passe une mauvaise fin d'étape, mais enfin bon, il ne doit pas être mécontent quand même de résister. Il montre quelques faiblesses, il montre quand même aussi qu'il est présent. Mais il y a de l'espoir là pour Contador après-demain, parce que Rasmussen a quand même été limite. Et regardez, on va peut-être encore en mettre une petite là. Là, c'est fini, là, on est quasiment en haut du talus. J'ai suivi dans l'écran, sur l'écran, la descente. Rasmussen a eu chaud, hein. Il a été obligé de faire plusieurs sprints pour revenir dans les roues. Il n'a pas été ménagé du tout. Et là, il doit commencer, il est content très certainement de conserver ce maillot et d'augmenter l'écart sur ses principaux adversaires, sauf Contador. Mais en même temps, il doit se dire, oulala, ça va être dur dans deux jours. Allez, il faudra quand même que Contador n'attende pas les tout derniers kilomètres du col hein, pour faire ça. Arrivé de Bernard Coll, 7e, Christian Van de Velde, 8e. Les Espagnols ont fait 3e avec Zubeldia, 4 avec Cobo, 5 avec Garate et 6 avec Arroyo. Et on peut se dire aussi que là, il est en train de fatiguer évidemment Rasmussen. Ça peut aussi jouer dans le dernier contre-la-montre. Il n'a perdu que 37 secondes sur Contador, Rasmussen. Mais avec tous les efforts, la pression du tour, ça peut aussi aller à plus de 2 minutes. Hein. Ça peut faire très vite, ça peut faire cher aussi. En le fatiguant comme cela, il peut tout simplement lui faire perdre le tour plus tard, un petit peu plus tard. Alberto Contador est en droit de rêver, de réussir un authentique exploit, gagner le Tour de France. Oui, il lui a fait mal à la tête quand même, hein. Il lui a fait mal aux jambes surtout, mais moralement, Rasmussen sait. Ah, bravo Ludovic Turpin qui termine 9e de l'étape. Bravo Ludo, belle performance pour le coureur de l'équipe AG2R. 9e de l'étape. Et voilà les deux qui arrivent, Contador devant Rasmussen. Hier c'était pour la victoire d'étape au plateau de Baye. Cette fois, eh bien, ça ne servira pas à grand chose, c'est la 10e et la 11e place. Il n'y a plus de bonification, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a encore un petit peu de points au niveau du maillot blanc à points rouges pour Rasmussen? Il est 11e. Hein. Mais bon, ça doit donner des idées pour la dernière étape sur l'Obis qui est très très difficile. Incapi, 12e. Pour surveiller l'écart là maintenant entre les deux principaux, les deux numéro 1 du tour et les autres. On perd un petit peu cher à mon avis. Ouais, voilà le groupe Cadel Evans Clodon. Ouais, c'est sûr que Leipheimer, Evans et Clodon, 3e, 4e et 5e du général.
vont prendre assez cher dans cette... Il y a Valverde, il y a Sastre. Alors on arrive le dernier virage, on a déclenché le Roncaiolo chrono. Andreas Klöden sait que ça fait beaucoup hein, de temps de perdu, on est déjà à près de 45 secondes. On va être autour de la minute, hein. Les voilà qui arrivent, le 100 derniers mètres. Cadel Evans vient sprinter pour essayer d'en perdre le moins possible. Evans qui va terminer 13e, il y a Astar Loza qui est là aussi. Voilà, attention, Cadel Evans, 54 secondes de perdu. Quand même, ils ont perdu dans les centres. Vous avez eu le travail formidable d'Incapi, hein, qui a bien suivi, qui a bien fait son rôle de, eh bien de lièvre, de relais plutôt. On voit voilà le classement de l'étape. 4 Espagnols dans les 10 premiers. Oh non, je dis même une bêtise, c'est 5 dans les 10. Parce qu'il y a Contador derrière Ludovic Turpin. Merci de me de mettre le 10e. Au moins, je n'ai pas de doute sur l'affaire. Ah, grand battu du jour, Popovic avec Christopher Horner. Ah, je ne sais plus, on doit arriver pour la 20e place. Hein. Je n'ai pas compté tout le monde dans le groupe. Il y avait, bon, il y avait tous ceux qui étaient dans les 10 hein, dans le groupe. Il y avait Ledfeimer, Evans, Klöden, Sastre, Kashechkin, Astar Loza, Valverde et pas Popovic le 10e. Voilà, Franck Schleck qui termine. Et Christophe Moreau, tiens, le voilà Christophe. A bien sauvé les meubles aujourd'hui, a fait une grande descente tout à l'heure, nous le disait Laurent Belet. Et le champion de France, il va perdre un peu de temps, mais enfin bon, de toute façon, ça n'a plus d'importance pour lui. Hein. Maintenant, on attend un exploit de lui, pourquoi pas sur l'obisque. Christophe qui perd 7,40 sur Alexandre Vinokourov. Et Jean-René avec, voilà, on revoit la loupe et la victoire d'Alexandre Vinokourov. Et le Français du jour vient aujourd'hui, c'est Ludovic Turpin, Jean-René Godard. Oui, effectivement, nous étions il y a un instant en direct avec Alexandre Vinokourov. Nous rejoignons maintenant Ludovic Turpin. Alors, Alexandre Vinokourov était très heureux d'avoir, après une mauvaise journée hier où sa tête avait lâché, d'avoir gagné aujourd'hui. On peut imaginer que vous, Ludovic, vous êtes heureux de ce résultat. 9e, premier Français, c'est un bon résultat dans une grande étape des Pyrénées. C'est vrai que c'est pas à toutes les étapes de montagne qu'on peut réaliser une performance pareille. J'étais content d'être déjà dans la bonne échappée et puis après il fallait s'accrocher au maximum pour les accompagner le plus loin possible. Et pour moi le dernier col a été vraiment très dur, c'était au courage, je sentais que le peloton maillot jaune rentrait derrière moi et j'avais à cœur quand même de faire une bonne place, donc c'est vrai que je me suis dépouillé dans le final pour faire... Une 9e place, c'est peut-être pas super, mais bon, c'est déjà pas trop mal. C'est honorable. Ouais, non, mais c'est vrai que si vous mettez toutes les étapes de montagne comme ça, ce serait bien. Le fait que Christophe Moreau ait rétrogradé et disparu en fait de la bagarre pour le podium, vous a probablement donné aussi plus de liberté. Ouais, bon, on n'était pas non plus bridé, hein. C'est vrai que la tactique c'était toujours d'envoyer un coureur d'AG2R aux avant-postes. Il y avait moi, il y avait John Gadret, il y avait Stéphane Goubert qui avions la possibilité de le faire. Aujourd'hui ça a été moi, ça aurait pu être John, ça sera peut-être après-demain John, on verra j'espère. Donc, hier c'était lui, 20e premier français. C'était lui et il faudrait qu'il parte de loin pour essayer de faire une très bonne performance et on va essayer de faire la même chose après-demain. Merci beaucoup, merci. Et alors c'est marrant parce que Ludovic Turpin il aime bien les 9e places et les 15e étapes. Il avait terminé 9e de la 15e étape qui arrivait pas loin à Pau en 2005. Amusant. Voilà donc le classement général provisoire. Je crois Laurent Fignon que la conclusion s'impose. Hein. Oui, on a pratiquement plus que deux coureurs qui peuvent gagner ce Tour de France. Et on les a vus les deux plus forts en montagne, Rasmussen et Contador, avec un petit avantage malgré tout pour Rasmussen. Qui a 2,23 d'avance, il faudra aller les chercher, ce ne sera pas simple. Mais l'équipe de Contador, l'équipe Discovery, a quand même une force de frappe importante. Et elle devrait pouvoir manœuvrer demain, après-demain d'une autre façon. Il faudra qu'elle manœuvre d'une autre façon. Il faudra qu'elle prenne un peu plus de risques pour essayer bien, de battre ce Rasmussen qui fait quand même belle impression. Et on note le bon hein, de Zubeldia et de Kirchen qui étaient 13e et 14e. Et désormais, bien Zubeldia est 7e à 7,27. Et Kim Kirchen est désormais 9e à 8 minutes et 24 secondes. Voilà ce que l'on peut conclure ici, à l'arrivée à Loudenvielle. Gérard, bah, on commence à y voir très clair, hein, malheureusement. Et on n'est pas certain que Rasmussen perde un jour cette année son maillot jaune. Quoique, on peut penser que la Discovery Channel a des idées, mais bon, il faudra batailler autrement sur l'obisque. Hein. Mais il peut se passer beaucoup de choses au lendemain d'une étape de repos, sur une étape aussi difficile que cette dernière étape dans les Pyrénées. Ouais, une étape, on attendait beaucoup, hein, Thierry, Laurent. Et puis finalement, bon, en dehors de l'exploit de Vinokourov,
un jour sur deux. C'est quand même assez étonnant, ce garçon. Samedi au top, hier dans les bas-fonds, et aujourd'hui une nouvelle fois au top. Donc il y a le cas Vinokourov. Ça a toujours été comme ça. Hein, ça a toujours été comme ah, ça. Ouais. Ouais, si vous regardez bien tous les Tours de France, moi j'ai toujours vu Alexandre Vinokourov avec un jour 100. Ouais. Un vrai jour 100, mais bon, à chaque fois il prend 15-20 minutes, il prend cher. Hein, 28 hier. Hein, 28 hier. On va y revenir évidemment tout à l'heure dans le Vélo Club, on va analyser tout ça. On va beaucoup parler du cas Rasmussen qui continue de poser beaucoup de questions, et chez les suiveurs, et chez les directeurs sportifs, et chez les champions, et chez les coureurs. On en parlera tout à l'heure. On reverra malheureusement, et on aura des toutes dernières nouvelles de Christophe Lemével qui s'est cassé la clavicule droite. Voilà, voilà le programme du Vélo Club qu'on va retrouver dans quelques secondes. Thierry Adam, grand merci. Laurent Fignon, Jean-Paul Olivier, et puis Laurent Belet et Laurent Jalabert, merci beaucoup pour tous ces commentaires et pour ces 6 heures de télévision qu'on vient de vivre ensemble. On va continuer encore pendant plus d'une heure en analysant et en revoyant toutes les grandes et belles images de la journée. A tout de suite au pied des marches du Tour pour les podiums. Pour la beauté du chien. C'était le Tour de France sur France 2 avec les magasins de bricolage Weldom. Sur France 2, l'émotion du Tour de France avec France Pare-Brise, vitrage automobile. Retrouvez votre soirée cinéma sur France 2. T'as raison, ma friend. Avec Vegas de la Française des Jeux. Nous retrouverons nos foyers, tous ceux qui nous sont chers, pour partager nos trésors et le récit de nos aventures en Asie. Et nous jouirons d'une gloire impérissable jusqu'à la fin des temps. Ne crains-tu donc plus les dieux dans ton orgueil? Je vous ai conduit plus loin que mon père ne rêva jamais. C'est un nouveau monde. Alexandre. Alexandre le Grand. Oliver Stone s'attaque au plus grand conquérant de l'Antiquité. Alexandre, avec Colin Farrell et Angelina Jolie, ce soir sur France 2. AG2R, aux côtés de ses coureurs sur le Tour, et toujours à vos côtés. AG2R, l'avenir, c'est mieux avec 2R. Retrouvez votre fiction sur France 2. T'as raison, ma friend. Avec Vegas de la Française des Jeux. Vous pourriez faire attendre votre animal dehors? Louise ne sortira pas sans moi. C'est grâce à Louise si cette journée a été triomphale. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire en dehors du chi partout, hein? Ne sois pas étriquée, ma fille. Je me demande comment vous pouvez supporter de vous emmerder autant dans un salon où il ne vient jamais personne. Je pensais pas que j'allais vivre un moment heureux. Avec un désir qu'on n'arrive jamais à satisfaire. Tu veux pas m'embrasser? Bon, pourquoi donc? Une indienne du Québec et une oie polaire, ça vous change la vie? Louise, avec Catherine Jacob, demain soir sur France 2. Les marches du Tour, c'est simple, sur France 2, avec les magasins de bricolage Weldom. Sur France 2, l'émotion du Tour de France, avec France Pare-Brise, vitrage automobile. Nous avons quitté l'Ariège ce matin en passant par la Haute-Garonne. Nous sommes maintenant dans les Hautes-Pyrénées, de Foix à Loudenvielle-le-Louron, 196 km. Et pour cette 15e étape-là, la victoire d'Alexandre Vinokourov que nous allons maintenant célébrer au pied de ce podium. Podium à Loudenvielle-le-Louron, juste en bas du Persourde, tout près du lac, ici, c'est toujours magnifique. Il va apparaître dans une poignée de secondes ici sur les marches du podium. On va le célébrer pour sa deuxième victoire dans ce Tour 2007. Alexandre, blessé la semaine dernière, renaissant pendant le contre-la-montre d'Albi. Et aujourd'hui, au sommet de son art, en arrivant à Loudenvielle. Regardez cette image comme elle est belle. Le panache du coureur kazakh. On l'a répété plusieurs fois, c'était le grand favori de ce Tour 2007.
On l'attendait avec son équipe Astana, une équipe particulièrement en forme. Il l'avait prouvé pendant le Dauphiné Libéré en particulier. Et puis il y a eu cette fameuse chute d'Autun. Et depuis, eh ben Alex, c'est Alex Le Panache, le Kazakh flamboyant, qui aujourd'hui d'ailleurs sera élu le plus combatif du jour. Il a réussi à s'extirper d'un groupe de tête et ensuite creuser un véritable écart avec en particulier Contador et Rasmussen, les deux qui se battent, les deux jeunes qui se battent en tête, enfin deux jeunes. Rasmussen, il a quand même 33 ans. Mais voilà, voilà Alexandre Vinokourov ici, Loudenvielle-le-Louron, 196 km. Une étape traditionnelle, mais qui quand même était difficile, avec 45 km d'ascension pour un dénivelé de 3342 mètres. Et le bonheur pour ce garçon du Kazakhstan qui vient nous rejoindre. Bonjour Alexandre. Au moment où Mikael Rasmussen reçoit un nouveau maillot jaune, il ne veut plus le quitter, on l'a bien vu. Il a répondu aux attaques de Contador plusieurs fois. Aujourd'hui, il est resté dans la roue de Contador et il a terminé donc 5 minutes et 30 secondes derrière Alexandre Vinokourov qui vient de me rejoindre. Alexandre, la première image qu'on a envie de montrer, bah c'est ce sont vos genoux. Parce que pour une des rares fois, vous êtes sans pansement, vous continuez, je pense, de souffrir. Hein. Oui, c'est parce que c'est, non, maintenant je veux que ça sèche un peu plus vite. Et bien oui, ça reste toujours le mal, mais bien, je dis, hier c'était un peu journée difficile pour moi. Je crois que c'est la tête qui est lâchée et je ne peux plus. Même aujourd'hui, j'ai trouvé encore courage, motivation pour essayer de gagner l'étape. Et j'ai donné tout, l'équipe elle a bien travaillé. Et voilà, je connaissais bien cette montée périssure. J'ai dit, si tu bascules tout seul, en 30 secondes, c'est gagné. Bon, j'ai réussi, c'est magnifique. Quelle énergie aujourd'hui, quelle énergie. Et alors, ces genoux-là, hier, moi, je vous ai vu à la fin de l'étape, vous êtes tombé en plus dans la montée. Il y a eu un petit accrochage encore avec un de vos coéquipiers, je crois. Oui, c'était un spectateur qui accrochait mon équipier, Sergei. Bon, lui est tombé moi dessus et bon, j'ai touché un peu les jambes, les genoux gauches, mais c'était pas trop grave par rapport aux blessures que j'ai déjà vues. Bon, ça va, c'était seulement. Mais bon, aujourd'hui, c'est belle victoire pour l'équipe, pour monter encore motivation et tout. C'est magnifique. On peut dire aujourd'hui Alex Le Panache. Vous pouvez plus gagner le Tour de France, ça c'est sûr, pratiquement sûr hein, maintenant. Mais en revanche, c'est Le Panache. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, c'est Panache, tout. C'est dans la tête, je crois, qui ça joue quand même beaucoup. Et bien, c'est toujours. Même hier, j'ai monté derrière position, pas dernière, mais tous les gens qui m'ont crié, comme j'étais devant. Et ça. Ça m'a donné encore motivation pour cette étape aujourd'hui. De très bonnes jambes. Vous dormez bien en ce moment, Alex? Oui, je dors bien, ça va. C'est parce que bon, je ne joue pas les générales et ce n'est pas le problème. Jusqu'à minuit, jusqu'à 8 heures, ça suffira pour moi. On vous a vu faire le signe de croix de temps en temps et vous avez une croix très importante que vous portez. Vous êtes très croyant? Oui, je crois que oui, c'est un symbole. C'est ma femme qui m'a offert un cadeau et c'est comme ça. Et je crois que les dieux ils protègent de temps en temps. Merci, merci Alex. Merci. Un petit mot avec Corinne quand même, qui s'occupe de l'équipe Astana. Juste un petit mot, Alex. Corinne, bon, déjà c'est un grand succès pour l'équipe Astana. Mais alors il y a eu un petit incident sur la route avec un bus. Vous avez été fouillé par la douane, c'est ça? Est-ce que vous pouvez donner des précisions? C'est pas un incident, on a simplement été contrôlé par les douanes volantes. On était quatre équipes, CSC, Discovery et Rabobank. Les douaniers ont fait leur travail, donc voilà. Et puis il n'y a rien à dire. Vous étiez dans le bus vous-même? Oui. Comment ça s'est passé? Vous étiez sur un parking, comment ça s'est passé? Mais non, on rentrait en fait dans l'autoroute, on venait de prendre le ticket pour l'autoroute, on nous a demandé de nous parquer sur le côté et puis ben voilà, ils nous ont fouillé. Enfin, ils ont fouillé le bus. Ils sont repartis avec des choses ou pas? Non. En fait, c'est pas un incident du tout. Un contrôle de douane. Bon, là, le bonheur pour Astana. Comment vous fêtez ça le soir, vous, dans l'équipe Astana, lorsqu'il y a une victoire? Ben, en général, il y a la bouteille de champagne. Et puis, c'est vrai que pour l'équipe, pour l'ambiance, c'est beaucoup mieux. C'est très détendu. Vous êtes passé par des hauts et des bas hein, pendant ce tour. Ah oui, alors là, depuis le début, depuis Londres, alors on a tout vécu. Alors. Mais grâce à Vino, il nous fait vivre des heures fabuleuses. Mais le reste de l'équipe aussi. Hein. Merci beaucoup. Merci, voilà, l'attaché de presse de l'équipe Astana, avec donc les confidences de Corinne. Parce que c'est vrai que quatre bus donc, du Tour de France ont été fouillés par la douane
aujourd'hui sur un parking, juste en arrivant ici, en venant ici sur Loudenvielle, le Louron. Alex qui nous a quittés pour remonter sur le podium et pour recevoir le trophée du plus combatif aujourd'hui. Voilà, il le méritait largement bien. Michael, on vous retrouve encore en jaune. C'est pas facile avec Contador, hein, vraiment. Non, effectivement, il accélère de façon formidable et j'ai eu du mal. J'étais vraiment sur le point d'être lâché, en fait, dans les derniers kilomètres. On l'a vu une fois, deux fois, trois fois accélérer et vous avez réussi à revenir. Oui, comme je l'ai dit, en fait, j'étais vraiment sur le point de lâcher lorsqu'il a démarré. Je crois que dans le peloton, c'est certainement celui qui est capable d'accélérer le plus vite possible en montagne. Et Hincapié était devant aussi. Moi, je savais qu'il fallait que je reste dans sa roue, sinon jusqu'au col, sinon j'aurais eu des ennuis pour descendre tout seul. Pour gagner le Tour de France, Michael, il vous faut combien de minutes d'avance avant le contre-la-montre pour vous? Je crois que si je peux rester à peu près avec Contador sur le col de l'Aubusque, à ce moment-là, je crois que je pourrais garder le maillot lors du dernier contre-la-montre avec mes deux et quelques minutes. Je vous avais posé la question, mais on n'était pas venu au détail. Vous vous êtes vraiment entraîné spécialement pour les contre-la-montre? Vous êtes devenu un grand rouleur maintenant? En fait, j'ai fait plus de courses, plus de journées de course cette année. Et j'ai fait aussi donc plus de contre-la-montre que les années passées. Et avec l'équipe Rabobank, nous avons aussi optimisé la position sur les vélos, l'aérodynamique pour les vélos de contre-la-montre. Donc je suis plus à l'aise sur le vélo que je ne l'étais par le passé. Michael, dernière question. Tout ce qu'on raconte sur vous, tous les problèmes avec Rabobank où les journalistes posent des questions sans arrêt, ça vous trouble vraiment? Ça vous énerve? Oh, c'est une autre chose. Non, ça ne m'embête pas en fait. Je me suis entraîné pour ce tour depuis que j'ai quitté le lit d'hôpital au mois d'octobre, quand je me suis cassé la jambe. Et le Tour de France, j'y ai pensé à chaque instant depuis octobre donc, depuis que j'ai abandonné mon plâtre, mes béquilles, et j'ai fait tout pour être au mieux de ma condition au mois de juillet. Alors je ne laisse rien en fait venir entre moi et la course maintenant. Merci Michael. Merci beaucoup. Merci pour ces confidences. Donc oui, pas de préparation spéciale contre la montre pour Michael Rasmussen qui a pourtant réussi une performance assez étonnante en terminant 11e donc du contre la montre d'Albi. Il a dit j'ai roulé, voilà, je me suis plus entraîné que les autres années, surtout motivation après un grave accident, c'est vrai. Les deux garçons qui se retrouvent en tête du classement général en ce moment, c'est-à-dire Contador et Rasmussen, ont eu tous les deux des énormes pépins dans leur carrière. Jean-René Godard, oui, avant de filer vers le vélo club et analyser tout ça en détail avec Laurent Jalabert et avec nos invités, Jean-René, les délais, vous êtes avec Jean-François Pécheux. Oui, effectivement, je suis avec Jean-François Pécheux, le directeur de la compétition sur ce Tour de France. Alors, d'abord, Jean-François, le chiffre des délais. 43-29, mais ça va rentrer, normalement ça doit rentrer. Alors 43 minutes 29 secondes entre le moment donc où Alexandre Vinokourov a franchi la ligne et le moment où il faut arriver pour ne pas être hors délai. Pour l'instant, cela fait très exactement 24 minutes 50 secondes que Alexandre Vinokourov a franchi la ligne. Vous pensez, Jean-François Pécheux, compte tenu des informations que vous avez, notamment du camion balai, vous pensez que tout le monde devrait rentrer dans les délais de 43 minutes 29? Oui, parce que tout le monde était pratiquement groupé au pied du premier col de la dernier grand col de la journée et normalement ça doit rentrer pour le plus gros de la troupe et il y en a deux qui ont abandonné, qui étaient loin derrière, qui ont abandonné, donc normalement tout le monde doit rentrer dans les délais. Voilà, c'est une information, merci Jean-François Pécheux. Voilà, et puis l'image, voilà pourquoi on l'appelle Chicken, voilà l'explication, pourquoi on l'appelle Chicken. Michael Rasmussen, c'est très simple, hein. On l'appelle Chicken parce qu'il n'a pratiquement pas de cuisses et pratiquement pas de mollets. Regardez ses jambes, c'est encore plus flagrant peut-être lorsqu'il n'est pas sur sa bicyclette. Michael Rasmussen, dont on va parler tout à l'heure dans le Vélo Club, à propos alors des déclarations de Pat McQuaid, le président de l'UCI, qui a dit finalement si jamais il gagnait, ça ne serait pas forcément...
très 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 bon, enfin on emploiera exactement les mots qu'il faut tout à l'heure. Et puis il y a Patrice Clerc aussi qui dit, le grand patron du Tour et d'ASO, qui dit que finalement ça serait pas forcément bon non plus pour le Tour. Enfin bref, on va évoquer tout à l'heure dans le Vélo Club avec le club de la presse toutes ces questions, et on va revenir aussi sur, donc je vous le disais tout à l'heure, les toutes dernières nouvelles concernant Christophe Lemévelle, le coureur du Crédit Agricole, qui est tombé, une chute très spectaculaire. Il s'est cassé la clavicule droite. Il sera opéré demain à Rennes. Et on aura les toutes dernières nouvelles sur sa santé et sur son état avec le médecin du Crédit Agricole. Voilà, on se retrouve dans le Vélo Club dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Pour la beauté du C'était les marches du Tour sur France 2 avec les magasins de bricolage Weldom. Sur France 2, l'émotion du Tour de France avec France Pare-Brise, vitrage automobile.